Wow, quasi à l'heure. C'est dingue. Bonsoir, vous allez bien? Ah si les gars, je suis arrivé dans mon studio, il restait 2 secondes, donc on peut dire effectivement que je suis à l'heure. Merci beaucoup pour du train de hype. Wow, mais qu'est-ce qui se passe? Je me suis réabonné. Bonjour. Dès le début, ça ment fort. Non mais si vous partez du principe que 21h, je suis en retard d'une heure. Non, je suis pas en retard. En vrai, je suis pas en retard. Comment ça là? Est-ce que vous allez bien? Attendez, je mets un peu de musique peut-être directement pour qu'on se sorte dans une ambiance un petit peu sympa. Pas bonjour, bonsoir. Bonjour tout le monde. En fait, si jamais je live le soir, je dis bonjour. Si jamais c'est le matin, je dis bonsoir. Voilà, et si ça emmerde, moi je suis toujours la personne où quand il y a le caissier, je dis bonjour. On dit bonjour en même temps, elle lui dit bonsoir, moi je dis bonjour. Voilà, ça arrive plus souvent à Noémie que moi d'ailleurs. Comment ça va? Vous allez bien? Vous avez passé une bonne journée? Moi ça va, pas trop fatigué, ça va, j'ai pas beaucoup dormi forcément, j'ai pris de la route, voilà, enfin j'ai fait de la route, c'est sympa. Quelle bonne idée de se réveiller, de se coucher à 3h, de se réveiller à 7h pour aller marcher 24 km, et ensuite repartir en se réveillant. En vrai là j'ai dormi 7h. Et en fait comme un con, j'ai pris rendez-vous chez le véto à 10h15 et du coup j'étais obligé de partir chez mes parents vers 7h pour partir quoi. Force pour la marche, merci beaucoup. Écoutez, c'est fait, j'ai des ampoules, vous pouvez pas imaginer. Là, si je vous montre, c'est... Bah, regardez. Regardez, je vais vous montrer mes ampoules. Hop là, regardez. Oh, t'as vu la lumière? Ah non, mais c'est ouf, les gars. Mes ampoules, c'est vénère. Attendez, je vous remercie. Merci Azrod pour le 10e mois d'abonnement. Rachel pour le 3e mois. Alice, 2e mois. Amandine, 13e mois. Katou, 10e mois. Katou, 500 bits. Merci beaucoup Marina, 45 bits avec le doux message, mes bits. Merci beaucoup Fanny, 15e mois. Joagram, 2e mois. 62k, 100 bits. Merci beaucoup Pinacolada. Un an d'abonnement, un an que je te suis, toujours autant un plaisir. Ça fait vraiment plaisir, merci beaucoup de l'année de soutien. Et merci Maribi pour le 2e mois et Ophélie pour les 5 bits, merci beaucoup. J'avais oublié les générations des derrière. Oui, en plus on a du boulot aujourd'hui. On a du boulot entre une personne qui doit devenir une star, une personne qui doit donner naissance potentiellement à la 5ème génération, une personne qui doit trouver son futur mari, qu'on va devoir sélectionner avec minosité, comme on dit. Tout le monde dit ça, et ça va être énorme. En tout cas, j'espère que vous allez bien. Trop bizarre d'être là en live après avoir regardé toutes les rediffusions de Génération Leader au travail. Ben oui, là, et là, je lis ton message. Tu te rends compte un peu?
Ça fait bizarre. Comment tu vas bien, Eva? Et comment ça va? J'ai vu qu'il y avait des nouveaux messages aussi. Je suis désolé, je vous ai raté. J'espère que vous allez bien. Pour les personnes, les premières fois qu'elles sont arrivées, j'essaye d'accorder toujours. Flora, comment tu vas bien? D'accorder toujours pas mal d'importance pour les personnes qui viennent arriver au moins pour la première fois de leur vie, quoi. Genre par exemple Guess qui a écrit son premier message du chat, c'est beau. Carla, 18e mois d'abonnement, merci beaucoup. Merci, merci. Comment ça va en tout cas tous ceux qui viennent d'arriver? J'espère que vous allez bien. Moi ça va super. J'étais sur ton live pour mes 18 ans et me revoilà sur ton live pour mes 19 ans. Attends, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu as eu ton anniversaire aujourd'hui? Est-ce que ça veut dire que là, c'est pas sur ce live, on est d'accord? C'est quand ton anniversaire? Salut Lucas, je t'ai découvert il y a quelques jours sur YouTube. J'ai beaucoup accroché à ta personnalité, une vraie bouffée d'air dans la journée. Tu me fais beaucoup penser à Show 1. Ah ouais? Je connais que deux noms, Show 1. Continue comme ça, tu es super PS, courage pour la marche. Merci beaucoup, c'est adorable. Bah écoute, bienvenue en direct. Du coup, je vais enlever mon pull parce que j'ai chaud. Alors qu'avant, j'avais froid. Le live, ça donne chaud, voilà. C'est ça la morale. Hop là. En tout cas, ça fait très plaisir. Voilà, ça fait plaisir. Je vous remercie beaucoup pour vos messages. Ah, mes cheveux, c'est plus possible. Non, mais vas-y, c'est n'importe quoi. Attends, attends, juste. Hop, hop, hop. Voilà, c'est histoire que moi, mon casque, ça fasse pas n'importe quoi. Xexa. Ah, bah, c'est, on dirait mon ancien pseudo, quoi. Mon ancien pseudo, c'était Xoxy. C'était infernal à dire. Xexa, c'est pareil, franchement, ça aurait bien matché avec Xoxy, quoi. Ça fait plaisir, bonsoir tout le monde. Let's go, Eva. J'espère que tu vas bien. Palm, comment tu vas bien? Je rate des gens. Gotex, merci beaucoup pour le 3e mois d'abonnement. Merci beaucoup. Mimion, le 13e mois. Merci. Boucle d'or, comment tu as Bing? Abaïs, comment tu as Bing? Attendez, je rattrape un peu. Black Da, comment tu as Bing? Mel, comment tu as Bing? Manon, le cactus, comment tu as Bing? Ok. Joyeux anniversaire, du coup, Ina, si c'est ton anniversaire. Joyeux anniversaire. Ça fait plaisir. Xoxy, c'était pas mal en vrai. Xoxy, bien fait de changer. Est-ce qu'on a eu des nouvelles de Bob Le Four? Malheureusement, Bob Le Four est toujours dans Poppy Playtime. Voilà. D'ailleurs, la VOD, la première VOD est sortie. Et la deuxième VOD, il y a Bob Le Four. Va bientôt sortir. Demain. J'ai mes 4 dents de sagesse, je suis en PLS. Ah merde, je suis là comme ça. Avec de la glace et tout infernal. Tu dois avoir, comment ça s'appelle, la bouche, enfin la mâchoire enflée. Ça doit être un truc de fou. Lucille, comment tu vas, Bing? Je sais que ça donne une allure de castor, généralement ça. Merci Lucas, t'es en live, j'ai failli balayer le gamin de ma sœur qui fait une crise parce qu'on n'est pas d'accord avec lui, il a 6 ans. Écoute, Walton, t'inquiète pas, moi mes enfants, tu sais très bien dans les Sims, hop, une énorme claque dans la gueule, il va au milieu de la route, on attend la voiture. T'inquiète pas, ça va peut-être te faire souffler un peu. Athéna, comment tu vas, Bing? Je t'ai occupé, t'inquiète, y'a pas de soucis, comment tu vas, Bing? J'espère que ça s'est bien passé. So Wayne, comment tu vas, Bing? Merci Neko pour l'année d'abonnement. Merci! Et merci encore à Neo Freya, 2e mois. Luan, Jad, Aizon, comment tu vas, Bing? Tom Pousse, ça fait longtemps que je suis enfin de retour sur live. Bah écoutez, en plus, Génération Leader de la semaine dernière était complètement fou. Ceux qui n'ont pas vu, peut-être il y a des gens, ils ont regardé le live, mais ils n'ont pas regardé le montage. Regardez le montage, les gars. Mon frère rajoute une plus-value incroyable au montage. Il y a beaucoup, beaucoup de choses rajoutées, c'est trop bien. Vraiment, vous allez vous régaler. Je pense que vous allez regarder la vidéo, vous allez faire. Comme ça, je pense. Voilà, j'espère que ce sera pas autrement, quoi. 4, comment tu vas, Bing? Solicida, comment tu vas, Bing? Aline, comment tu vas, Bing? En vrai, il y a un truc, j'ai envie de vous raconter un petit peu ma journée d'hier quand j'ai marché et tout. Mais à la fois, j'ai pas envie, parce que j'ai filmé pour YouTube et je me dis, bah ça peut être intéressant de pas spoiler. Voilà. Est-ce que c'était dur? Est-ce que pour moi, c'est mission impossible? Est-ce que là, le fait d'avoir fait cette marche, ça me fait réaliser que bordel de merde, en fait, ça va être compliqué de faire ça sur un jour? Je pense que je vais pas spoiler. Je regarde les replays depuis 2 ans et enfin, je suis sur le live pour la première fois. Let's go, c'était quoi ça... Laura, ça a été quoi le déclic? Ça a été quoi le déclic de passer? Allez, c'est bon maman, c'est le 22 février, on va passer sur les lives. Ça fait plaisir, en tout cas, bienvenue. Ok, il adore les enfants tellement qu'il les enferme. Mais c'est ça, je les enferme avec beaucoup d'amour. J'aurais bien aimé utiliser mon prime, mais l'amour fait que je le laisse à mon conjoint. Y'a aucun problème. La présence suffit largement, même si bon, l'amour est censé, c'est un partage. T'es vraiment le connard. Aurélie, 3e mois, merci beaucoup et merci. Asuna pour le 2e mois, merci beaucoup Aurélie, Asuna. Merci bien. Alors, Alusraël, qu'elle dit? J'espère que ce live n'est pas préenregistré, ça me décevrait énormément en tant que modératrice de TikTok Live France. Cela fait 3 mois que notre stagiaire qui surveille les lives est parti. Je dois avouer que je pioche au hasard des livres à bannir. Trêve de plaisanterie, plaisir de se retrouver en live. En plus, je suis en train de faire un fanart en ton honneur. J'espère le finir avant la fin du live pour pouvoir voir ta réaction. Ah ouais. Après, te fous pas la pression si jamais c'est demain, après-demain. Tranquille, te fous pas la pression. En tout cas, ça, avec plaisir, si même si vous avez des dessins, vous dessinez, vous faites des trucs comme ça, vous faites de l'art tout simplement, n'hésitez pas, il y a sur le Discord le channel art, et j'aime bien jeter de temps en temps ce que vous faites, et c'est très stylé. Attends, j'entends le scooter comme si j'étais dans la rue,
C'est fermé ou quoi là? Merde! Merde! Si jamais vous voulez vous abonner avec PrimeTel, normalement il y a une nouvelle commande qui est toute propre, toute belle pour faire voilà, sur téléphone pour s'abonner. Vous pouvez associer votre compte, vous abonner gratuitement, c'est toujours plaisir. Vous avez des emotes, plus de pub et du soutien gratuit pour moi, donc c'est juste énorme. D'ailleurs, j'aime bien vous donner cette info, mais vous savez que j'ai un code créateur lorsque vous achetez un pack Sims, LUK en code promo. Bah, j'ai eu les résultats de combien j'ai gagné en janvier. Donc je vais vous le dire, j'ai eu ça tout à l'heure. Donc je vais vous dire combien j'ai gagné en janvier. Voilà. C'est intéressant, je trouve, à savoir. Et c'est là qu'on peut voir. Bah voilà, combien je gagne. Donc je vous rappelle qu'en décembre, lors du code promo Lucas, c'est pas un code promo, c'est un code créateur. C'est vraiment, genre, imaginez, vous achetez un pack, bah vous mettez un code créateur, ça vous rajoute 0€, mais ça soutient, en fait, c'est qu'au lieu de donner votre argent 100% à Electronic Arts, vous donnez 95% à Electronic Arts et 5% au créateur que vous voulez. Et donc voilà, j'ai eu, du coup, je vous rappelle, en décembre, plus de 996 précisément, personnes qui ont acheté un pack avec le code, ce qui m'a donné un total de 1 400€, évidemment brut, hein, donc c'est énorme. Et ce mois-ci, attendez, la première fois je crois, oui c'est ça, et ce mois-ci, donc le mois de janvier, donc 1er au 31 janvier, s'il y a eu un 31, j'ai eu un total de 502 ventes, enfin 502 personnes qui ont utilisé le code promo, et un total de $598, donc merci infiniment. Pas de rire, juste des applaudissements. Merci infiniment à toutes les personnes qui pensent à l'utiliser. Ça me soutient gratuitement. Dites-vous que vous dépensez de l'argent en achetant un pack. Vous n'êtes pas obligé de le mettre. C'est un soutien totalement gratuit. Et ça me rapporte $600. Donc c'est juste une dinguerie. Merci infiniment. Voilà, juste là, c'est trop stylé. Tu te rends compte un peu l'argent bonus que ça donne, c'est... On finance les bugs. Là, après, si vous voulez un conseil, l'utilisez pas en ce moment. Voilà, utilisez pas en ce moment, n'achetez aucun pack pour le moment. Attendez que Electronic Arts se calme niveau bug. Voilà, ça serait con quand même d'encourager Electronic Arts à leur dire « Hey, votre jeu il est bugué à un point inimaginable. » Je vais en faire un TikTok d'ailleurs. Je vais en faire un TikTok de ça où vraiment je vais péter un peu un câble par rapport à tout ça, parce que mardi la session était juste horrible. Enfin, j'ai adoré jouer, mais niveau bug, j'ai dû redémarrer mon jeu 4-5 fois quoi. Là on arrive à un moment où vraiment le jeu il suffoque et ça devient un peu compliqué. Donc faudrait qu'ils arrivent à réaliser un petit peu que là, les bugs, il faut vraiment les corriger avant de sortir d'autres packs. Voilà, petit coup de gueule, ça passe. Mais voilà, c'est donc utiliser plus tard l'achat des packs, évidemment. On va attendre de voir si la mise à jour du 27, qui va corriger plein de bugs, va corriger. Je vais faire comme si j'avais pas vu ce message, surtout qu'il n'y a pas de bits. Hier, j'avais rien enregistré, gros bug, j'ai tout quitté. Non, mais c'est... Je me suis fait une réflexion qui, je pense, est vraie. Je sais pas ce que vous en pensez, mais le jeu à l'heure actuelle est tellement buggé que pour arriver à s'amuser et arriver à contourner les bugs, il faut être un bon joueur des Sims. Une personne qui lance les Sims pour la première fois, qui tombe sur ses bugs, juste c'est une barrière infranchissable, il ne peut pas jouer. Genre là, ce qui fait qu'on arrive à s'amuser sur le jeu, c'est que quand il y a un bug, on arrive à le résoudre d'une façon ou d'une autre, en utilisant des codes de triche, en allant dans les menus, gérer les mondes, tatatatata, dans tous les sens. Mais il faut s'imaginer que les Sims, quand tu y joues pour la première fois, c'est un putain, c'est une usine. Ça va dans tous les sens, tu comprends rien, t'as des milliards d'infos, c'est horrible. Donc, en fait, les nouveaux joueurs, ou juste les joueurs actuels, ne peuvent pas jouer aux Sims. Ils peuvent pas, parce qu'en fait ils jouent aux Sims, ils lancent leur jeu et juste ils ont 2-3 bugs qui leur gâchent totalement l'expérience de jeu, et tout ce qu'ils trouvent à faire c'est échappe, quitter le jeu, et ils switch et ils vont sur les Sims 3, les Sims 2 ou alors ils vont sur League of Legends. Mais genre c'est un truc de fou. Bah ouais, le debug, il y a tellement de choses qu'un nouveau joueur ne peut pas connaître. Il faut se bouffer des vidéos dans tous les sens que tu comprennes un peu quoi. Même échappe, ça marche pas chez moi, bah ça c'est un truc de fou. C'est un truc de fou. Pauline, comment tu vas, Bing? Lazob, comment tu as Bing? Hello, comment tu as Bing? Et puis pour faire des échappes tous les 3 secondes pour des bugs, c'est insupportable. Lorraine, comment tu as Bing? Julia, comment tu as Bing? Mais bref, je vais faire un TikTok de ça où je vais un peu faire un petit coup de gueule. Parce que bah, c'est aussi, je pense, mon rôle de créateur de contenu. Je vis des Sims, donc je l'exploite jusqu'à la moelle, le jeu. Et je pense que s'il y a des gens qui doivent râler ou se plaindre de choses, bah, c'est moi. Je suis créateur network, je fais du contenu sur les Sims.
il faut que j'ouvre ma gueule quand je suis content, ce qui est le cas souvent, et il faut que je n'hésite pas à ouvrir ma gueule quand ça va pas. Mais par contre, faut pas râler pour rien. Genre, il y a des gens, ils râlent un peu pour rien. Des fois, il y a des trucs comme ah, je suis pas content, mais au pire, t'achètes pas ce pack, tu vois. Genre, t'es pas content, c'est pas grave, il y en a d'autres. C'est pas vu les sorties qu'ils font, il y a pas à être déçu de quelque chose qui sorte. Mais c'est aussi mon rôle, je pense, c'est pour ça, tu vois, il y a cette contradiction. Code collaboration commerciale. Si jamais vous voulez tout de même acheter un pack, pensez à soutenir moins Electronic Arts plus moi, ça m'est bien. Et voilà quoi. On l'a vu avec Squeezie, bah ouais, le pauvre quoi. Tu regardes sa vidéo YouTube, il a skip 1h30 de gameplay parce que juste il a tout perdu, ça avait aucun intérêt quoi. Juste quand j'ai fait une grosse construction, après voilà. Mais oui, le mode construction encore, ça va, il est pas si bugué. Si jamais vous faites pas de gameplay, ça va. Et encore, allez faire des constructions rondes, on en reparle s'il y a pas de bug. Et encore, en construction, ce qui est censé être le truc le plus stable. Hein. Comment ça va, ce qui vient d'arriver ? Pauline, Julia, Ojadel. Le seul bug que j'ai, c'est le échappe. Ouais, mais tu dois pas faire beaucoup de choses en gameplay alors. Sans triquiter. Je pense que les gens qui ont pas de bug sur les Sims, c'est des gens qui jouent de manière simple, x1, qui cherchent pas à créer des trucs, comment ça s'appelle, un peu farfelus, tu vois, j'ai envie de dire. C'est assez basique. Et encore là, y a des bugs, genre un peu de simulation, des trucs comme ça, quoi. Ça parle de quoi ? Je parlais du fait qu'en ce moment, les Sims, c'est horrible à quel point c'est buggé. Je pense qu'on a jamais eu un stade aussi buggé du jeu. Voilà. Genre actuellement, mardi, hein, pour ceux qui ont vu le live de mardi. Mardi, je lance le jeu, ça freeze tout le temps. Je vous rappelle au cas où que j'ai un ordinateur à 5 000 €. Comment les Sims peuvent bugger sur un ordinateur à 5 000 € alors qu'il y a des jeux récents qui demandent des ressources de ouf qui est plus fluide que les Sims? C'est pas possible. Ensuite, je ferme le jeu, je le rallume, je pose une construction, donc je suis dans le mode achat. Je l'ai dit en plus que le mode achat il avait pas de bug, bah là j'ai eu un bug. Je clique sur un objet, je le pose, il se pose pas. Une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, cinq fois, six fois, rien ne se pose. On redémarre le jeu. Et puis j'ai eu un autre bug, je sais plus pourquoi. Ah oui, je voulais placer, comment ça s'appelle, ma station de clonage. Hop, impossible à placer, elle se remet toute seule dans mon inventaire en boucle, en boucle, en boucle, en boucle. Et puis, on le sait que... On peut se dire, oui, mais Lucas, t'as des modes. Mais les gars, j'ai Chitui, Extrême Violence, et j'ai MC Command Center, j'ai pas 50 modes, quoi. Donc, et puis même, la dernière fois, j'ai joué sans mode, il y a autant de bugs. Pourquoi autant de bugs maintenant ? Parce que en fait, ils ont des milliards de packs d'extension, que ça crée des conflits, que ces conflits, ça crée des bugs, et que pour les résoudre, bah, en fait, c'est compliqué. Demain, tu crées un jeu, il est tout neuf, il est tout sorti, c'est bon. Mais là, en fait... c'est pour moi, corriger un bug, c'est comme mettre 4 aiguilles dans 500 bottes de foin. Genre vraiment c'est ça. Et c'est pour ça qu'en 3 mois ils corrigent pas de bug. C'est parce qu'il y a tellement de choses qui peuvent provoquer ce bug. Ça vient de quoi? Est-ce que Halloween il est bugué par tel pack? Est-ce que c'est lié à ça? En fait peut-être que c'est bugué parce que notre moteur graphique c'est de la merde. Et attends, mais peut-être qu'en fait ça mène à ça. Et en fait à mon avis les développeurs ils doivent juste s'arracher les cheveux quoi. C'est une dinguerie. Attendez, il y a un bug qui casse les couilles en construction. On met les comptoirs pour mettre des tabourets de bar qu'on peut pas mettre, sauf si on supprime le comptoir et qu'on le remplace, ça se saoule. Mais tu vois, il y a des développeurs, tu sais que demain il y a un bug, il est corrigé dans la journée entre guillemets, dans la semaine. Par contre, Lucas, tu ne veux pas jouer à League of Legends ? Pourquoi tu dis ça, Angelin ? Pourquoi tu dis ça ? Par contre, dans les Sims, tu sais qu'il y a un bug, ils vont corriger par contre avant un bug de résolution d'image dans le menu principal. Et s'ils n'ont pas de cheveux, s'ils n'ont pas de cheveux, c'est peut-être parce qu'ils se sont tout arrachés fringants. Voilà. Wanderer, comment tu vas, Bing ? Comment ça va ? Attendez, juste je regarde ça, hop je clique, voilà, ça débug le truc. Nickel. Mais bref, voilà, c'est compliqué, j'en ferai un TikTok, ce sera le moment de tout partager. Et justement, ce genre de TikTok là où je vais juste exprimer mon point de vue, plus construit, mieux et tout, ce sera le moment où il faudra se plaindre en masse. Il faut que si demain il y a un mec d'Electronic Arts qui voit, une personne qui travaille chez Electronic Arts qui voit le TikTok, il faut qu'il voit que la communauté elle est d'accord avec ça. Et que c'est pas possible. Et que vous partagez votre expérience aussi. Parce que on peut pas demain t'es une boîte de jeux vidéo, tu peux pas essayer d'attirer des nouveaux joueurs quand ton jeu il est aussi peu fonctionnel que ça quoi. C'est pas possible. Je joue plus trop aux Sims, mais Sims font jamais les actions que je demande. Bah généralement c'est ça hein, tu cliques, hop il fait rien. Tu dois recliquer deux fois, c'est chiant. Après il faut avoir le réflexe de réinitialiser le Sims. Mais imagine juste un nouveau joueur, ton Sims il bouge pas, tu fais quoi? Tu sais pas qu'il faut appuyer sur Shift plus clic gauche et faire réinitialiser le Sims, tu le sais pas. Demain tu freeze, tu sais pas qu'il faut appuyer sur échappe. C'est des bugs qui pour nous c'est naturel de le faire, mais pour une personne qui vient de commencer c'est impossible. Est-ce que tu trouves ça normal que pour expliquer à quelqu'un comment jouer à un jeu, tu lui expliques comment contourner les bugs? C'est ça la façon d'expliquer à un joueur comment jouer au Sims. C'est le truc de...
Vas-y, en fait, il faut que tu arrives à comprendre quand il y a ça, c'est un bug et il va falloir que tu le résous toi-même. C'est ouf quand même, c'est lunaire en vrai. C'est lunaire. Merci Neko pour le 8ème mois d'abonnement, merci Aurélie pour les 50 bits. Merci beaucoup. Miss Simset, comment tu as Bing? Mimine, merci beaucoup pour le 15ème mois. Et compris si tard pour les chats pour arrêter de freeze, je pensais que ça venait de mon PC. Bah ouais, tu imagines le nombre de gens qui jouent en freezant de fou. C'est le 27 là avec la mage, je ne change rien, je pense boycotter le complet le jeu malheureusement. Bah en vrai c'est pas... tu fais bien, j'ai envie de dire tu fais bien. Je pense que c'est... Je pense qu'à un moment vraiment si dans 1-2 mois le jeu n'est pas corrigé, je pense que même il va falloir faire quelque chose avec tous les créateurs et faire quelque chose en fait. une grève. Mais c'est compliqué de demander à des créateurs, venez on fait grève. Parce que pas tous les créateurs peuvent se permettre de pendant 2-3 semaines arrêter totalement de jouer au jeu. Et de ne plus du tout en parler. C'est pas possible. C'est pas possible. Mais grève des Sims, bah tu... En vrai, ça les mettrait mal. Parce qu'en fait, ils vivent comment les gens, les créateurs de EA? Ils vivent clairement grâce aux créateurs qui animent leur jeu. Imagine, il n'y a plus de créateurs. Tu crois que les Sims, ils durent combien de temps? Mais ils durent plus. Genre, il y a plein de gens qui jouent aux Sims parce que ça donne envie à travers des créateurs de... Ah putain, ça donnait des idées, let's go. C'est ça qui donne envie, tu vois. Et il y a beaucoup de gens qui rallument leur jeu grâce aux créateurs. Donc en fait, si jamais il y a des gens à qui il faut faire grève, bah c'est les créateurs. En mode, bah écoutez, voilà, on fait de la pub indirectement tous les jours sur votre jeu, on donne envie à plein de gens d'y jouer. Mais là, juste, faut arrêter, quoi. Faut arrêter. Mon commentaire s'est mis en anglais. C'est toi qui as écrit en anglais en mode... Ah, je suis désolé, putain, il y a l'anglais qui a pris le dessus. I'm sorry, je suis désolé. Céline, comment tu vas bien? 22ème mois d'abonnement. Faites grève, eh ouais, mais faut que je fasse grève. Comment tu vas bien, maman? Comment tu vas bien, Céline? Mimine, merci beaucoup. Il se passe quoi? Non, juste les Sims qui deviennent tellement buggés. De toute façon, on va voir aussi bien. Je me plains. Ce soir, ça va être une masterclass sans aucun bug. Et je pense qu'il faut noter tous les moments où il y a un bug. Jamais autant reset mes Sims que ces derniers temps. Et surtout, est-ce qu'on réalise que là, il y a plein de bugs nouveaux en ce moment qui ont été ajoutés par le vitiligo? C'est-à-dire que le vitiligo, un détail de peau, provoque des bugs dans le jeu. C'est même pas une mise à jour, c'est un... Je sais plus comment ils appellent ça. Genre une mise à jour cadeau, je sais pas comment ils appellent ça. C'est même pas une mise à jour. T'as des bugs qui sont ajoutés par des détails de peau. C'est lunaire quand même. C'est lunaire. Je comprends pas, tu vois. Encore tu ajoutes 1 milliard de nouveautés. C'est normal qu'il y ait du conflit. Mais un détail de peau. Ajoute contenu gratuit. Ouais, c'est ça. Livraison. C'est ça. Merci Mia pour le follow. Merci maman encore une fois pour le 27ème mois d'abonnement. Putain. Bref, on va voir. J'espère vraiment que le 27, ça va corriger des bugs. Ça me saoule un petit peu que le 27 il corrige des bugs et que le 29 il sorte un nouveau contenu payant. Ça fait un peu proche quand même. Attendez de corriger votre jeu et après sortez du contenu payant s'il vous plaît. Parce que là on peut avoir l'impression que la correction de bug elle est juste là pour adoucir un peu les bords de « Hey, on sort un nouveau contenu, notre jeu il est injouable » mais vous inquiétez pas, on corrige les bugs avant. Bref, on va voir. Juice, merci beaucoup pour le 8ème mois d'abonnement, merci beaucoup. Je trouve que c'est trop dommage qu'un pack aussi hypé que Halloween soit complètement gâché. Pour moi, il est gâché par les bugs et gâché par le fait que le moteur graphique empêche de rendre ce pack amusant. Voilà, c'est comme ça. Et ils ont été, à mon avis, limités avec Vicitadine pour pas faire des apartés et tout. Et en fait, peut-être que c'était trop gourmand et qu'avoir Vicitadine aurait fait laguer le jeu de ouf. Et du coup, ils se disent, vas-y, go le donner en fin de vie des Sims 4 plutôt qu'en début de vie. T'es 27 mois que ta maman, elle paye son sub, la pauvre, offre-lui. Elle soutient son fils, Canel, t'as rien compris toi, c'est quoi ce bazar? Elle soutient son fils et tu veux qu'elle soutienne son fils en lui donnant l'argent? Mais on est où? Elle me donne mon argent du mois, tous les mois. Elle me donne, elle dépense 4€ pour son fiston. Et ben voilà, tu vois le petit argent, allez, elle lui qu'elle t'ira t'acheter des bonbons. Ben voilà, tous les mois, grâce à elle, je peux lui acheter des bonbons. Voilà, donc merci maman, grâce à toi. C'est mon petit argent de poche, c'est ça. J'avais perdu le mot, c'est vrai qu'il était compliqué en plus. Je suis en double déception entre l'annonce du nouveau pack qui m'enjaille pas du tout et les millions de bugs du jeu. Moi c'est surtout un pack qui nous plaît pas, OSEF. Ça peut pas plaire à tout le monde et le pack hype plein de gens, trop bien. Je m'en fous. Je m'en fous de ça. Ce qui est important, c'est juste que rend le jeu jouable. Et avant d'ajouter un nouveau contenu, s'il te plaît, corriger les bugs. Parce que ça veut dire quoi là? C'est-à-dire qu'ils vont corriger des milliards de bugs le 27 et le 29 il va y avoir de nouveaux bugs parce qu'il y a un nouveau pack qui sort. C'est une boucle sans fin. Et on connaît les Sims. 10 bugs de corriger, 20 de retrouver. Sauf qu'ils font ça depuis 7 ans. Donc maintenant, 10 x 20, chaque 3 mois, vous faites le calcul, on a 4500 bugs pour 1000 de corriger. C'est pas possible! C'est pas possible! J'allais m'asseoir, mais faut dire bonjour à YouTube et partir sur la vidéo là. Il est déjà 21h30. On va arrêter de blablater, on va arrêter de râler. On est des bons Français, nous, non? Oh la baguette, le pinard, on râle. Oh non, mais il y en a marre! Venez, on fait grève. Venez! On va prendre l'Elysée, les gars. Ah non, c'est pas eux qu'il faut s'y plaire. Colin, merci beaucoup pour le 10ème mois! Merci beaucoup. Merci.
Aïe, aïe, aïe. Ah là, c'est pas... On va, comment ça s'appelle, voir Electronic Arts. Je crois qu'ils sont aux États-Unis. On va manifester avec nos cartons. Exactement les mêmes cartons de Halloween. Comme ça, ils vont voir un peu. Ils vont voir. Hein. Et on va péter un câble comme les PNJ de Halloween. C'est-à-dire, t'es là, tu vis ta vie tranquille. Et d'un coup, tu sais pas pourquoi tu pètes un câble. Eh ben, nous aussi, voilà. On va pas comprendre qu'est-ce qui va déclencher le pétage de câble. Mais on va aller vers leurs locaux. Et avec notre vieux carton avec écrit des trucs en simlish. On fait non, non, non. Et ils vont faire quoi? Ils vont venir, clic gauche sur nous et dire promettre que ça ira mieux. Promettre que ça ira mieux. Mais ça va pas forcément aller mieux. Les promesses rendent les enfants joyeux. Et ben voilà, et on va enlever notre carton et on va partir. Finalement on est des PNJ. En fait ils nous expliquent qu'on est des putains de PNJ, bordel. Tout se lit là, c'est bon. Colin, merci beaucoup pour le 10e mois d'abonnement. Merci beaucoup, merci Julia. En fait vraiment, tu te rends compte qu'ils se foutent de notre gueule à travers un pack. En fait, à louer les manifestations, ça sert à rien comme nous quand on râle en fait. C'est ça que ça veut dire. Et les gars, on n'est pas dupes. On n'est pas dupes. Merci Manons pour le 7e mois d'abonnement. Merci beaucoup. Merci, merci. Putain, je vais faire un lien les gars. Je vais en faire un TikTok de ça, c'est sûr. Tout ça est une métaphore de nous-mêmes. Regardez, on joue à notre propre jeu. C'est dingue. Je vais prendre ma douche, je reviens. Vas-y, vas-y. Bon Lurk. T'es un génie, mais oui c'est ça. Une émote manifestation en vrai de ouf avec un panneau. Ça serait incroyable. Vas-y attends, je le note. La dernière fois les gars, on avait eu plein d'émotes, d'idées d'émotes trop bien ajoutées. Devinez quoi? J'ai pas sauvegardé le fichier. Alors, émote manifestation. Voilà, mais imagine même demain on fait un raid, on spam les manifs. Ah c'est énorme. D'en découvrir des nouveaux tous les jours. Ah bah oui, les c'est... On dirait un calendrier de l'avant, un nouveau bug par jour PTDRRR. Ouais, même plus qu'un bug par jour. Regarde la rediff, comment ça, Noémie? Regarde la rediff. J'ai pas compris. Merci Marine. Merci Manon. Donné. Merci Julia Bakugo pour le Prime. Bienvenue, merci beaucoup. Merci, merci. Est-ce que toi aussi, Noémie, sur Twitch chat, des fois t'as un bug, tu sais pas pourquoi, il y a le chat, il part en couille, il fait fou, il se remonte tout là-haut pour te soutenir des suggestions. Ah ouais, de ouf. Ah oui, de ouf, d'accord, je suis con. Venez les gars, on dit, oui, je sais plus en fait quand on les a fait, c'était il y a longtemps. C'était il y a très longtemps, je crois, je sais plus si c'était en début ou fin de live. Je pense que c'était pendant live GTA, je sais plus. Parfois j'ai des bugs, il faudrait que je le remonte au développeur. Il y a que moi que je vois pas certains messages dans le chat où c'est mon téléphone qui est en fin de vie. En fait, vu que c'est une rediffusion là actuellement, j'ai fait cette vidéo il y a super longtemps. J'invente des messages, donc c'est pour ça peut faire un peu bizarre. Oui, Franck, ça va super. Oui, Antoine, oui, la marche est bien passée. J'en parlerai dans une autre vidéo, Antoine, parce que sinon, j'ai envie d'en faire une vidéo, j'ai pas envie de spoil, voilà. Oui, Giseline. Oui, ça va très bien, merci beaucoup. C'est quand qu'on joue, Martine? Ben, on va jouer maintenant, Martine, elle a raison. Lolo qui lance un loto directement. Marine, 6ème mois, merci infiniment. Pourquoi je vois pas mes pommes de pain? Putain, j'invente à chaque des messages. Ça doit bugger, je pense. Bon, est-ce qu'on dirait pas bonjour à YouTube? Voilà. Pourquoi le Wizbot envoie des coordonnées de CB? Parce qu'en fait, il y a des fois, voilà, ça récupère vos données bancaires, ça les envoie dans le chat quand vous achetez un abonnement et voilà, comme ça le chat peut se régaler. Vous avez certainement oublié de décocher le petit truc en mode j'accepte de partager mes données bancaires aux streamers et à tous les viewers quand vous abonnez. Donc voilà, ça doit être pour ça. Mais vous inquiétez pas, généralement les viewers sont assez généreux. C'est pas vrai évidemment, c'est mes fausses coordonnées bancaires. C'était un running gag à un moment, il y avait des gens qui disaient tu peux pas s'il te plaît mettre tes codes bancaires, et du coup j'ai fait une commande. Voici mes codes de carte bleue, code à 3 chiffres. S'il vous plaît, ne dépensez pas plus de 10€ par personne parce que sinon j'ai plus d'argent, etc. Évidemment, voilà, tout ça est de l'humour. Cette carte bancaire n'existe pas, même si j'aimerais énormément savoir le nombre de personnes qui ont tenté premier degré d'utiliser cette carte bleue. Vraiment, je pense qu'il y a des milliers de personnes qui l'ont fait. T'es un petit clown. Mais c'est ça. Je suis un clown. C'est une vraie carte. Chut, vraiment. Tant que les gens n'auront pas essayé, ils peuvent pas le savoir. Imagine, depuis le début, c'est de l'argent. C'est une petite carte où je mets toujours de l'argent dedans. Il y a pas petites économies. Ah bah ça. Y a quelqu'un qui arrive, il essaye, c'est sûr, tu vois. Il va s'acheter un... Tu sais, il va essayer d'acheter, comment ça s'appelle, un pack Sims avec le code créateur Luca. Et il essaye, il se dit, vas-y, au pire, j'utilise son code créateur, ça passe, tu vois. Pauline, comment tu bing? Ta carte à fringant. C'est pour ça qu'il est... C'est pour ça qu'il a le seum à chaque fois que j'en parle. Écoutez, on va dire bonjour à YouTube. Je vais mettre une petite musique adéquate, je pense. Nuit Fauve, merci beaucoup pour le 2e mois d'abonnement. Merci beaucoup. Merci. C'est surtout qu'il n'y a pas, tous les numéros. Follow. Ah bon? Fais voir. Mais personne m'a dit ça. Personne m'a dit, Lucas, il manque les numéros de ton truc. Attends, point d'exclamation CB, voyons voir.
Il manque des numéros ? Il manque quoi ? Ah oui, c'est vrai. Généralement, c'est 3, c'est 4 lignes de 4 chiffres. Oui, c'est vrai. Mais après, peut-être que c'est ailleurs. Mes abonnements, ça ne fiche plus. Girafe actualise ta page. Généralement, quand vous êtes sur téléphone, vous fermez l'application. Si vous êtes sur PC, vous relancez la page et ça devrait marcher. Il manque 4 chiffres. Ça, vous les devinez. Aussi bien, j'ai mis vraiment ma CB. Juste, j'ai pas mis les 4 derniers chiffres. Hein. Une chance sur 1000. Il manque ton compte en banque, s'il te plaît. Chloé Castinguet, directement 18e mois d'abonnement. Merci beaucoup. 16e, pardon. Je t'ai rajouté 2 mois. J'espère que t'es pas déçu. Merci beaucoup. 16e mois d'abonnement. Merci beaucoup, Chloé Castinguet. Merci, Grandemang. Écoutez. On part direct, on va mettre, attendez, je vais mettre Welcome sur Epidemic Sound et je vais chercher une musique. Ok. Welcome to the city. En fait, j'ai pas envie de parler avec une chanson où il y a des paroles, quoi. Ça. Ça. Welcome home. Attends, j'ai une idée. Non, c'est nul ça, c'est nul. On va mettre ça plutôt. Ça me termine. Rinette, 20e mois, merci beaucoup. À chaque fois, il me saoule celui-là. Venez, on met ça. Alex, c'est Unravaled Feldup. Je parle à mon frère, il fait les montages, comme ça, il va la télécharger direct. Il faut être sérieux les gars, il faut être sérieux. Bonsoir à tous et bienvenue dans cet épisode 18 du Génération Leader. La semaine dernière, il s'est passé de nombreux... Il faut que je me déplace comme ça. La semaine dernière, il y a eu de nombreux crimes. Effectivement, Karaoke étant une future star, elle a beaucoup de concurrence. Elle a donc fait appel à son père qui a tué toute la concurrence. Ils sont tous morts. Là les gars, c'est badant, ça fait très Feldup et tout. Ils sont tous décédés, aujourd'hui c'est la suite de cette histoire. Bon visionnage. C'est glauque de ouf. Alex, il va en avoir mort, comment ça? Ça va être horrible avec cette musique. Ah là là, mais ça va être stylé. Attends, je suis trop zoomé. Limite, je vais continuer comme ça. Et les gars, on est directement sur le jeu vidéo. Allez, on est parti. Bon, pour l'instant, le jeu ne s'affiche pas, malheureusement. Hop là. Non, vas-y. C'est quoi l'auto? Vous donnez un nombre entre 1 et 10. Et c'est Siri qui va choisir à la fin. Donc, c'est littéralement un loto. Voilà. Voilà, vous voyez. Je vais m'asseoir parce que vous savez, j'ai marché 24 km. On est plutôt jeune. Rinette, merci beaucoup. Vanilla, merci beaucoup. Jadou, merci beaucoup. Merci pour vos abonnements, les gars. Merci beaucoup. Non, les gars, c'est pas dans le chat. C'est dans la prédiction. Regardez, dans le chat. Attendez, faut que je mette la musique adéquate. Dans le chat, vous avez une prédiction. Vous cliquez sur les pommes de pin en bas et vous allez avoir une prédiction. Vous allez donner un nombre entre 1 et 10. Et c'est qu'à la fin que vous allez savoir. L'histoire que je viens de raconter est 100% vraie, et de la raconter me glace le sang. Voici un timecode pour la passer. Mon visionnage. Ok, c'est bon, les gars, à chaque fois je me prends dans le jeu de Feldup, quoi. J'ai réussi à m'abonner avec Prime sur Tel. Yes! Sur Tel, on est d'accord, Prime Tel, putain, c'est incroyable, la commande marche, c'est fou. Trop bien la musique, et ouais, c'est Feldup. Tu connais Feldup, on est d'accord, dans les miens, je m'en rappelle plus. Est-ce qu'on a déjà regardé du Feldup ensemble? Je crois pas. Voici la minute calcul mental. 3 plus 4 fois 8. Est-ce que... Je m'en rappelle plus. Est-ce que c'est les additions qui sont prioritaires ou les multiplications? Je crois que c'est les multiplications qui sont prioritaires. Donc c'est pas 4 fois 8. 32 plus 3. Donc ça fait 36. Je sais plus, les gars. Je sais plus. Pourquoi on fait des maths? C'est... Qu'est-ce que tu fais? 35. Oui, je sais même pas. Le mec, il sait même pas calculer 32 et plus 3. On est où? La musique. Vous entendez de la musique là? Vous entendez pas de musique? Pourquoi vous dites ça?
Merci Baïmela Wadiams. Merci beaucoup pour le 9e mois d'abonnement. Merci beaucoup. Comment tu vas, Bing? Comment ça va? Qui fait des maths? Non, mais voilà, c'était. Je déteste les maths. Les gars, je fais première parce que j'aimais pas les maths. Mais juste Final Fantasy m'a remis dans les maths parce qu'il y avait eu des calculs mentaux et c'était très compliqué. C'est une maison de la sauvegarde de NS. Eh ben, je prends ça pour un compliment. Non, c'est une sauvegarde. C'est une maison en ruine qu'on rénove. Et c'est juste ouf. Regardez ça, à quel point c'est mimi. C'est magnifique. On se régale. On a karaoké là. On a un truc ici. On a un appartement en haut qu'on loue. On a tout en haut, rien du tout. Ici, on a des petites caves avec un petit enfant qui regarde tranquillement. Attendez, faut vraiment que je mette la musique de Feldup en boucle. Hop là, je la mets là. Voilà. Oh non, mais putain, mais j'ai oublié de désactiver le renouvellement automatique des abonnements. Mais putain, attends, mais vraiment. 4 balles à lui, là. Attends. C'est laquelle? C'est pas celle-là? Non, celle-là. Non, celle-là. 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 C'est laquelle? Creepy Down, je crois. Non. Celle-là. Nous avons mis dans la chambre de notre ex-femme une poupée qui est en train de regarder la fenêtre et qui la regarde certainement dormir. C'est réel. C'est ouf comment une ambiance peut directement changer la donne. Alors que de base, on a une musique de fête, quoi. De base, on est comme ça. Yes! On l'a séquestré. Amélibus, merci beaucoup pour le 4e mois d'abonnement. 14e mois, pardon. Et Samon, merci beaucoup pour le 3e mois. Merci beaucoup. Merci. Attends, fais voir Noémie. Waouh. Nos émotes en plein petit déjeuner. Putain, c'est fou. C'est grave différent, j'aime bien. Elles sont grave différenciables. J'adore. Pensez à Grotesca avec qui a commencé dans une ruine de ouf. On vient de voir. En vrai, de ouf, hein, Grotesca qui est. Bah, je sais pas, je crois que je l'ai dans ma bibliothèque, la ruine de base. Je crois, si je dis pas de conneries. Faites voir. Est-ce qu'elle est là? Moi, ouais, je crois que c'est ça. Voilà, de base, c'était notre maison. On avait la structure, tu vois. Mais on avait tout qui était dégommé dedans, quoi. Donc, c'est ouf à quel point de voir comment elle a changé. Voilà, j'aurais presque envie de la réinstaller, mais ça serait abusé, non? Pourquoi tu joues à jeu de filles? Je sais pas, fringant, je vais arrêter, t'as raison. Amélibus, merci beaucoup pour le 14e mois et merci juste inattendu pour le 3e mois d'abonnement. Merci beaucoup, je te remercie. Ok, nickel. Bah écoutez, la semaine dernière, il s'en est passé des choses avec notre petit Fatal Bazooka. Je vous rappelle qu'il a fracassé tout le monde. Fatal Bazooka qui est le protecteur adoré de notre petite karaoké. Karaoké qui est devenu une star 2 étoiles. Effectivement. Karaoké qui a galéré à monter en grade et pourtant elle a réussi. Karaoké qui est au lycée aussi, qui a raté son bal de promo la dernière fois, malheureusement à cause d'un bug. Très très triste. Je vous rappelle aussi que l'épisode s'est quasiment terminé. Sur Karaoké qui essaie de trouver l'amour de sa vie. L'amour avec un grand A, avec lequel elle allait trouver. Elle allait faire la dernière génération du Génération Leader, la génération 5. Et pendant qu'on était en extase et en amour fou avec quelqu'un, il a décidé, pour je ne sais quelle raison, de prendre une bouteille, de nous la fracasser sur la tête. Alors, Fatal Bazooka a décidé de prendre les devants et de le monter en l'air et de le faire redescendre plus bas que terre. Il a dégommé, il est mort, caput, c'est ciao, il est mort! Donc voilà, Fatal Bazooka qui est arrivé en calbut au lycée afin d'exploser un élève. C'est la vue que vivent tous les gens qui travaillent avec des enfants et les parents. Celle-là? Les poupées? Non, pas aussi grand. Je pense pas. Décide de se pencher allègrement au-dessus du lit de Michel. Je pense pas, l'Israël. De la colonie de vacances. Karanawak, 13e mois, merci beaucoup. Il va y avoir l'alerte dans pas longtemps. En vrai, je pense pas, l'Israël, je pense pas. Je pense pas que la poupée fasse 4 fois la taille d'un humain. Je pense pas. Karanawak, 13e mois, merci beaucoup et merci à l'Israël pour les 100 bits. Merci Bing. Lucie, comment tu es Bing? Vas-y Marion, des bisous. Des bisous à ceux qui y vont en tout cas. Et des bonjours à tout le monde qui va. Viens, là. Ok, let's go. Écoutez, du coup, semaine dernière, j'ai réussi. Je vous rappelle que le mode Extreme Lore, c'est maintenant en français. Il y a Kimi qui est la traductrice des modes sur le site Mod Sims 4 qui l'a mis en français. C'est pour ça, regardez, il est tout beau, tout français. Ça fait du bien à voir. Et du coup, j'ai réussi à les rendre complices. C'est-à-dire que Karaoké, officiellement, sera contente lorsque Fatal Bazooka va fracasser quelqu'un. Elle ne va plus avoir peur en mode « Oh non, qu'est-ce qu'il fait ?» Alors que, en fait, dans l'histoire, c'est elle qui le demande, quoi. Et du coup, ça va être sympa. Mon bal, comment tu vas, Bing? Il est parfait ce mode, putain, il est parfait. Et donc, actuellement, j'ai l'impression que ça se fracasse un peu la gueule. J'ai dynamique familiale difficile, c'est un peu chiant. En vrai, ils s'entendent plus. Putain, mais les gars, harmonica et karaoké,
Ils se détestent au plus haut point. Les gars, je sais pas pourquoi. Karaoké, elle a beau avoir une réputation extraordinaire. Elle a beau avoir une très bonne réputation. Et ça a beau être une star. Ils se détestent. En fait, tout le monde la déteste. J'ai l'impression que si elle va dans un bar, tout le monde va lui chier dessus. Et vous savez quoi? En parlant de bar, on va y aller. D'ailleurs, elle grandit, les gars, dans 2 jours. Parce que dans un jour, c'est minuit. Donc dans 2 jours, elle est jeune adulte. Dans 2 jours, elle peut enfin tomber enceinte et donner naissance à la toute dernière génération. Mais caribou, je ne vais pas me presser. Je vais pas me presser pour la simple et unique raison qu'on a plein de choses à faire avec Karaoké encore. Elle doit devenir une star. Et si jamais elle décide d'avoir un enfant, ça va peut-être devenir un peu le prioritaire. Et surtout, il va falloir réfléchir vraiment au mari qu'on va sélectionner. Parce que je vous rappelle que là, on n'a plus le droit à l'erreur. On n'a que 2 accouchements. C'est les 2 derniers accouchements qu'on a. Et si les enfants, ils sont ratés, eh ben ils sont ratés. Voilà, il n'y aura pas d'autre choix. Et ça, c'est un peu con. La carrière avant les gosses. Mais c'est ça. On pense à nous. Il faut penser à nous. Et puis, ça va devenir une star. Non, en vrai, j'ai la pression parce que si jamais, imagine, on a un enfant qui hérite encore de la peau de Grotesca, qui est de la première génération, au bout d'un moment, ça va commencer à nous taper sur le coquelicot. Voilà, permettez-moi de vous le dire. Bon, écoutez, les 2 sœurs qui dorment toujours ensemble malgré le fait qu'elles se détestent, il y a une fuite d'eau. Où ça? Dans notre maison? Mais non, faudrait qu'elle dorme, les gars, en faisant un petit live comme ça, elle montrait un petit peu ses réseaux, hein, ce serait pas mal. Tous nos espoirs reposent sur ses épaules. Ouais, vraiment, vraiment, vraiment. Relooking Harmonica. Elle est parfaite, Harmonica. Va pas me dire qu'elle a besoin d'un relooking. Regarde sa petite tête. Franchement, c'est pas cool pour elle, quoi. C'est pas cool pour elle. Elle est juste parfaite, Harmonica, avec son petit bonnet de bain dans le lit, là. Elix, 7e mois. Et Laurine, 3e mois. Merci. En vrai, merci infiniment pour tous vos subs, là. Vous êtes beaucoup à vous abonner. Merci beaucoup de votre soutien. Que ce soit avec Prime. Avec Prime, il y a beaucoup de gens qui du coup, y arrivent, j'ai l'impression. Ça fait plaisir. Merci beaucoup pour votre soutien. Lady, comment tu vas? Il y a un morceau de mur pas correct sur la façade de la maison. Je l'ai vu, vous l'avez vu. Et je peux pas mettre le mode achat parce que il y a une fuite d'eau. Mais elle est où la fuite d'eau, les gars? Il y a aucun objet qui a pété. Il y a juste l'évier qui a pété. À réparer, vas-y. Bon, écoute, tu vas te réveiller, toi. Et tu vas réparer, tu vas essuyer les flaques d'eau. Et puis, il n'y aura plus assez de flaques d'eau pour... Même ça, tu vois, dans Alloué, même ça, c'est buggé. Voilà. C'est pourtant rien, hein, qu'ils ont ajouté. C'est vraiment juste des objectifs au mode... Hey, t'as des fuites d'eau, bah, tu répares. Voilà, t'es comment ça s'appelle? T'es un propriétaire, donc forcément, t'as des soucis à régler. Ah bah, attends, mais c'est qui ça? C'est Surprise. Ah bah, Surprise est en train de nettoyer des fuites d'eau là. Mais écoutez, c'est énorme. C'est énorme. Écoutez, ah oui, ici aussi, non? Mais oui. Est-ce qu'elle n'aime pas la danse? Les gars, Karaoké qui aime pas la danse. T'as quoi? Je dis oui à tout. Comme ça au moins. Elle va péter un cap devant la danse. Mais arrête, va pas danser alors. Les gars, c'est bientôt le lycée. Demain on va au lycée. C'est notre dernier jour de lycée. Donc va falloir qu'on trouve notre futur mari. Ou alors, son futur mari, elle ne le trouvera pas au lycée. Parce qu'il peut y avoir que des énormes nullos au lycée. Voilà. Et nous on s'en bat les couilles. Juste, elle va faire un live pendant qu'elle va manger. Autant essayer d'être une star 3 étoiles. Et je crois qu'il y a un moyen d'augmenter la notoriété pas mal. C'est en allant dans les dans le téléphone. Regardez, normalement si je dis pas de conneries, ici on a en point de notoriété ceci. Agence de relations publiques. Laisser une agence de relations publiques aider Karaoké à gérer son image. Et du coup, normalement, si j'appelle, je peux recevoir en 2 secondes. Attends, réserver une détox de célébrité? Non. C'est où qu'on voit ça? Appeler l'agence d'adoption, c'est ça. C'est pas ça. Alva, comment tu vas, Bing? Elle le trouvera dans un bar en chantant. En vrai, vous savez quoi? C'est une très bonne idée. Son futur mari, elle le trouvera comment? Elle le trouvera... Ce sera qui la première personne qui va donner des simflouz en pourboire? Eh ben on verra. C'est vrai, Fringant? D'ailleurs, Lucas, le sub tier 1 au Canada va passer de 6,99$ à 7,99$, ce qui équivaut à 5,50€. Du coup, ça va devenir un peu trop cher. Je vais moon sub. J'ai pas d'argent, désolé. C'est... Après, en vrai, ils abusent. J'espère tu m'en veux pas, etc. Non, mais en vrai, c'est une dinguerie. C'est vrai, ça va vraiment augmenter de 1$. C'est ouf. C'est ouf. Genre 7$. Et surtout, hein, dans ces dollars-là que vous allez payer, vous inquiétez pas que le streamer va pas mieux gagner. Hein. Ah non! Non, ça va être la même chose! Juste, eux, ils vont se garder le petit dollar pour eux, certainement. Certainement. En vrai, c'est une dinguerie. De toute façon, voilà, si jamais vous pouvez vous abonner avec Prime, vous le faites. Si jamais vous... Et puis le Prime va baisser de prix aussi. Attention, ça, ils ont fait des nouveautés qui vont être cool. Twitch, dans pas longtemps. Mais le Prime va baisser de prix. Enfin, en tout cas, va nous rapporter moins d'argent. Mais ça, c'est effectif dans 3 mois. C'est-à-dire que dans 3 mois, quand vous allez donner un Prime, au lieu de nous donner 2$, en gros, ça va nous donner
1,50. Donc c'est 50 centimes par prime. Il faut savoir que je pense qu'il y a à peu près 200 à 300 prime par mois, même voire plus. Donc en fait ça va faire une diminution vraiment vénère. Bref, les temps sont rudes. Voilà. Il y a un foyer qui a adopté plein de chevaux. Ça c'est dans les Sims. Hein. Voilà, les Sims ils adorent les animaux. Et depuis que les chevaux c'est dégris. J'écoute pas aussi de quoi. Je comprends. Ah bah ouais, c'est pour ça les Sims. C'est pour ça. Écoutez, on va aller chanter. Je vous propose, est-ce qu'on a notre micro? Oui, est-ce qu'on peut prendre notre instrument de musique de poche? Genre là, on a notre studio, est-ce qu'on peut prendre notre... Oh là là, on peut prendre notre piano. Attendez, il faut essayer la scène. On a une scène. Hop. Est-ce qu'il faut un accent comme ça? Mais on est d'accord, ce sera dans 3 mois, hein, le truc... Ouais, c'est ça, l'espace scène. Ce sera dans 3 mois que ça va coûter plus cher. Ok, ok, mec. Follow. Toi, je suis venu, en fait, je suis pas resté. Ledro, comment tu vas, Bing? Ça va? Comment ça va? Yona, j'ai l'impression que vous spammez parce que vous voulez être top 1. Je vais mettre des... Vous voulez être top 1 en message, mais j'ai l'impression que je vais mettre des limites. Keizo, 3ème mois d'abonnement, merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup pour le 3ème mois d'abonnement. Merci. En vrai, spammez pas, les gars. Je sais que vous avez envie d'être top 1 message, probablement et tout. Mais spammez pas pour dire... Enfin, pour écrivez une phrase en une phrase, quoi. Faites pas 5 mots, s'il vous plaît, en vrai. Parce que sinon, ça va devenir un vrai infernal. Attends, en vrai, je vais mettre un petit slow. Slow de 6000... Voilà, de 6000 secondes. Voilà. Non, je plaisante. Je vais mettre 11 secondes. 11 secondes, c'est bien. Allez, 10 secondes. Pour vraiment éviter le... En vrai, ça va réguler le spam de ce genre, je pense. Non, chaque 10 secondes, ça va. Vous pouvez écrire 6 messages par minute. Ça va, non? En vrai, c'est mieux, ça évite les spams. Si jamais il y a un message chaque 10 secondes qui est possible, vous n'allez pas attendre 10 secondes la suite de votre message. Bon, attendez, on va mettre le drone ici et on va aller dans un bar. Juste, est-ce qu'elle est prête ou pas? Divertissement, non. Donc, ce qu'on va juste faire, après, je crois qu'elle aime le chant. Donc, si elle chante, elle va s'amuser. Donc, si elle s'amuse, il n'y a plus de soucis. On va faire ça. Mais je viens d'arriver, pourquoi tu me fais ça? J'ai rien spam pour une fois. Bah, Letty, il n'y aura pas de soucis. Toi, t'es pas une grande bavarde aussi. Tu es une spameuse, toi? J'ai le... Comment ça s'appelle? Je suis pas abonné, mais j'ai... Le serveur Minecraft, ça fait on a depuis une semaine, il est fermé. Genre, on n'autorise plus personne à rentrer dedans pour que les membres actifs soient... Voilà, un jour, on ouvrira un nouveau serveur Minecraft et là, vous serez apte à rentrer. Mais de toute façon, il ferme dans 10 jours, le serveur. Salut, depuis 15 jours, je saigne tes rediffs YouTube, je peux enfin te voir en live. Donc, hello, ça fait plaisir. Justine, comment tu es, Bing? Bienvenue, du coup, bienvenue en direct. Ça fait trop plaisir. Matou, comment tu es, Bing? Mon jeu a plus aucun pack. Tous les jours une surprise à Noémie, hein, c'est... Écoute, je sais pas quoi dire. Noémie, d'ailleurs si t'es là, quel bar tu me conseilles là pour que notre petite karaoké elle aille se faire... Attends, mais à Newcrest, il doit y avoir des bars. Kate, merci beaucoup pour le 4ème mois d'abonnement, merci beaucoup. Bien le bonjour, c'est ma première fois, mais ça fait plaisir, il y a plein de gens qui arrivent pour la première fois, c'est trop plaisir. Et Rupi, comment tu es, Bing? Comment ça va? Bienvenue. Lola, comment tu es, Bing? Soltelia, comment tu es, Bing? Matou, comment tu es, Bing? Klekleazon, Meli, Darani. Attends, je dis bonjour à tous ceux qui viennent d'arriver. Hein. Ok, attendez. Ici, il doit y avoir logiquement un petit truc à karaoké, non? Non. Mais après, vous savez quoi? Je m'en bats les couilles. Je vais dans un bar. Et une fois que je vais dans le bar, je vais chanter un petit peu du piano. Et limite, je peux aller dans un restaurant pendant que les gens y mangent. Je chante à côté d'eux. Et comme ça, on a de 1, de l'argent. De 2, de l'argent. De 3, de la notoriété. De 4, de l'argent. Ah, mais il fait beau! Ça fait super plaisir à voir! Ah bah génial! YouTube de base, fan de tes vidéos, je me tape des barres. Ça fait trop plaisir, franchement, ça fait très très plaisir. Bah écoutez, j'espère que les lives ça va autant vous plaire. Et voilà. Et donc ça fait longtemps que t'as commencé à jouer? Non, là je viens de commencer il y a vraiment 10 minutes. Attends, qu'est-ce qui se passe? Comment ça va, karaoké? J'ai vu que tu avais récemment fait le buzz. Ça te dirait d'aller boire un café. C'est qui? Ah, Marie. Attends, Marika. Marie. C'est ma femme. C'est mon ex-femme, l'ex-femme de Fatal qui est à poil. C'est trop bizarre. Mélanie, comment tu vas? Ça fait plaisir. Comment ça va? Et pourquoi elle est en colère, elle? Colère sèche, tout ce que veut karaoké, c'est une bonne douche chaude. Combien de temps va-t-elle devoir subir cette situation pénible? Attendez, mais ce bar a l'air complètement crazy. C'est quoi ça, hein? Non mais le problème c'est que ce bar, ils vont tous jouer du bowling, personne va... Tout le monde va m'ignorer, voilà, je vais être le petit... La personne triste du... Oh bah... Oh attendez, ça les gars c'est mon moment. Oh, le cinéma... J'arrive. Hop là. S'entraîner à chanter. Let's go. C'est mon moment. Il regarde la télévision tranquille, il va regarder mieux.
Mirin Nye. C'est bien ce qui se passe là. Bah je pensais pas qu'il allait être trop. Il est trop content. Le jeu change rien toujours hein. Voilà les grosses musiques d'émotion là. Au milieu du chant. C'est parfait. C'est parfait, c'est parfait. Change rien. Bon. En tout cas, je pensais pas que. Non mais vas-y, mais c'est génial. Madame. Mais vous êtes adorable, Justine Caliente. Mais c'est fou. Et c'est parce que je suis une star, les gars. On me regarde plus en fait. On me regarde plus. Elle est exigeante, karaoké, je crois pas, non. Oh là là, mais merci beaucoup. C'est qui ça? C'est qui? Ouama? Oumaya? Oumaima? Oumaima directement qui donne de l'argent. Mais ils sont adorables. J'ai l'impression que ton change rien était sarcastique. Non, non, pas du tout. J'adore. Pourquoi elle pleure? Qui pleure? Elle doit. Mais je sais pas pourquoi elle est. Mais pourquoi elle pète un câble surtout? Elle fait rien là! Ah, mais elle est bizarre, les gars. Là, attends, elle doit avoir des tripes chelous, non? Elle a quoi? Complice. Cette Sims, complice d'un criminel violent et sera surexcitée quand son partenaire commettra des crimes, au lieu de paniquer. Les gars, je sais pas ce qui fait qu'elle pète un câble comme ça. Genre, elle est là, elle est normale, et d'un coup, elle fait. Et ensuite, elle rechante. Pourquoi? Pourquoi? Et là, elle est quoi? Amertume tenace. Humidité désagréable, je comprends pas. Tu vois, genre là, elle chante. Oh non, mais merci beaucoup. Mais c'est la soirée des loups-garous ou quoi ici? Ah, c'est plus haut là-haut. Plus haut la note. Oh, merci beaucoup pour le troisième mois. Change rien, t'es trop cool. Bah, ça fait plaisir. Merci beaucoup. Ah, d'ailleurs, en parlant de. J'ai oublié de lancer un live toc-toc. Voilà, je lance vite fait. Vous allez voir, ça va être le speedrun. De toute façon, le speedrun, on va se faire bannir en combien de temps, les gars? Combien de temps ils vont se dire, c'est une rediff là, non? Alors qu'on n'est pas en rediff. Enfin, c'est n'importe quoi de penser des choses pareilles. Dis ça, comment tu vas, Bing? Là, en vrai, ça fait longtemps qu'on s'était pas fait bannir. Mais de toute façon, c'est toujours quand je me plains que je me fais bannir. Donc, est-ce que la morale, c'est pas d'arrêter de se plaindre? Si. Peut-être. Sims 4, Génération Leader. Hop là, c'est ben. Hop. C'est lancé. Démarrer le live. C'est véridiquement lancé. Voilà. J'espère que tu vas bien pour la fois que je regarde en direct la Génération Leader. Let's go, tu le suis sur YouTube. YouTube avec mon frère qui fait les montages, c'est vraiment pépite. Hein. Bravo. Bravo Alex. Hein. Si on fait un ancien président. Bravo Alex. Hein. Bravo, merci. Hein. Voilà comme il fait. Avec les petits mouvements d'épaule, peut-être vous allez le reconnaître. On sait pas. C'est quand que tu. C'est même pas quand tu te plains, c'est quand tu respires. Ah oui, putain, mais je sais pas lire, c'est dingue. Après, à chaque fois que je vais mal lire, je vais le justifier en mode, les gars, j'ai marché 23 km récemment là. 24. Attendez juste, je regarde si le son il est bon. Le son il est bon, ok, c'est bon. Ça fait plaisir, Face Sims. Ça fait plaisir. Je suis sur YouTube au boulot, let's go. Ça bosse bien, le jugeur. Non, c'est trop bien en vrai, j'adore. Et ça, les vidéos rendent trop bien. C'est Chirac, ça se reconnaît. Exactement, les gars. Exactement. Bon, écoutez, est-ce qu'on pourrait pas chanter ou faire du piano? Venez, les gars, en test, voir si ses capacités de piano peuvent être pas mal. Juste, le problème, c'est que. Ah. Bon, attendez, il faut juste s'interposer. Voilà, oser. Ça, c'est quelque chose qu'on n'ose pas assez dans la vie, oser. Et on va lancer un live en direct en même temps. Voilà. Et. Oh, attendez. Et là, du coup, jouer de la guitare pour des pourboires. Mais oh, j'ai pas de guitare. Merde. Bon, je dois avoir un micro, non? Je peux jouer un micro pour des pourboires. Hop là, jouer du micro. On dit tout ça, non? Marfus, merci beaucoup pour le cinquième mois d'abonnement. Merci, Bing. En fait, la scène ne sert à rien, c'est juste pour la guitare, je suis dégoûté. Bon, bah, faudra l'utiliser. Et le piano, je l'avais pas récupéré tout à l'heure? Je l'ai mis où? Bon, bah, je sais pas. Vous vous rappelez de ce piano ou pas? Je pensais l'avoir mis là. Pour lui dire, change tes vêtements, elle ira mieux. Ah! Pourquoi j'ai reçu un appel chelou, là? Fatal Bazooka, je vous annonce le décès de votre ami proche Gabriel Wilder. C'est qui? Genre vraiment, c'est qui? Genre là, je fais pas genre Gabriel Wilder, c'est toi? Gabriel Wilder, genre c'était mon ami proche. Ah bah putain, oui, c'était plus que mon pote. Hein. Ah, c'était mon gigapote. Mais après, les gars, Fatal, il est ami avec tout le monde. Mais comment il s'est fait autant d'amis, Fatal? Regardez ça, les gars. Il a des gens, c'est ses meilleurs amis, mais je les connais pas. Alizé, t'es morte? Ah oui, c'est vrai, elle est morte. Eh ben écoutez, je sais pas qui c'est, voilà. Bah, c'est vraiment dommage. Gabriel, je peux même pas cliquer sur toi. Après, c'est le jeu, hein. C'est le jeu, il veut pas forcément que. Voilà. Hein. Eh, je sais pas, les gars, c'est trop bizarre avec le boulot, peut-être, hein, mais il travaille dans quoi, Fatal? Je sais plus. Allez, c'est parti, les gars!
On n'a jamais autant eu. Mais c'est dingue. Elle est archi populaire. Elle est là, elle chante, tout le monde l'applaudit. Faut vraiment aller quelque part où il y a du monde, les gars. Faut qu'elle arrive à avoir tellement de monde. Le modeler confiance sur le décès. Non, en fait, ouais. Bah ouais. Mais attends, mais comment ça se fait? Se mêle des affaires des autres. Disparition d'un ennemi. Mais c'est son ami ou son ennemi? Je comprends plus rien, là. Bonheur numérique. Cœur réchauffé. Plat délicieux. Se réjouir du malheur d'autrui. Mais. Amitié perdue. Ah, voilà! Bah je sais pas, je crois qu'il a... Je comprends plus rien, voilà. Je vais pas essayer de comprendre. Tracims, merci beaucoup pour le deuxième mois d'abonnement. Merci beaucoup, le meilleur ami, mais ami, je comprends rien. Il est dédupé, ouais, il est content. Bon bah écoutez, en tout cas on souhaite de l'argent, elle augmente sa notoriété, on va regarder un petit peu tout ça. Les gens ne l'insultent pas, ça fait du bien à voir, parce que la dernière fois, je sais pas pourquoi, pour Génération Leader, le dernier épisode, elle se faisait frapper pour rien. Mais là, elle a encore des moments où elle pète un câble. Regardez, elle chante et d'un coup elle s'arrête de chanter, elle crise et elle arrête. Voilà ça, elle est méprisante. Et là elle reprend. Et elle est joyeuse. Tu vois sa vraie nature, l'espace de 2 secondes. Elle peut pas le cacher, tu vois. Crise d'ado, je sais pas, peut-être. Hein. Ah, il y a sa. C'est qui elle? C'est sa belle-mère? Attends, c'est. Est-ce que je peux le voir? C'est sa mère! D'accord. Attends, mais du coup, tout à l'heure, c'est ma mère qui m'a appelé en disant « Hey, tu es de plus en plus célèbre. C'est une bonne chose de te connaître. » Mais c'est dingue. C'est dingue. Attendez, juste, on fait un petit truc. C'est ouf, en vrai. Il connaît pas sa mère. Bah, parce qu'en fait, le truc, c'est que j'ai eu tellement de mères que, regardez, Fatal, le nombre de... Bah, on peut pas voir le nombre de femmes que Fatal, il a eu. Regardez, hop, on met ça. Non, Fatal. Fatal, regardez tout ce qu'il a eu. Il a eu Jeanne, Elodie, Rin, Akemi, Marie, Grotesca. Oui. Oui. C'est... Oui, ok, d'accord. C'est... Tu t'avais pas dit de prendre soin de la peau de karaoké pour pas qu'elle ait d'acné? Bah si. Oui, Grotesca, c'est ma grand-mère. Donc là, on peut se poser la question, comment ça se fait, Lucas, que ta grand-mère, elle soit dans tes relations amoureuses? C'est une longue histoire, j'ai pas forcément envie de me mettre sur ce sujet-là tout de suite, immédiatement. Attendez, c'est vrai que son acné, ça va mieux, non? Ah ouais, elle a quelques points. C'est vrai que ça va quand même mieux que les autres fois. Quand même. Alors attendez, voyons voir. Il y a pas d'évier ici, s'il doit y avoir des chiottes. Voilà. Hop, cacher l'acné et surtout appliquer du nettoyant visage. Let's go. Le petit flirt avec la mamie. Écoutez, à qui ce n'est jamais arrivé? Merci Béa pour le 9e mois d'abonnement. Merci beaucoup. Surtout que Grotesca, au moment des faits, elle était bien morte et enterrée depuis des générations. Donc c'est d'autant plus bizarre. Mais bon, écoutez, fin. Vas-y, on va manger un petit bout, voilà, au bar. Let's go. Mais elle était revenue, voilà, je vous rassure. Marinouche, merci beaucoup pour le 2e mois. En fait, pour ceux qui savent pas, dans les Sims, vous pouvez pécho votre arrière-grand-parent. Vos arrière-grand-parents. Voilà, vous pouvez. Mais, putain, c'est stylé ça. C'est stylé, ça fait le squat, j'adore. Oh, une guitare. Et qui dit guitare, dit argent. Qui dit guitare, dit argent. C'est incroyable. Donc voilà, dans les Sims, nativement, si votre arrière-arrière-grand-père, vous pouvez le pécho. Voilà, dans des générations leader. Moi, j'avais fait le génération beauté, où c'est l'inverse de génération leader. C'était très drôle à faire, parce qu'en fait, on a eu Vlad. Parce que Vlad, à chaque fois, c'est un rappeur. Vlad, c'était notre premier mari, donc il était très laid. Et on l'a repécho à la fin du génération beauté pour rechoper ses gènes et faire un petit cocktail explosif, quoi. La guitare, est-ce que si je m'entraîne... Ah, je peux pas l'utiliser parce qu'il y a un ballon, c'est ça. S'entraîner à jongler. Attends, s'entraîner à jongler, ça augmente ma notoriété? Comment ça se fait? Genre là, ça augmente ma notoriété, là. Ah, mais la pluie, elle arrive très vite, tous ces mois-là. Je l'enlève, excusez-moi, mais ça va très très vite, quoi. Ça fait la notoriété pop. Mais c'est bizarre, pourquoi? Est-ce que je l'ai récupéré dans ma poche? Putain les gars, j'ai volé un ballon. Trop bien, attendez. Je vais mettre devant tout le monde et je vais faire du dribble. Vous allez voir, ça va être complètement fou. Ça rien les gars, ça rien, il y a quelques bugs. Voilà, pas du tout gênante la meuf. Et c'est parti, nickel. Et vous aimez bien, regardez, je fais du football. Les paparazzi, ils sont où? Cette soirée est réservée aux hommes, les gentlemen peuvent aller au bar profiter des réductions de boissons. Bah tu sais quoi, j'en ai rien à foutre. Il est où le bar? Il est où? Sousse. J'adore. Elle est bizarre celle-là. Du foot dans un bowling. Non, hop, je vais m'asseoir là.
Voilà, nickel. Ça fait quoi si je tenir le bar? C'est quoi? C'est moi qui tiens le bar. Allez, qui veut à boire? Qui veut à boire? Allez, pousse-toi. Tu vois pas que je vais servir à boire là? Préparer une boisson, sa boisson préférée. La meuf qui prend pas trop de place. Le soccer. Exactement. Elle fait mieux que toi des jongles. Ah bah oui. Attends, mais elle gère de fou. Regardez ça. S'entraîner à jongler. Regardez, elle arrive à en faire. Bah ouais, non. Évidemment. Et qui sait faire ça? Elle est nulle en fitness en plus, si? À niveau 2. Tu vois, avec son cousin Germain est totalement légal. Par contre, tu ne peux pas te marier avec tes beaux-parents, genre les parents de Noémie, sauf si Noémie meurt et que tu demandes la permission au président de la République. Ah ouais, c'est précis de fou. Ah, c'est chelou. T'as oublié ton drone. Ah ouais, c'est un bon truc. Bon, si jamais il y a des messages chelous de giga abruti dans le chat, ne réagissez pas. Ça, il y a eu un message de merde là tout à l'heure. Je le dis après coup parce que le mec a dû se barrer, ça y est. Le meilleur des mépris, c'est d'ignorer. Donc si jamais il y a un message comme ça, ne réagissez pas. Vraiment, le chat normal et le mec, il va juste être en mode bon, ben, je me sens solo, j'ai fait ma merde, j'ai dit de la giga chiasse et personne, tout le monde s'en bat les couilles. C'est le meilleur des trucs. Donc si jamais, je vous le dis d'avance, si jamais il y a d'autres abrutis qui arrivent et qui balancent un truc, on continue comme si de rien n'était, le mec il est ban et juste il est là comme un con. C'est... J'adore. Quel message, pas forcément envie de dire son message, mais voilà, il y a des gens, ils arrivent, ils lâchent des messages pour but de provoquer à max, extrêmement raciste ou tout ce que tu veux. Et voilà, donc on s'en bat les couilles, hop, on ban. Il a certainement 13 ans, il est très très drôle, le karma se retournera. Tekiz, merci beaucoup pour le 7ème mois. Merci. C'est quel mode pour avoir le bowling? Je sais plus quel pack ajoute le bowling. Je sais plus. Tu live jusqu'à quelle heure? Je live du coup jusqu'à, je dirais, minuit 30, 1h quoi. Je vais faire plus minuit 30. Comme ça, au moins, on se fait une session de 2h40, de 2h50 en tout quoi. Tu sens bon des pieds? Je provoque. Bah ouais, je sens bien des pieds. Bowling, c'est juste le pack bowling. J'ai ouvert l'ordi, j'allais modérer, mais tu as ban avant que j'ai le temps. Ouais, j'ai fait mon petit clic vite fait. Premier message, généralement, je les vois. Le drone est avec toi. J'espère que je l'ai récupéré, le drone. Ouais, c'est bon, je l'ai récupéré. Attendez, par contre, le piano tout à l'heure, je l'ai mis où? Je l'ai pas récupéré? Ok, je peux le mettre dans mon inventaire, on est d'accord. Ouais, ça veut dire que je vais pouvoir aller au lycée jouer du piano. Mais ça, c'est trop bien. D'ailleurs, demain, c'est ma dernière journée de lycée parce que c'est officiel. Notre karaoké, les gars, va bientôt grandir. Dans un jour, c'est son anniversaire. On va essayer d'organiser une giga fête. Une fête de stars. Et moi, les gars, j'ai qu'une envie, c'est que ce soit une star 3 étoiles dans l'adolescence. Donc, on a encore 24 heures pour que ça devienne une star. C'est très ambitieux de ma part. Mais vous savez quoi? Vaut mieux être trop ambitieux que trop pas ambitieux. Pas vrai la team? J'ai pas raison là-dessus. Voilà, petite latence, mais ça arrive. Le micro. Ah merde, j'ai laissé là-bas le micro. Oh mon chat! Oh les gars, truc de fou. Attendez, vous allez voir. Donner à manger à cactus. Attends, mais j'ai ma merde là. Hop, placer dans le monde. Mettre dans l'inventaire. Comment je lui donne? Normalement, je peux lui donner une friandise, donner à manger à cactus. Je peux pas sélectionner quoi? Les gars, je veux faire revivre cactus. Cactus! Oh, il va dans sa litière, tiens, le con! Mais il va faire du caca fantôme. Proposer son amitié, soin, lâcher. Ah, il est trop content, les gars, il a retrouvé son chat. il est trop mignon, fatal. Vas-y, attends, voyons voir. Est-ce que je peux pas lui donner un truc? Donner une friandise, 5 simflouz. Mais c'est pas la bonne, la friandise. Laisse-le reposer en paix. Non, je veux qu'il revienne dans notre monde. Caresser, espionner, jouer au pointeur laser, même si j'avoue qu'il est peut-être mieux là-bas. Comment on fait? Est-ce que le caca fantôme, ça pue? C'est ça, logiquement, pas face. Hein. Je sais pas, j'ai jamais mes chats qui sont malheureusement des... Attends, mais il y a mon chat qui est en train de soulever le poste radio, là. Le fameux poste radio, ici. Cherche l'amical. L'amical, ok, attends, je vais essayer. Attends, voyons voir. Amical, putain, en tout cas c'est pas, c'est toujours aussi compliqué de chercher des merdes, hein. Attendez, je vais faire ça, de chercher des interactions, c'est toujours la grosse galère. Tu peux vendre la tenue sur Stylé, mais j'ai pas envie de me faire de l'argent comme ça. Ah oui, elle coûte 100 en vrai, je peux la vendre. Retirer, ouais, l'acheteur, allez, 100 simflouz. Comment lui donner? Méchant, amical... Caresser, donner une friandise, c'est pas ça. Brosser, parler, faire connaissance, c'est pas ça. Mais je peux pas.
Est-ce que dimanche il y aura un challenge Sims? Oui, en quoi il consistera-t-il? Je sais pas encore, généralement j'y réfléchis le jour même. Donc je sais pas encore, mais oui, il y en aura un à 16h comme prévu. Vous avez le point d'exclamation planning si jamais vous voulez là. Et c'est la fin du live! Je me suis trompé de scène. Tu dois mettre dans ton inventaire et après tu peux lui donner. Attends, c'est vrai, je suis con en fait, je cherche alors que je l'ai mis par terre. Donner une friandise, voilà, je suis con. Voilà, ok, c'est bon! Arrête d'avoir peur là, c'est bon, tu vas le faire revivre ce chat. Et c'est parti, cactus qui a actuellement la couleur d'un cactus revit et il est reparmi nous. Putain, on est content les gars, on est content, faire un câlin. Oh là 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 là, notre petit chat est de retour. Eh ben écoutez, ça fait plaisir. De retour pour lui oublier ses croquettes, de retour pour l'ignorer bien sûr, ça fait plaisir. Pense à le rajeunir, hein. Bah là actuellement il est âgé, hein. Espionner cactus, c'est-à-dire que je peux découvrir ses secrets. Ah c'est vraiment parfait de faire ça lui, hein. Je t'ai regardé la VOD 13 du challenge Alien et je suis tombé sur le moment où vous parlez d'argent et des efforts que tu as fournis pour réussir à vivre de ta passion. Voilà, vidéo, toi en 2021, je crois sur tes doutes et tes questions sur l'avenir de te voir aujourd'hui. M'a vraiment redonné confiance en moi et mes projets. J'aimerais me faire une vidéo similaire avec l'espoir de la regarder dans quelques années avec la même fierté que tu as. Fonce ! J'adore ça. Fonce. Les gars, touche-moi et je te poursuis en avocat. En tout cas, ça fait plaisir à Sono. Vraiment, ça va être trop plaisir si ça peut vous motiver. C'est une dingue. C'est aussi pour ça. C'est une dinguerie. Bon, par contre, du coup, Harmonica qui insulte Fatal en disant frappe-moi et je te poursuis en engagement. J'ai déjà engagé un avocat. Bah écoutez, s'il y a une bonne ambiance dans cette petite famille, ça fait plaisir à voir. Moi, ce que je propose, c'est de jeter ça à la poubelle. Harmonica qui va dormir. Karaoké pendant qu'il va dormir et il faut que ça devienne une star. D'ailleurs, en parlant de star, est-ce que j'aurais pas des points pour prendre une petite potion vite fait et être en forme? Vas-y, réveille-toi. Va pisser. Tout le monde a peur. Pourquoi ils ont peur là? Ils font que crier. Vous devriez aller voir un thérapeute. Vous changerez peut-être votre façon d'agir. Bon attends, on va falloir juste faire quelque chose. C'est pas du tout méchant, etc. etc. bien sûr. Mais juste hop là, je vais demander de fermer sa gueule. Voilà. Attendez, voyons voir. Voilà, je vais arracher les cheveux un coup. Ferme ta gueule bordel. Ferme-la. Voilà, c'est bon, tu deviens chauve. Maintenant, ferme-la. À chaque insulte que tu vas prendre, Jules va te prendre une tarte en échange. Voilà, une insulte. Et elle est contente, les gars. Elle est contente. La famille. Continue et ça ira très très mal pour toi, Harmonica. Tu vas dégager de la maison, Efissa, et je vais te faire une maison comme mon ex-femme. Hein. Je te le dis. Dès qu'elle est morte, tu hérites de cette maison et ce sera ta seule maison. Ne me casse pas les couilles maintenant. Voilà, elle repart aux toilettes, chauve. Mais en tout cas, let's go. Bon, nickel. Elle est contente, qu'est-ce qu'ils vont se dire? Elle est trop contente. Bon, attendez. Vessie, non mais vas-y. Va pisser. Laisse ta sœur sortir des chiottes et va pisser un coup. Voilà. Et nickel. Et là, va travailler parce qu'il faut qu'elle fasse des nouveaux morceaux. Attendez, rock calculateur. Vas-y, on va faire un petit rock. Bah, construis-lui une cabane, ça te fera un loyer en plus. En vrai, si elle m'énerve trop, je vais lui faire ça. Hein. Trop triste. Pourquoi trop triste? Elle arrête pas de m'insulter. Effectivement, c'est trop triste. Allez, vas-y, passe cette musique. Rock calculateur, les gars, c'est quoi ce morceau de merde? C'est vraiment éclaté. Ok, ça, celui-là, je crois que c'est ma musique préférée. Ça, là, il est incroyable, encore une fois, je le dis en boucle, hein, mais... Attention, tout arrive! Toujours un kiff, hein. J'adore. Vas-y, on va essayer de la faire s'entraîner un petit peu. On va voir. Les gars, on est d'accord, elle mérite Harmonica. Parce que là, oh là, ses cheveux ont repoussé. Putain, ça repousse vite en fait. Hein. Ça repoussait pas si vite chez Noémie. Oh, ça a pété. Statue cassée. Ça veut dire qu'on a plus d'eau chaude. Ah, c'est le principe, hein, c'est le principe. C'est-à-dire que là, si je me douche. Ah ouais, je peux pas. Je peux prendre que les douches froides. Énorme. Let's go. Ouais, en vrai, j'adore. Hein. J'arrive sur ça, j'adore. T'as vu ça? Let's go. Alors attendez, je vais faire Massista casse les couilles. Voilà, let's go. Putain, j'adore, je sais pas ce que vous en pensez, je trouve ça bien de rajouter un petit peu d'italien dans les titres. Casse les couilles, le papa la fracassa. Voilà, comme ça au moins on explique un petit peu les histoires, ça peut être pas mal. Écoutez ce petit son, on va le sortir. Sortir le morceau Massista casse les couilles, le papa la fracassa. C'est de l'italien pour ceux qui savent pas. Ça veut dire le papa, ça veut dire ma sister casse les pieds,
et le papa l'a fracassé. Voilà, globalement, ça veut dire ça. Si jamais vous avez des traductions, n'hésitez surtout pas. Bon, c'est sorti notre petit truc, petite story pour voilà, on en profite. Et très rapidement, ce qu'on va faire, c'est social, se faire une petite story. On arrive, on se prend une petite potion pour aller mieux. Voilà, merci traducteur. Bah, y a pas de souci, on n'avait pas deviné. Bah, j'imagine, c'est un peu trop compliqué pour deviner. Vas-y, commencez diffusion en direct et je vous propose de faire une petite vidéo vlog confiant. Voilà, on va essayer. Et salut tout le monde. Voilà, je fais un petit vlog car je suis confiant et du coup, je fais un vlog. Voilà. Et vous alors, qu'est-ce que vous pensez de la confiance? Bref, un vlog confiant quoi. Yuma, comment tu vas, Bing? Bon, c'est pour la tu. J'ai fait italien LV2, ouais. Italien LV2. Ah, c'est le lycée les gars. Non. Attends. T'y vas après, il y a des priorités. Non, je voulais y aller après. Bon, vas-y, allez, on y va après. On y va après. De toute façon, il faut augmenter notre notoriété. Donc, je pense qu'on va devoir aller au lycée, les gars. Il va y avoir normalement du public. Ah, vlog bonheur. Je suis heureux. Youpi. Lol. Merci Pamela K pour le 15e mois d'abonnement, merci beaucoup. Merci. Bon, on sortira cette vidéo plus tard. Juste avant, si on va poster des mises à jour, répondre aux commentaires. Ah, j'ai un appel. Ah oui, c'est mon directeur, putain, faut que j'aille travailler. Attends, je peux aller au lycée ou pas comme ça? Allez à l'école, vas-y, fonce. Fonce. Ok, nickel. Je peux la jouer ou pas? Non, je crois pas que je peux la jouer. Non, s'il te plaît, le jeu me casse pas les couilles, c'est ma dernière journée de lycée. S'il te plaît. Les gars, j'ai gagné combien d'argent là? Beaucoup trop. Les gars, je peux pas aller au lycée? Parce que j'ai cliqué sur ne pas aller au lycée avec mes Sims. Pff, ça casse les couilles ce jeu. Vas-y, tu sais quoi, je sèche l'école. Voilà, Karaoke a terminé l'école pour aujourd'hui, son travail est satisfaisant. elle est restée 3 minutes. Voilà, écoute, c'est énorme, tout sur une journée, 3 minutes, comme quoi. Hein, comme quoi, les critères, il n'y en a pas beaucoup. Oh putain, le gars, le nom de ma vidéo. Renommé, je suis heureux. Youpi, c'est énorme les gars le nom de la vidéo. C'est vraiment, ça fait du bien. Bon, ajouter des effets, on est parti, on va continuer comme ça. Ajouter des transitions, voilà. Découvrez les bourses, on a rien à foutre. Ici, hop, modifier la vidéo et directement mettre en ligne. Mini chèvre propose de partir. Attends, on a une mini chèvre. Mais elle est au lycée la mini chèvre, non? On l'a jamais mis ici. Elle est pas reproduire à la maison, elle est en cours les enfants. C'est ça. Ah, 2000 de facture les gars, quand même, hein. Quand même, effectivement. Attendez, j'ai pas mon drone qui est en train de me filmer là. Il est où le con? Par contre, le jour où il pleut pas, encore une fois, ça, le jeu il meurt. Il faut penser à sauvegarder en ce moment, le jeu il adore crasher comme ça sans rien dire. Voilà. On peut quitter plutôt sans se faire défoncer. Bah ouais, je crois, hein. Tu peux te faire expulser du lycée, mais je pense pas. Eh, il devrait pas y avoir de problème quand même. Ah, attends, ici. Commencer une diffusion en direct. Coca appelle, je m'en branle. Je m'en fous, Coca. Laisse-moi tranquille. Niveau 4 de production des médias, c'est-à-dire qu'on va pouvoir faire des nouvelles musiques, ça. Allez, c'est parti. Commencer la diffusion en direct. Oh les gars, il y a deux nouvelles musiques. Natheram, 18e mois d'abonnement, merci beaucoup. Merci beaucoup. Certains courent 3 minutes en absence, c'est bien. Ah, je suis d'accord. Ok, écoutons la musique. Sans aucun effet. Ah, oh, je l'adore, cette musique. Parle le drone, ferme ta gueule, putain. Non, attendez, le drone, il faut qu'il ferme sa gueule. Je suis désolé, mais là, je suis... Écoutez cette musique, les gars. C'est OP là, on est d'accord. Hein. Non, c'est Lulim qu'on a pris. Ouais. Luling. Lena, merci beaucoup pour le 3ème mois. T'inquiète, t'arrives tard, mais le live a commencé à 21h, donc il n'y a aucun souci. T'aimes toutes les musiques. Non, mais celle-là, vous allez l'aimer. Écoutez ça. Non, mais écoutez. Ah ouais, non, c'est quelque chose. Hein. Vas-y. Ok. Pour l'instant, tu vois, ça monte, tranquille. Et là, on remixe, on rajoute une basse. Merci beaucoup, Meia Hop, pour le 4ème mois d'abonnement. Merci beaucoup. Regardez la basse, rien que la basse. Ok. On rajoute un kit batterie. Déjà, ça devient stylé. Ce principe, par contre, est extrêmement stylé. Les Sims ajoutés. Un pack sur la musique. Ok. Mais corrigez les bugs avant. Batterie moderne. Énorme.
Objectif Covid, Covid, l'objectif aujourd'hui, être une star, avoir des enfants, on va voir. Ok, déjà on est d'accord, c'est une masterclass. Maintenant, rajoute infrabasse. On repère tous les ajouts. Et là, on rajoute une petite clarinette. Hein? Et la guitare. C'est trop stylé. Et là, le synthé. J'adore. C'est pas incroyable? La musique est trop stylée. Et puis dès qu'on sera niveau 5, je crois qu'on pourra débloquer des voix. Et les voix, elles vont rajouter tellement. Ah, c'est stylé de fou. J'ai envie de la télécharger et être en voiture comme ça. Tu vois? Qu'est-ce que nous avons du chat? Je crois qu'on entend autant du bien que du mal, Rédis, ça, c'est ça. Ok, gravons le morceau. On va graver le morceau. On l'appelle comment? On va l'appeler, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai séché le lycée et je m'en fous. Et toc, hashtag rebelle. Voilà, hop, hashtag rebelle, hashtag rebelle, rebelle, hashtag rebelle, rebelle, rebelle. Eh ouais. Putain, cette musique. Et voilà, il faut la sortir, sortir le morceau. J'ai séché le lycée et je m'en fous. Et toc. Par à l'entraînement de Pop-Up Subs. On en a rien à foutre. Est-ce que ça va te faire devenir une star? Hein? Non. Alors maintenant, tu sors ta nouvelle musique. Écoutons l'autre musique. Opéla. Ok. Arrête de rager. Les gars, pourquoi elle pète un cap toute seule? Expliquez-moi. Pourquoi elle est là? Elle vit sa meilleure vie et d'un coup elle fait merde! Et hop, elle reprend. Pourquoi? Qu'est-ce qu'elle fait? Stitch, comment tu es, Bing? Gaël, comment tu es, Bing? Ok. Celui-là, je crois que c'est pas ma meilleure musique. Celle-là, je vais pas commencer à bouger la tête dessus. Ok. J'ai créé une dub. Mais vous allez aimer. Parce que c'est de la merde. Et que vous avez des goûts de chiottes. Hashtag réel. Hashtag les termes. Ok, nickel. Hashtag les thermos. Ok, nickel. Voilà, nouvelle musique, les gars. On va sortir ce petit son. Ah, je peux pas encore. Mais en tout cas, on l'a. Putain, en vrai je trouve que le nom est un peu long. C'est le seul souci. J'ai créé une dub, mais vous allez l'aimer parce que c'est de la merde. Vous avez des goûts de shots. Hashtag réel, hashtag les termes. Je crois que c'est un peu long pour une musique, mais je crois qu'on peut les attacher au mur, non? Ah non, je crois pas. Malheureusement. Ça aurait été stylé, hein, quand même. Bon, émotionnel ou quelque chose comme ça, bah, je crois même pas. Parce que dans ses traits. Ah, je crois que t'as raison. Je pense que effectivement elle doit avoir un truc de notoriété où elle a effectivement une bombe émotionnelle. C'est donc pour ça qu'à chaque fois elle perd ses émotions et qu'elle pète un câble. D'ailleurs, en parlant d'émotions et de stars, apparemment il y a quelque chose qui je peux contacter une agence pour qu'il me donne une bonne réputation. Ça, je sais plus où c'est, donc je vais essayer de trouver. C'est pas dans foyer, ça doit être dans social certainement. Contacter l'agence publique des relations. Ok. Ok. Avoir son nom sur la liste d'une célébrité. Demander un mauvais article. Ok. Avoir la liste. Je vous envoie des adresses par SMS. Allez là-bas dès que possible. Ça, ça fait quoi? Attends, mais elle va où là? Faire la fête avec des célébrités. Mais non, les gars. Mais non, attends. Faut que je prenne tout là. Faut que je prenne tout. Faut que je sois une masterclass et que je commence à chanter avec tout le monde. Attends, mais ça va être fou. Ah non, mais. Ah. Bon. Je pensais qu'on allait se déplacer quelque part et finalement. C'est un trou de lapin, comment ça... Bah, ok les gars, fermez les yeux, on pense à plein de trucs. Ah waouh, là elle tombe sur des personnalités connues et tout. Oh, elle leur dit bonjour. Ah ouais, non, c'est trop bien. Bon, j'arrive pas à m'amuser, c'est bon. C'est bon. Ils cassent les couilles, les cibles avec leur trou de lapin, merde. Je m'en étouffe les gars. Oh là là, ça c'est quand même la meilleure chose. Hein. Je sais pas ce que vous en pensez. Mais à chaque fois que tu as un truc intéressant dans la Sims, t'es content, t'es hypé. Et t'as ce truc où t'es en mode « Ah !» Et ben voilà, elle a juste quitté le terrain. Voilà. Bon ben on attend hein, du coup. Logiquement, ça va augmenter sa réputation. Ou sa notoriété. Je crois que c'est plutôt sa notoriété même. Regardons ça. Actuellement, star montante. Ça monte. Ce que les gens pensent de toi compte. Et j'ai entendu dire que quelqu'un te méprise totalement.
Comment ça, quelqu'un me méprise totalement? Pourquoi sa réputation est en train de se baisser? Les gars, Kalash, je vais lui mettre un coup de flingue dans la gueule, hein, s'il continue. Voilà. C'est super long. Bah écoutez, elle passe sa vie avec des célébrités, là. Hein. J'avais fini par oublier son visage, j'avais presque fini par croire qu'elle était normale. Et ouais, il vaut mieux qu'elle reste dans son style gothique, là. Et c'est parce qu'elle allait partir au... faire la pom-pom girl. Ça me fait avec une sphère alpha. Attends, de quoi ça me fait ça avec mon saphir alpha? Comment ça? Elle est hébétée, qu'est-ce qu'elle a? Qu'est-ce qu'elle a? A fait la fête sans retenue. Les fêtes exclusives des célébrités sont intenses. Karaoke a fait ce qu'elle aimait et aimait ce qu'elle a fait. Elle a même lié une amitié avec une célébrité. Attends. Mais du coup, là, ça veut dire... comment ça va, Karaoke? C'est ton nouvel ami, Enej, Tilo. Waouh, comme il s'agit de faire la fête, tu ne fais pas les choses à moitié. Ne t'inquiète pas, il n'y avait pas de paparazzi. Entre célébrités, on doit s'entraider, tu crois pas? En tout cas, appelle-moi quand tu veux. Ça, ça a augmenté ma notoriété d'avoir fait ça? Ah oui, c'est Enel. Attends, c'est lui? Attends, Enel? Mais c'est une fraude, Enel, là, non? Il est zéro connu. Oh putain, super star mondial! Mais bien sûr! Invité à entrer, mais rentre, Enel! Fais comme chez toi! Eh ben oui, bien sûr, bien sûr! Voilà, mais écoute, comment ça va, mon petit papy adoré? Ah oui, on te rappelle qu'on a fait la fête. Ouais. Bah attends, est-ce qu'on est compatible avec Enel ou pas? Ah ouais, je m'attendais pas à ce que ce plouc soit effectivement une giga resta. Complimenter la tenue. Et du coup, attends, je peux augmenter ma notoriété en étant ami avec des célébrités comme ça? Ok, on va essayer de grappiller. Ok. On va essayer de gratter un petit peu, c'est comme ça. Féliciter. Voilà, illuminer la journée. Putain les gars, une star 2 étoiles connue avec une star va faire pistonner, mais on va essayer. Merci pour les follow, Peace, Cass, Zoé, Stitch, merci beaucoup. Un papy qui fait la fête avec une ado. C'est vrai que en vrai c'est glauque de ouf. Est-ce que c'est pas ça le monde de la célébrité finalement? Est-ce que c'est pas ça? Hein, t'es dans une soirée, il y a effectivement un papy de 87 ans qui... Parce que c'est vrai que j'avais zappé, elle est ado hein. Elle est ado karaoké. Donc là effectivement t'as une personne âgée qui est en mode waouh, tu fais pas la fête à moitié mais t'inquiète, y avait pas de paparazzi. Chelou un peu en vrai. Demandez une accolade. Ok. Attendez, en vrai, est-ce que je peux pas lui demander un autographe et je lui vends? Et je me fais de l'argent avec cet autographe. Je crois que si taper dans le ballon de foot avec Ken, elle est... Et on est d'accord, si je l'invite en lacet... Attends, je vais essayer d'augmenter mon amitié de fou avec. Être obsédé par sa célébrité, non. Se plaindre en disant que la vie est injuste, non. Plus un gâteau, c'est pour son anniversaire. Je lui fais en fin d'anniversaire. Je vais passer une autre journée au lycée avant. Faire connaissance. Nickel. Il est extraverti. Frimé avec son animal. Attends, des pensées profondes. Demander de regarder les étoiles. Je veux que ça devienne un gigapote, les gars. Pour que ça devienne. Pour que ça augmente ma notoriété. Est-ce que ça l'augmente ou pas le fait d'avoir un ami. Un ami star, en vrai? Ça, je sais que dans les Sims 3, c'est le cas, mais est-ce que c'est le cas dans les Sims 4 aussi? J'arrive pas à croire qu'il soit à la fin du challenge et que t'aies encore si peu d'argent. Mais c'est parce que je joue intelligemment. C'est-à-dire qu'en fait, j'ai trop joué en me faisant de l'argent en masse. Et c'est trop facile de se faire de l'argent en masse. Et je préfère vraiment cette façon de jouer là. Où bah, chaque argent t'en a vraiment besoin quoi. Et je trouve ça beaucoup mieux. Voilà, tu prends moins la tête avec l'argent. Et tu... En fait, si t'as l'argent de tout faire, t'es en mode, bon, bah, vas-y, je dois faire ça, vas-y. Je galère pas à l'avoir, je l'ai instant. Et là, bah, il y a au moins un petit challenge, tu vois. Je préfère, en vrai. C'est mieux. Si je veux, je peux avoir des milliards de plantes. Et chaque jour, je me fais 10 000 simflouz. Mais on s'en fout de finir un challenge à 2 millions, quoi. Et puis là, il y a tellement, en vrai, l'argent. Avec Alloué, l'avantage de Alloué, c'est que je sais dépenser mon argent. Je crée d'autres maisons que j'arrive pas à rentabiliser parce qu'elles sont beaucoup trop chères par rapport au prix de location. Et je mets des années à l'amorcer. Et au final, bah, j'ai dépensé de l'argent dans le vent. Mais ça m'amuse, je construis, c'est cool. Attendez, voyons voir si pour ces profondes, demander de regarder les étoiles. Ouais, en vrai, je suis d'accord, Rookin. Ça serait incroyable. Genre, ça serait incroyable, en fait, d'avoir un mode qui permette de remettre le prix. Genre, toute la vie est chère. Genre, en mode, là, le jeu se met à jour pour 2024. Voilà, le coût de la vie a doublé. Et ben, dans les Sims, ça serait pareil. Ça serait stylé, en vrai. Comme ça serait vraiment... Bah, putain, tu t'en chies, quoi, dans les Sims. Putain, l'argent, c'est... Même quand tu gagnes de l'argent, ça part trop vite et tout. C'est, tu vois, ça serait trop stylé, en vrai. J'adorerais. Et je suis sûr que c'est possible, en plus. Je regardais, je m'en renseignerai. Amical, voyons voir, est-ce que ça augmente leur amitié là ou pas?
Après, ce que je peux faire pour l'amitié, c'est lapin sociable, ouvrir. Je l'ajoute en ami, ce gros con, et puis c'est parti. Hein. NL, voilà, let's go. Amical, amical, amical. Ok, ça augmente. Il y avait demandé un autographe. Ah putain, faut que je le fasse. Ça, apparemment, ça donne masse thune. Ça donne Joyka. En mode inflation, ouais, ce serait stylé. C'est le princesse, comment tu as bing. Attendez, il y avait apparemment demandé un autographe ou je sais pas quoi. Demander de partir, signer un autographe. Non, c'est profonde, c'est pas ça. Signer un autographe, c'est moi qui lui fais signer, non? Je sais pas. Putain, waouh. On inverse les gars. Truc de fou. C'est lui qui est trop content d'avoir un autographe de nous alors que c'est lui la star. Je suis une star 2 étoiles, lui 5. C'est ouf, c'est dans l'activité. Activité. Demandez. Vas-y les gars, oh, c'est bon, mon gigapote. Let's go. Il est chelou par le papy. Il est chelou, t'es chelou. Vraiment là, il commence à me regarder tout avec des jumelles. Alors que je suis à côté de lui, il est chelou le papy. Allez, c'est parti. C'est mon grand-père en fait. L'extension pour Adèle et les étoiles, je sais plus. Hein. Y a pas un système de bourse dans les Sims, ça aurait été marrant de suivre le cours de la bourse de revente. Non, je crois pas. Malheureusement, y a pas. Car ok, je vous appelle pour vous annoncer le décès de Nicolas Delgato. Delgato, c'est qui? C'est quoi? C'est qui? Ça doit être mes oncles du côté de ma mère. Écoutez, rien de grave quoi, rien de grave. C'est pas le pack nature, comment ça? Ah, pour les étoiles, si certainement, ouais. Certainement. Écoutez, nickel. Du coup, je vois pas le truc pour demander. Obtenir des conseils de ça? Non. Ça a augmenté ma notoriété? Non. Après, peut-être que ça augmente ma notoriété d'être en public avec une star. Peut-être, hein? On va essayer. Papotage. Demander un selfie? Non. Pensée profonde. Rago? Non. Signer un autographe? C'est pas là. Non, mais la vie, c'est moi qui a demandé. Demander un autographe. Let's go. C'est ça. Il veut pas. Il veut un autographe de moi, mais lui, il veut pas l'inverse. Bon, c'est pas grave, je respecte, papy. Il part. Bon, bah voilà, on se fait un peu disrespect. Bon, on va aller dormir un coup, vite fait. Et ensuite, est-ce qu'il aime l'écriture? Bah, Fatal, les gars, qui devient écrivain. Si ça, c'est pas beau. Pff, c'est magnifique, Fatal, qui devient un bel homme, quoi. Quel bâtard. Ouais, bon, c'est tant mieux en vrai. T'as pas grandi, comment ça? Comment ça? Après, c'est pas grave, je veux pas devenir jeune adulte là. Hein. Je veux aller au lycée encore. Non, ça va le faire. Bah, Tori, comment tu es, Bing? N'oublie pas de nourrir Cactus. Sagamel, la dernière fois, était triste. Et au pire, il peut manger ses grands morts. C'est lui-même. Il peut manger, c'est pas mal. Bon, écoutez, on dort, on va manger, on ira manger au lycée, on en profitera. J'ai mon micro, j'ai mon drone ou pas? Non, j'ai pas mon drone, donc hop, je le récupère et on est bon. Allez, c'est parti, 30 minutes et un peu dodo. Tu as la notification de ton anniv bientôt. Ouais, non mais on va falloir le célébrer. Juste faut pas le rater quoi. Cheyenne, 9e mois d'abonnement, merci beaucoup. Et merci Lusai pour l'abonnement offert à Luluciole. Merci beaucoup. Merci infiniment. Suivre des élèves, harmonica et karaoké. Harmonica les gars, on espère qu'elle va pas nous recasser les couilles. Hein. Vous savez qu'harmonica n'est pas du tout populaire dans la famille. Hein. Putain, son père, il a fracassé. Sa sœur, il se déteste. C'est quelque chose. Hein. C'est parce que notre autorité est désactivée de quoi? Ça fait ça aux événements sociaux, c'est quoi le truc? J'ai un bug de merde, dès que je vais dans un bar, il y a jamais personne qui gère le bar. Ça c'est un bug qui va être corrigé le 27, voilà. Voilà. Justement, en parlant de bug qui va être bien à corriger, celui-là va être corrigé quoi. Ok bah attendez, ce que je vais arriver c'est direct aller à la cantine manger un petit morceau, hop là. Signer un autographe, vas-y. Premier réflexe qu'on fait évidemment, au mec de la cantine c'est tu as un autographe. Ah le proviseur, petit autographe peut-être tu as un... Tu veux un autographe, papy? Ah, voilà, allez, voilà. Et voilà, c'est pour vous, monsieur, c'est pour vous. Nickel, les gars. Le proviseur qui est fan de nous. Vas-y, on va manger un morceau ou pas? Non, c'est vrai, normalement. C'est un bug qui sont au courant, et ils vont le corriger le 27. Il y a déjà le patch note qui est disponible, en fait, du 27. Et il n'y a pas beaucoup de bugs de Halloween qui sont corrigés, je crois 7 en tout. Ce qui est mieux que ce qu'ils ont fait en un mois. Bon, juste modifier des bugs que personne ne remarque. Non, celui-là, il est chiant. Tu vas dans un bar, il n'y a personne. C'est quand même relou, quoi. N'oublie pas de bien soigner son acné. C'est vrai. Je vais faire ça avant qu'elle fête son anniversaire. C'est qui pleure, là? Mais qu'est-ce qu'elle a, elle? Bah, les gars, je crois que c'est quelque chose d'analyser de...
On est d'accord de pouvoir chialer dans les chiottes comme ça. Je m'en rappelais pas quoi. Je m'en rappelais pas. Ouais, on va sauvegarder, on va sauvegarder. L'acné c'est dans la délicée. Attends, elle mange. On est d'accord, c'est bon. Juste ce que faut qu'il fasse. Hop là, cacher l'acné, appliquer du nettoyant. Vas-y vite avant que ce soit trop tard et que tu doives aller en cours. Allez vite, vite, vite. Non non, la priorité c'est de te nettoyer le visage. Arrête de pleurer, arrête de pleurer, arrête. Et voilà, elle va mieux. C'est lunaire, les gars, c'est lunaire. J'ai rien fait. Les gars, elle était... Mais elle a oublié en 2 secondes qu'elle avait perdu quelqu'un. C'est même pas moi qui ai triché pour l'enlever, hein. C'est parti tout seul. Serenity, merci beaucoup pour les 11 bits. Merci, merci. Wizbot, qu'est-ce qu'il dit? Ah bah oui. T'as vu comment tu as écrit? Tu vois? Ah, la CNES, nickel. Bookmagie, merci beaucoup pour le 11e mois d'abonnement. N'hésitez pas à balancer les Zemo New Sub. Merci beaucoup. Alors attendez, on va au chiottes, je vous propose. Hop là. Et... Non mais le jeu est lent du cul ou c'est moi là? Je me suis dit, il a pas vu. Et si, si, si. C'est juste qu'il faut 100 bits pour que ça s'affiche. Parce qu'il y avait plein de gens, ils spammaient genre des 1 bit, 1 bit, 1 bit, 1 bit, 1 bit, 1 bit. Donc à force, je me suis dit, vas-y, je vais l'enlever. Mais non! Et voilà, qu'est-ce qu'il y a? Je vais avoir une retenue! Je vais avoir une retenue, c'est ça, monsieur le proviseur? Parce que vous m'avez surpris aux toilettes! Non mais surpris aux toilettes, monsieur le proviseur, monsieur! Aux toilettes! Je veux pas d'excuses, vous êtes pas en cours. Alors je vous mets une heure de retenue. Non mais c'est lunaire. C'était aux chiottes, t'as juste... Les profs, ils ont le droit, non? De t'amener aux chiottes, bordel. Attendez, tu sais quoi? Je vais chanter. Voilà. Donne-moi de l'argent maintenant. Donne-moi de l'argent, le proviseur. Allez, vas-y, vas-y. Je suis en train de chanter. Tu peux bien m'enlever la retenue. Enlève-moi la retenue. Et là, elle va rechanter. C'est ça? Tu rechantes, tu rechantes. Elle s'en bat les couilles. Ah. Let's go. Appelle le daron. Il m'a donné de l'argent, là. Il m'a donné de l'argent. Les gars, il m'a donné de la thune, le proviseur. Incroyable. Eh ben, merci beaucoup, monsieur le proviseur. Vous êtes vraiment adorable. Une heure de retenue pour 16 simflouz. Mais vraiment, c'est une aubaine. C'est donné. Bon, attendez. On y va. Juste, je mets mon petit live en direct. Et c'est parti pour chanter directement dans le lycée. Allez, on est parti. On est parti. Non mais les gars, juste imaginez-vous 2 secondes. Les enfants de karaoké, quand ils vont être au lycée, est-ce que sa mère, elle va pas débarquer? Elle va pas arriver et commencer à prendre la vedette, à chanter, à se la péter? Ça va être incroyable. Tu le proviseur, pourquoi le tuer? Il m'a donné de l'argent. 4 simflouz? Déjà, c'est déjà pas mal. Moins 4. Tu as perdu de la thune. Pourquoi j'ai perdu de la thune? Il m'a enlevé de l'argent? C'est abusé les gars, ce que vous me dites. Allez, je chante! Donnez-moi de l'argent! Putain, les gars, tout le monde m'adore. Je suis tellement populaire au lycée, regardez ça! Regardez ça, regardez ça! Tout le monde m'applaudit! Pourquoi tu rigoles? Papa! Rigole pas, hein. Y a mon père, il est pas loin. Mon père, il est pas loin. En un clic, je le fais venir, regarde ça. Papa! Papa! Et voilà, papa, il est là. Attention, hein! Attention, attention. Tue-le car il a volé de la thune. Mais non, on va pas tuer inutilement. En quel but? Il est pas en quel but. Oh là là, les gars, elle fait son petit boucan au lycée, hein. Par contre, t'as sommeil, là. Ça commence à devenir épuisant. Non, mais va pas dormir sur un banc. Attends, attends, elle va prendre encore une potion, voilà. Au pire, c'est quoi? C'est son père. Voilà, son père, il va lui donner ce qu'il faut. Annulateur d'état d'esprit, voilà. Tu vas prendre ça. Et bois ta petite potion, ça va te faire du bien. Voilà, là c'est ton dernier jour de lycée, il faut que tu donnes tout, hein. J'ai envie que tu deviennes une resta. Dire star en verlan. Merci Alex TV pour le 2e mois d'abonnement, merci beaucoup. Merci, merci, ça fait plaisir. Vas-y, bois ta petite potion là. Ah mais t'attends quoi, Soretz? Oh là là, c'est bugué. Il s'est mis du, on est d'accord, du, je sais pas comment ça s'appelle. Un truc sur les joues là, on est d'accord, hein. C'est pas lui qui rougit. Quel âge, qu'est-ce qu'il veut? Il m'a appelé pour dire que j'étais une merde la dernière fois. Qu'est-ce que t'as à me dire, Kalash? D'un fois, tu m'as insulté, mais grand mort. Va pas au lycée, on s'en bat les couilles. Va pas en cours, va pas en cours. Bon, si, tu vas chanter en classe. Voilà, on s'en fout. Ah ben voilà. Attends, mais ça, je vais mettre juste mon micro. Ou alors mon synthé. Ah ben putain. Ah ben, ça sera beaucoup mieux. Ok. Attendez, je vais juste prendre ça. Nickel.
Je vais mettre ça au fond de la classe, comme ça, s'il y a des élèves qui veulent jouer, let's go. Et moi, je sors mon petit piano, je vais jouer pour la première fois devant tout le monde, je suis un petit peu timide. Allez, c'est parti. Pianoter. Écrire des paroles, chanter une chanson, théâtre, pop, chute mon amour. Allez, let's go. Let's go, let's go, il y a la prof qui arrive. Elle va faire le show, putain. Sauf que la prof, elle est pas au courant. À toi de jouer. Elle chante bien. Enfin, chanter, ouais, mais elle fait bien du piano depuis quand? Oh, il a vieilli! Oh, les gars, regardez, c'est devenu un mec! Ah, le pointeur, il est au lycée! Qu'est-ce qu'un jeune adulte fait au lycée? Casse-toi de là! Casse-toi! C'est quoi ces t-shirts là? C'est la mode ou quoi? Vous n'avez plus rien à faire ici, monsieur, au revoir. Oh, attendez, on parle. Mais c'est... Est-ce que c'est un mec BG pour notre future génération? Ça, parce qu'il est jeune adulte, nous on est bientôt jeune adulte aussi, hein. Attention. Attention. Il faut scruter quand même, hein. En fait, le problème, c'est qu'ils ont des t-shirts. C'est pas la folie, quoi. C'est pas la folie. Bah les gars, en fait, là, il faut commencer à réfléchir au futur mari qui va porter les enfants. Non. Qui va donner naissance aux enfants. Non plus. Qui va aider. Voilà. Faudrait, hein. Faudrait, parce que ça va jouer sur lui, quoi. Ah, je dois faire des heures de retenue, les gars. Pourquoi tu te moques de moi? En fait, je crois que les gens, on a l'impression qu'ils se foutent de ma gueule, alors que non. Ils sont très contents, en fait, de nous voir. Bon, bah écoutez... Ma notoriété n'est pas. Je suis pas une star 3 étoiles, malheureusement, toujours pas. C'est long, hein, de monter. Hein. Merci de m'avoir écouté. Eh ben écoutez, c'était ma dernière journée de lycée. Je vous remercie beaucoup. Oui, Noémie. Est-ce que la chanson des serviettes est chantée par Patrick Sébastien? Oui, pourquoi? D'accord. Pourquoi? Pourquoi cette question, je me demande. C'est un super étoile, Spike, comment tu vas, Bing? Ton drone par terre, l'oublie pas. Bah ouais, voilà. Putain, les gars, c'est fou de se dire que c'est notre dernière année. C'est notre dernier jour. C'était notre dernier jour. C'était notre dernier jour. Quand même, lui, présentation amicale. Voilà, le découvrir, le connaître. Comme ça, on se fait des contacts. Allez, vite. Présentation amicale. Après, vu qu'on est une star, on va pouvoir faire tomber tout le monde. Il faut le savoir. Hein. Il faut le savoir. Attends, il m'a insulté. Ne t'approche pas de moi, espèce d'ordure violente. Je me suis réabonné. Papa. On m'a insulté, papa. Hop là. Faites voir. Oula. Non, y a papa, il va. Non, mais c'est mon garde du corps. Alors attendez, voyons voir. Meurtre d'hiver. Ouais. Ah oui, c'est qu'il peut y avoir des trucs sympas. Et ça, du coup, d'accord. Voilà. Non, on va y aller tranquillou. Ah, il arrive, papa. Papa, il arrive. Putain, regardez un petit peu le POV de papa. Cassia, merci beaucoup pour l'année d'abonnement. Merci beaucoup. Voilà, la prof qui insulte quand même au dernier jour de ma fille au lycée. Ma fille au lycée, qui l'insulte au dernier jour du lycée, ma fille. C'est abusé. Vous trouvez pas? Allez, c'est parti. Bonjour madame, passez une bonne journée. Et au revoir madame. Voilà. Bonne continuation, bonne retraite. Voilà, elle est où elle? Elle est où? Eh ben elle est là, elle est à côté, elle est toute contente, non? Elle est toute contente? Et voilà, putain mais fais un câlin à ton père, bordel, fais un câlin à ton père. Voilà, excuse-toi parce qu'ils avaient eu déjà quelques petits trucs. Oh, voilà. Le petit câlin avec la prof qui est par terre. Pourquoi t'appelles la police toi? Toi t'appelles la police, s'en bat les couilles, non? C'est bon, oh! Mais les gars, je vous le rappelle, hein, ne t'approche pas de moi, espèce d'ordure violente. Genre la meuf, elle est parfaite. Karaoké, c'est une star, pas prétentieuse, rien du tout. Mais c'est une ordure violente. D'accord, on aura tout entendu. Alors que elle, par contre, de l'avoir insultée d'ordure violente, c'est pas elle l'ordure violente. Allez, ça c'est dit, miroir. Let's go. Bon, bah écoutez, c'est nickel. On va rentrer, nous, tranquillement à la maison. On va la faire partir. Bonne continuation. Et voilà, et là on mettra ça, voilà la prof, voici les cours de la prof. Et bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, moi ça va super. Oublie pas ton drone, ouais il est là. Hop, c'est bon, on le récupère dans l'inventaire. Et on part, c'est bon. Eh ben écoute, Harmonica tu peux partir aussi. Harmonica qui est triste de la mort
Ah non, c'est de la famille. Oh, on s'en fout, on s'en fout. Vas-y, on rentre. Let's go. C'est qui est mort? Rien, c'est t'inquiète, c'est la prof. La prof, la prof. Oh, les gars, les journalistes. Et encore à l'endroit où il y a karaoké et il y a le papa de karaoké, il y a eu un meurtre au lycée, un professeur qui a apparemment insulté sa fille et malheureusement un décès. Voilà. On ne sait pas qui est le responsable de cet acte tragique. Oula, il s'en passe des choses. Il s'en passe. Attendez, pourquoi je peux pas aller chez moi là? Prendre le contrôle de Fatal Bazooka. Hop là. Prendre le contrôle de karaoké. Allez, c'est parti, on y va. Fatal qui bute sa femme. C'est sa femme? Ah oui, c'était celle qui met pas les chats là, non? Ah ouais, je crois que c'est ça. Hein. C'était celle qui met pas les chats. Et du coup, on l'avait pas pécho parce qu'elle aimait pas les chats. Attends, je crois que c'était ça l'histoire. C'est vrai qu'il a tué sa femme. Et ouais, du coup. Ah bah oui. Non mais ça va, j'ai gagné la Coupe du Monde ou je me suis réabonné? Ah bah c'est. Non. Ah non, c'est juste sa femme quoi. D'accord. Et ben voilà hein. Comme quoi, on n'a pas de préférence. Tu as beau être ma femme, tu peux être mon enfant. À partir du moment où tu insultes karaoké, le sort est le même. Voilà. J'avais oublié que tu étais ma femme. J'en suis vraiment désolé. Mais c'est un peu tard pour m'excuser. Voilà. Écoutez, effectivement, j'ai buté ma femme. Et pourtant, on avait une compatibilité exceptionnelle. On avait découvert qu'elle avait eu son pantalon déchiré lorsqu'elle était adolescente. Et on était amoureux d'elle. Voilà. Bon, il n'y a pas de rancune, visiblement. Juste, voilà, elle est morte. Et puis voilà. Hein. Et du coup, il est triste de la mort de sa meuf. Elle aussi, elle est triste. Regarde ça avec la musique, ça me termine. Oh, c'est ma musique! Elle doit être trop contente, bordel, sa musique qui passe à la radio. Banger! Passe à la radio! Écoutez ça! Attends, mais danse, elle aime pas la danse après elle. Elle aime pas la danse, elle danse. C'est karaoké, la femme de sa vie de toute façon. Ah, c'est ça. C'est ça, sa fille adorée. Il n'a Dieu que pour elle. Merci beaucoup, M Kids, pour le 21e mois d'abonnement. C'est à toi, t'es là, il me réchauffe toujours le cœur, c'est trop plaisir, merci beaucoup. Merci. Putain, mais attends, le papa, il doit être trop content là. Il écoute la musique de sa fille. Bon, va falloir fêter notre anniversaire, les gars. Va falloir fêter tout ça. Oh, il est trop content, regardez, il est trop content. Il doit être fier, non? Non, y'a rien. Voilà, juste, il était content. Effrayé par. Ce Sims a été assassiné. Wouah, mais. Normalement, elle est censée être contente. Acné qui empire. Mais casse les couilles, ça! C'est bon! Vas-y, arrête de faire une fixette sur ta musique. Appliquer le nettoyant visage. Voilà, cacher l'acné. C'est bon, ça va mieux? Ok, bon, go faire notre anniversaire avant que ce soit trop tard, quoi. Ouais, c'est bon, on a soigné. Elle va grandir toute seule, ouais, à chaque fois je me fais avoir en plus. Ok, let's go. Social, invité sur le terrain actuel. Non, c'est pas ça. Social, organiser un événement social. Voilà. Ok, alors, fête d'anniversaire, let's go. On invite qui à la fête? Déjà, on organise l'anniversaire de karaoké. C'est d'une tristesse, les gars. Il y a karaoké et harmonica, je vous rappelle qu'ils sont quand même sœurs jumelles. Et on célèbre l'anniversaire de qui? De karaoké. Genre, c'est son anniversaire en même temps qu'elle. Mais non, on s'en bat les couilles. On pourrait sélectionner les deux, hein. Non, c'est que l'anniversaire de karaoké. Voilà, toi, t'es né en même temps qu'elle. D'accord. Parce qu'en fait, il y en a tellement une que j'aime plus que l'autre que j'avais oublié. Je dis pas qui, hein. D'ailleurs, on va inviter Marie, ma mère. On va inviter évidemment Fatal qui va être là naturellement. La star, les gars. S'ils nous voient avec des stars, peut-être qu'on va augmenter notre autorité. Ici, Samuel, le fameux Samu, voilà, qu'on a vu au lycée. Putain, mais attends, mais on connaît pas beaucoup grand monde en fait, hein. Notre proviseur, les gars, on va l'inviter. Mais elle est où notre famille? Kalash. Bon, Kalash, Marie, lui, voilà. Vincent XY. Voilà. Bon, on invite 9 personnes et la star. Allez, Ara, le mec que je déteste du lycée. Allez, let's go. Traiteur, un traiteur? Non. Mixologue, artiste. Non, c'est moi l'artiste, les gars. C'est moi l'artiste. Je joue aux Sims pendant le live, il y a un bug, je viens de perdre ma sauvegarde en secours. C'est les Sims.
en conseil en ce moment, faites des sauvegardes de vos sauvegardes parce que là, ça, c'est compliqué en ce moment. Laura, comment tu vas bien? Comment ça va les gens sur TikTok? Et merci pour tous les follow, que ce soit sur TikTok ou Twitch. Merci. Ok. Moi, c'est bon, j'ai sauvegardé. Je sauvegarde tout le temps mes sauvegardes de sauvegarde en plus. Allez, c'est parti. Cara, toi, bon, vas-y, on va pas non plus. Tu vas pas non plus être triste de la femme qu'on a tuée récemment. Tu peux être un petit peu, voilà, nostalgique de cette époque-là, mais c'est ce qui est fait est fait. Ça a de remuer le couteau dans la plaie. Marianne, comment tu vas, Bing? Il y a 20 minutes, j'ai fini sans baby challenge. Ça a duré combien de temps? Combien de temps? Attendez, est-ce que. Ouais, c'était en cuisine. Cuisiner un gâteau. Ok, gâteau. Est-ce que je peux faire gâteau de noix coco? Ça changerait en vrai. Est-ce que je peux mettre des bougies d'anniversaire là-dessus? Elle, les gars, il faut qu'elle profite de ce moment où il y a beaucoup de public pour tout lâcher. Pour lâcher le meilleur d'elle-même, lâcher la meilleure prestation de sa vie et se faire un maximum de flouze, comme on dit. Donc déjà, ce qu'on va commencer par faire, c'est sortir le drone et commencer un live pour dire « Hey les gars, je suis en live !» Je suis actuellement en train de célébrer mon anniversaire. J'ai oublié mon micro malheureusement au lycée. Vu que j'ai une flemme affreuse d'aller la récupérer. Microphone. Hop là. On prend ça et let's go. Deux semaines. De quoi deux semaines? Je sais plus ce que j'ai dit si jamais. Hop là. Ah, deux semaines pour faire le 100 baby challenge. C'est vrai que c'est court hein. C'est court quand même, hein. T'as bien rushé. Parce que c'est quand même le challenge de la longueur ça. Hein. Challenge de la répétition. Chanter une chanson, vas-y les gars, on va chanter du jazz. Des notes jazzy. Allez c'est parti, je veux t'écouter. Par contre ça augmente pas la notoriété. Parce qu'en fait je crois qu'on a invité des... Attends, vite, le gâteau. Voilà, ajouter des bougies d'anniversaire. Toi c'est bien, il dort pour l'anniversaire de sa fille, c'est... Ça fait plaisir à voir. Let's go, ça fait plaisir à voir, j'espère que tu te régales bien. Attendez, je vais m'installer. Voilà, Fatal a l'impression que ça fait une éternité qu'il a pas fait de choses romantiques avec sa moitié. Elle est morte, c'est peut-être pour ça, mais bon. Vas-y, c'est pas grave, t'inquiète. On t'en veut pas, Fatal. C'est toi, quoi, c'est toi. Fais voir un peu. Tout le monde s'en bat les couilles. J'ai besoin d'être de trop. Vraiment, la... Non mais putain, que des mauvaises nouvelles en ce moment. Je vous apprends le décès de Yann Kran, mais je sais pas qui c'est encore. À tous les coups, c'est un de mes meilleurs potes. Fais voir. Yann Kran, t'es où? Mais je ne connais pas de Yann Kran. Non mais vas-y, j'ai plus d'amis morts que d'amis vivants. C'est trop cette histoire. Il perd tout le monde, les gars. Après, vu le nombre de vieux qui est dans sa liste d'amis, forcément, à un moment, voilà, il faut que ça meure. Hein. Faut que ça meure. Et Fatal, aussi bien, c'est le prochain. C'est ça qui est terrible à voir. Hein. Écoutez, on va célébrer l'anniversaire. Je suis un petit peu déçu, voilà, je tiens à vous le dire. Je pensais qu'on allait arriver, que vous allez tous m'acclamer, m'applaudir. Vous m'acclamez pas, vous m'applaudissez pas. Tout ce que vous faites, c'est manger votre repas de merde. Il y a même quelqu'un qui pense mal de moi, regardez. Vous trouvez ça normal d'avoir une bulle avec moi-même entouré dedans? Papa! Papa, t'as quelque chose à faire. Papa, il y a la demoiselle que j'ai invitée par erreur qui m'a insulté. Fais ce que tu trouves être légitime de faire. Merci beaucoup, papa. Je compte sur toi. Je compte sur toi. Hop là. Il a demandé de venir, les gars. Il a demandé de venir. Qu'est-ce qui se passe? Elle a esquivé ou quoi? Elle a esquivé? Ah non, elle a pas esquivé. Aïe. Elle est là, elle bouge pas. Elle est toujours assise. Au plein milieu du repas. Oh, ça me termine. Et voilà. Voici l'Amérique, les gars. Voici l'Amérique. Voilà, bah écoutez, nous on continue le repas. Ah bah écoutez, non mais c'est génial. Je sais pas si t'as vu, mais j'ai fait mon petit boucan au lycée la dernière fois. Hein. J'ai fait mon petit boucan, pas vrai?
Bon, j'ai fait mon petit boucan lycée, j'ai chanté alors qu'il y avait la prof qui faisait cours. C'était génial, c'était vraiment génial. La prof, le directeur, il m'avait mis une heure de colle alors que j'étais aux toilettes. Enfin bref, une histoire de fou, une histoire de fou. Et puis il y avait elle aussi qui était au lycée. Je te dis pas. Bon, écoutez, est-ce qu'on ferait pas un petit live nous pendant ce temps? On ferait un petit live, il y a elle qui est derrière. C'est pas mal. Les gars, juste elle dort. Par contre, est-ce que toi là, qui dors pendant son anniversaire, tu pourrais nettoyer un petit peu. Voilà, juste comme ça, ça peut être pas mal. Il y a le drôle qui a filmé. Non, je pense pas. Elle serait abusée. Allez, on va souffler les bougies. Hop là, c'est parti. Souffler les bougies. Allez, let's go. Attends, avant de souffler les bougies, peut-être célébrer. Célébrer tous ensemble. Prendre un morceau, célébrer. Allez, c'est le moment de célébrer. C'est le moment. Elle est où? Allez, let's go. Wouhou! Et c'est mon anniversaire. Allez, c'est bon, je chante toute seule. Souffler les bougies, let's go. Oui, la police. Fatal, t'es où? Fais genre tu dors, c'est parfait. Change rien, il devrait partir. Ok, nickel. Oh non, elle a soufflé ses bougies, j'ai raté. Là, le début de l'âge adulte, programme responsabilité pour la vie, carrière en devenir, possibilité infinie. Ça y est les gars, les adultes, c'est officiel. Oh là, putain. Et du coup, elle devient une pitre. Waouh, pitre musicienne fabricante, c'est énorme. Évidemment, on va lui mettre une aspiration par rapport à la star. Connaissance, attends. C'est popularité, devenir une renommée mondiale. Voilà, une personne de renommée mondiale. C'est nickel. Toi, tu te réveilles. Tout le monde est content, les gars, ça danse. Les gars, elle est en âge d'avoir des enfants, elle est en âge de donner naissance à la 5e génération. Il faut que je profite pour prendre des petites photos, c'est vrai. Quoi ? Papa, là c'est très grave ce qui se passe. C'est très grave. Papa, t'as vu ce qui s'est passé? Il m'a frappé moi alors que j'ai rien fait. Papa, fais quelque chose. J'ai rien fait moi. Oh putain. Voilà papa. Papa, part de la maison. Va faire du bénévolat papa, je pense. Voilà, va voir les enfants, va aider des gens. Je sais pas, hop là, regarde. Hop, faire du bénévolat. Tu pars et moi je te rejoins. Voilà, va faire une vente de gâteaux. C'est nickel. Allez papa, pars avant que la police t'attrape. Papa. Allez hop. Alors moi je vais aller faire des petits gâteaux. Voilà, hop. C'est bon, j'y vais. Ok, c'est bon, il est parti faire du bénévolat. Comment tu vas toi? Non mais elle s'est fait frapper les gars. Et pourquoi ça crie comme ça? Qu'est-ce qui se passe? Il y a les news et tout. Oh là là, mais c'est pas croyable ce qui se passe. C'est pas croyable. Bon, écoutez, tout ça... Oh non, niveau de... Non mais les gars, je perds de la célébrité, mais pour rien genre. Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que Karaoke a fait? Elle était quasiment star 3 étoiles. Ah non, mais c'est fou. Réputation atroce. Attends, c'est pas moi ça. C'est pas moi. Non, les gars, c'est bugué. Il faut que je me remette une bonne réputation. Il faut que je me remette 2 étoiles. C'est honteux. Permettez-moi de vous le dire. Ne touchez pas, s'il vous plaît. J'ai l'impression que vous êtes tous à fleur de peau ce soir. Je ne sais pas ce qui se passe. Mais mon anniversaire est terminé. Je suis jeune adulte. Merci de m'avoir écouté. Voilà. Médaille d'or. Écoutez, c'est joyeux anniversaire. Quelqu'un a laissé une commode dans votre inventaire. C'est peut-être signe que pour commencer à s'habiller différemment. Les gars, on a gagné la récompense d'or. Donc la récompense maximum. C'est clairement un anniversaire réussi qu'on a eu. Il y a eu quelques couacs. Mais là, je m'en rappelle même pas. Là, tu vois, c'est des couacs tellement légers pendant cet anniversaire que je m'en rappelle même plus. Voilà, c'est rien, les gars. C'est rien. C'est un anniversaire lambda. Ça me termine. Tu sais pas ce qui se passe. Ça crie dans tous les sens. Bon, nickel. Bon, il en reste une qu'il va falloir qu'elle rentre chez elle. Ara, rentre. Bon, merci beaucoup la police en tout cas. Merci, vous avez bien vu, il y avait pas besoin de finalement de venir. Il y avait rien. Dommage, t'as pas vlog. Bah, il y a juste le drone qui a filmé quoi. Il y a juste le drone qui a filmé. Bon, merci. En tout cas, effectivement, comme sur TikTok, ils disent, c'est un anniversaire mémorable.
Ce sera à jamais gravé dans nos mémoires. Ah voilà, c'est bon. C'est bon, c'est bon. Ara. Eh bien écoutez, je sais pas pourquoi elle subit la mauvaise réputation de son père. Je sais pas pourquoi. Pourtant, elle est irréprochable. Elle fait pas mal une bouche. Bon, elle demande à son père de tuer des gens. Mais voilà. En tout cas, heureusement que Fatal. Qu'est-ce qui se passe? Et qu'est-ce qu'ils font là, les gens? Vous pouvez pas partir? Pourquoi il parle tout seul, lui? Qu'est-ce qu'il fait? Ils me font peur. Voilà, les gens me font peur. C'est extrême violence, c'est une mise à jour d'extrême violence. Peut-être parce qu'elle est complice. Bah non, parce que même la semaine dernière, en fait, je m'étais renseigné, elle était pas complice la semaine dernière. Elle avait peur à chaque fois qu'il faisait un meurtre. Donc même le fait de pas être complice, ça change rien, quoi. Bon, on retire les barrières. Et bon, la police, vous allez pas non plus manger des saucisses à la maison, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Donc vous pouvez partir. Non, vous êtes trois, mais toujours plus, non? Bon, vous inquiétez pas, mon père, vous savez, il est adorable. Il y a juste ces petites folies de temps en temps, mais il fait pas de mal à animaux généralement, hein, vraiment. Bon, allez, bonne continuation, la police. En tout cas, vous pouvez y aller. Vous pouvez y aller. Voilà. Bon, moi, je vais sortir un morceau. Je vous propose produire un morceau. Voilà, bon, on va mettre un autre son. Le policier sur la balançoire. Non, mais c'est la police, les gars. C'est rien. C'est rien. C'est la police aux États-Unis. Apparemment, ils font ça. Vas-y, attendez, je vais améliorer mon dernier niveau. Ah, le bénévolat est terminé. Harmonica, les gars. C'est vrai, c'était son anniversaire. Elle a vieilli. Harmonica, les gars, qui est une machine à danser, gloutonne et soignée. Écoutez, Harmonica, qu'est-ce qu'elle va faire? Harmonica, je pense qu'elle va s'installer dans une ferme et elle va vouloir qu'avoir des moutons. Je pense que tout ce qui est humain, elle aime pas trop. Donc, on va plutôt la mettre dans nature. Et gardienne de la campagne, voilà. Je pense que ça va être très très bien. Très très bien, très très bien. Bon, comment s'est passé ton anniversaire de ton côté? Hein? J'avais oublié, voilà. Bon, on veut pas. C'est un oubli, ça arrive. Papa, il y peut rien. Voilà, tu sais, il a plus toute sa tête. Donc, écoute. Ouais, l'anniversaire mortel. Bon, vas-y, augmente sa compétence. Pourquoi elle a peur? Arrête d'avoir peur du sang alors que c'est ton père qui a fracassé tout le monde. Voilà, c'est fou ça. Bon, papa, il est de retour à la maison. Voilà, il est allé voir, il est allé s'occuper de la vente de petits gâteaux dans cette allure-là. Voilà, c'était nickel. Je pense que ils se sont dit, mais c'est marrant ça, le petit déguisement d'Halloween. On est quel mois? Au printemps, d'accord. Halloween de printemps, bien sûr. Ta propre sœur, alors que vous étiez jumelles. Les darons qui font une obsession sur un seul de leurs enfants. Mais je ne vois pas ce qui te fait dire qu'il y a une préférence entre toi et ta sœur. Arrête. Là, vraiment, tu deviens parano, ça devient grave. Voilà, ça devient grave. Il n'y a aucune parano. Oui, j'ai oublié ton anniversaire alors que vous êtes jumelles. Est-ce que tu peux m'en tenir rigueur? Voilà. Essaye un petit peu d'être compréhensive. Être parent, c'est pas... Voilà, on n'est pas dans les Sims, là. Hein, c'est plus loin que ça. Ça va plus loin. On veut voir sa tête. Alors, la tête, en jeune adulte, n'a rien changé, hein. Il faut savoir qu'adolescence, c'est sa tête. Parents très très fiers qu'on ait réussi à enlever l'acné. Par contre, on a toujours la trace d'hématome de l'autre connasse qui m'a frappé. Bon voilà, hein, on se rappelle. La connasse qui m'a frappé, elle est dans mon inventaire. Hein. Elle est ici. Voilà. Attends, c'était Ara ou c'était Laura? Non, Ara, elle m'avait insulté, c'est Laura. Voilà, attends, je vais lui faire un petit message. Ok, c'est bon, c'était le petit message, j'en avais besoin. J'ai besoin d'exprimer un petit peu à travers un peu de poésie ce que j'ai ressenti pendant ce moment. Elle a des rides un peu prématurées, la pauvre. Ça, c'est très Grotesca. Grotesca, c'était... Elle a ses rides, elle a 4ème génération toujours des rides. Par contre, là, elle est en âge. Et pas en âge, en train de nager et tout. Elle est en âge d'avoir des enfants. Et ça, c'est magnifique. C'est magnifique. On va voir un petit peu, on va essayer de faire peut-être un peu de musique et de voir qui va nous donner les pourboires. Et ceux qui nous donnent les pourboires, ce sera clairement un ticket droit dans nos cœurs pour être ça, quoi. En âge, ouais. Je m'appelle Laura, je me sens bizarre. Non, mais t'inquiète, c'est pas toi qui es décédé là. Hein. Je te rassure. Très très tôt. Tu as un Alberto violent sur TikTok, comment ça? Comment ça? Et attention, Averto TikTok. Ah, un avertissement TikTok. Ah oui, certaines personnes peuvent trouver le contenu de live dérangeant. Tu peux imposer une limite d'âge. Ah ouais? Certaines personnes peuvent trouver ce jeu dérangeant. C'est vrai que les Sims, c'est quand même assez dérangeant. Je le conçois. Je le conçois. Et du coup, non, mais c'est... Ça fait plaisir, Mira. Ça fait plaisir. En tout cas, merci beaucoup les gens sur TikTok pour les follow et les likes. Voilà, vous soutenez. Comme ça, au moins, ça compense l'alerte. Les gars, je sais pas du tout ce qui est violent là. Le jeu est dérangeant. Qu'est-ce qu'il y a? C'est la musique qui est dérangeante? Ah, c'est abusé. Attendez, on va mettre remixé. Comme ça, on écoute un peu cette magnifique musique. Merde. Voilà. Les gars, on est bientôt niveau max. Il y a un bébé dehors.
Pas à ma connaissance. Ça, c'est du rock. Ok, vas-y, bientôt niveau max. Allez, faut qu'elle devienne une star, elle, hein. Va falloir inviter notre ami populaire. Et on va aller, comment ça s'appelle, dans un bar avec lui. Il va y avoir masse monde. Le défi, pour ceux qui viennent d'arriver sur TikTok ou quoi que ce soit, Génération Leader, on commence avec une personne au trait très déformé qu'on peut considérer comme laid. Et notre objectif, c'est qu'en 5 générations, les enfants de cette personne-là déshéritent de ses traits. Ça, c'est la 4ème génération. Elle peut paraître BG, mais elle est cachée sous ses vêtements. Attention. Niveau combien là? 89. Vas-y, attends, on passe. En accéléré, c'est particulier. Ah, c'est marrant, en accéléré. Ah, j'ai plus d'électricité. Bah, super ça. Super, c'est comme ça qu'on me censure, les gars, on me censure. Ça me dégoûte. Les gars, venez, on fait un truc de ouf. Pour la dernière génération, du coup, karaoké. Vu que ça va être la seule jeune adulte, dès que Fatal Bazooka malheureusement nous quitte et décède, cette maison, vous la voyez cette maison, elle est très campagnarde. Eh ben, elle va être transformée en gigantesque villa. Genre là actuellement on a eu plusieurs moods dans cette maison. On a eu un premier mood, je saurais pas comment le décrire, c'était un peu moderne mais sans plus, un peu lambda j'ai envie de dire. Là c'était un thème un peu plus campagnard, un peu plus personne fan d'animaux, voilà, un petit peu plus nature. Et le prochain truc, vraiment villa moderne, de star. Cette maison va se transformer en star. S'il faut que l'étage du haut, il n'y ait plus personne, on les jarte tous et on fait un étage en haut, on va faire un étage en haut, il faut l'argent, il faut qu'on agrandisse ça de ouf. L'étage est acquis. C'est une bonne question, je sais même pas qui y a. Je pense que tout le monde est mort là-bas. Non, il doit y avoir Coca, il doit y avoir mes cousins, tu vois. Les cousins d'elle. Attends, pour le voir. Voilà, juste elle est morte de fatigue, elle, ça serait bien qu'elle aille dormir. Je pense qu'avec l'argent qu'on va se faire, ça peut être pas mal. Toi, t'aimes pas le style campagne française, on pense à toi, Jeanne Delgato. De quoi? J'ai pas compris. On pense à toi, Jeanne Delgato. Campagne française, attendez, incroyable. De cette place de Calutis a amélioré son niveau au point de devenir un logement 5 étoiles. Quoi? J'ai un logement 5 étoiles là? C'est lequel? Ah ouais, ce logement je crois qu'ils l'ont passé à 5 étoiles les gars. C'est dingo? Attends, quoi? Ah oui, c'est Kalash qui habite là-bas. Ah mais c'est dingue les gars. Pardon, attends, Kalash. Faudrait qu'il me donne un peu plus d'argent là. Hein. Il me donne que 300. Allez hop, Kalash, j'augmente ton loyer. Voilà, tu sais quoi? Hop, je suis 5 étoiles mais je m'en branle. Putain, 5 étoiles. Après c'est que j'ai fait une belle maison là. J'ai fait une belle maison. Ici du coup c'est là-haut, on est d'accord? Ah ouais, il y a du monde en vrai. Et oui, il y a Coca, il y a Justine qui était la femme de un des je crois de, je sais plus comment il s'appelle. Alors, on a Surprisca, on a Paul Lobo. Et voilà, et on a un chien aussi visiblement, on a Luc. Génial. Moi tout le monde est conscient sur ça, 5 étoiles. Bah juste tu peux flex parce que voilà, tu lâches des masterclass. Ça c'est la fraternité, bah voilà, on augmente après la note hein. Comment tu fais pour faire un espace de logement alloué? C'est avec le pack alloué que je ne conseille pas pour le moment car il est full buggé. Ce que les gens pensent de toi compte et j'ai entendu dire que quelqu'un te méprise totalement. Bon après c'est normal, on dit ça à Kalash les gars. On aurait dit ça à Karaoké, j'aurais soulevé la personne qui pense ça. Mais là on dit ça à Kalash, bon ça m'étonne qu'à moitié. En vrai peut-être qu'il faudrait... Peut-être qu'il faudrait, venez les gars, c'est pas méchant, hein. Vraiment ce que je vais faire, attention, c'est pas méchant, ça peut paraître méchant, mais on va virer Harmonica de la maison, je la considère de trop, et elle va vivre sa vie ailleurs, et comme ça au moins le jeu va peut-être lui créer une vie un peu plus intéressante que ce qu'elle vit avec nous, et comme ça au moins notre chambre va pouvoir devenir une chambre pour nous, voilà, ça va pas être un truc comme ça. Fatal est toujours marié à Marie, sûrement ouais, sûrement, ou alors il avait rompu, je sais plus. Faudrait que je regarde les étapes de vie, voir. Je suis outré. Non, y'a pas à être outré, les gars. Y'a pas à être outré du tout. C'est des choses naturelles. Ah, attendez, je peux la faire habiter où? Je pense que je peux lui trouver. Voilà, regardez, y'a un vieux là-bas. Non, bah attends, elle serait heureuse avec ce vieux, je te dis pas. Hein. Ah non, elle serait heureuse, c'est sûr. Attendez, voyons voir. Comme ça, on serait quasiment notre voisine. Alors, voyons voir, clac, j'aurais pu lui créer une habitation, mais il n'y a plus trop de place sur le terrain pour lui créer une petite habitation. Est-ce que j'ai l'argent de... J'ai pas l'argent de dépenser de l'argent pour elle, voilà, c'est pas méchant, encore une fois, hein, je tiens à le dire. Ah bah, elle peut habiter avec sa mère? Ah bah, de ouf, vas-y, bah, casse-toi avec ta mère, voilà. Allez, ciao! Elle habite où, sa mère?
Elle habite où, sa mère? Bah, je sais pas. À San Sequoia? Ah putain, dans un cabanon! Eh ben finalement, les choses sont bien faites. Non, je sais pas ce que vous en pensez. J'avais oublié. Les choses sont bien faites. Écoutez, on prendra le temps de l'améliorer un petit peu. Et puis voilà. Imaginez, il y a une série bonus qui sort sur la chaîne où on vit la vie de Harmonica dans son cabanon de jardin. Attends, c'est lequel? C'est lequel de cabanon? C'est lui ou c'est lui? Ça, attendez, ça doit être... Attends, invité à passer du temps ensemble. Ah bah c'est lui. C'est lui, c'est lui. Attends, on va quand même re-regarder comment ça se passe. Je me rappelle plus comment c'est BG là où elle habite. Ouais, c'est le petit. Celui à gauche. Voilà. Ok, on va rentrer, on va passer par le jardin. Toc, toc, toc. Voilà, on va voir. Ok. Je sais pas, mais je sais pas comment faire. Bah, il faut... regarde plein de tutos, hein. Regarde mes vidéos. Va sur la chaîne YouTube LUK et tu vas voir, il y a des vidéos de Halloé et tu vas apprendre directement là-bas. Ok, toc toc toc. Et bah alors, je viens voir un petit peu comment ça se passe. Ah bah ouais, non mais c'est super comment c'est grand et tout. Ah, c'est vrai qu'on avait fait un petit coin de paradis. Eh bah voilà, regardez, il y en a une qui rentre. Regardez, bah, ça se voit qu'elle est habituée. Hein. Elle est vraiment habituée, elle. C'est chez elle depuis maintenant plus de 3 ans. Forcément qu'elle est habituée. Elle arrive, elle prend ses petites céréales, elle se pose. Ah mais en vrai, c'est quand même un endroit très très bien... vraiment, elle rentre pour la première fois chez elle. Bon, mais ça me fait plaisir de voir que t'es à l'aise déjà. Elle est à l'aise. C'est très cool. C'est très cool. C'est tellement sadique, mais ça me termine. Oh bordel. Ah, ça me termine. Aïe aïe aïe. Première chose qu'elle fait quand elle rentre dans sa nouvelle habitation, c'est qu'elle va dans son lit, elle chiale. Mais Harmonica, tu chiales pourquoi? Il s'est passé quoi? T'as perdu un proche? Ah, elle retrouve sa mère. Il y a vraiment toutes les émotions qui y passent. Je suis content de te retrouver, maman, mais c'est quoi cette maison de merde? Je pensais déménager dans un endroit bien. Il y a les chiottes en bas du lit. Il y a du papier toilette. Attends, il y a un autre truc. On est d'accord. Pourquoi il y a du papier toilette en lévitation, là? Bon, c'est le petit truc, quoi. C'est le petit truc. On va faire des clubs, un club des ex. Non mais regardez, en vrai c'est chargé. Il y a un livre ici, il y a une douche là, des toilettes. D'ailleurs, en parlant de toilettes, faire caca en étant en colère. Voilà, nickel. J'avoue, c'est tellement petit qu'elles doivent parler dehors. Non mais voilà, on pourrait leur mettre un étage et puis elles seraient contentes. Mais ça serait trop, ce serait un peu abusé pour le coup. Ce serait un peu abusé. Faut pas abuser des bonnes choses. Bon, mais nickel. En tout cas, très très contente de voir comment ça se passe bien. Les toilettes, la douche, tout ça fonctionne vraiment super. Le lit pour dormir à partager à deux, c'est génial. Le petit frigo. Et les petits livres si jamais vous avez envie de vous amuser. Les trois mêmes depuis 25 ans. Donc, c'est génial. Écoutez, moi, je vais rentrer à la maison. En tout cas, ma petite sister, des bisous et à la prochaine. Moi, je rentre dans la villa. Voilà, ciao. Ciao, ciao, ciao. Agrandis-le quand même. Non, en vrai, c'est nickel. On va pas dépenser plus d'argent. J'ai déjà tellement dépensé. Voilà. Elles sont deux, augmente le loyer. Bah je crois que je peux pas. Je crois qu'il est au maximum le loyer en vrai. Fallait pas critiquer la déco. C'est déjà grand, mais c'est ce que je me dis. S'il y a la place d'avoir un lit, un frigo, des toilettes, toile d'araignée, et du papier toilette en lévitation, c'est que ça suffit largement les gars. Faut pas demander plus. Ah, il y a une histoire de fantôme. Ça c'est vraiment toujours l'événement le plus fun de Halloé. Oh, il y a un fantôme. Attends, il est où? Ah ben il est là. Et ben voilà, on va lui demander de partir les gars. Wouh, allez, on affronte le fantôme. J'essaie de surjouer un petit peu histoire de... Allez, le fantôme, on va voir s'il part ou pas. Putain, s'il part pas, j'ai le démon. Aïe 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 aïe. Il est où? Ah ben il est dans mon chevalet. Voilà. Et j'ai entendu dire que Kalash était devenu ton ami. Bah Kalash c'est mon frère, donc bon. Voilà, fin du sujet. Affronter le fantôme. Voilà, par... Ah bah elle reste... Oh putain, j'ai le démon en vrai.
Ouais, c'est bon, clic droit, casse-toi le fantôme. C'est bon, c'est bon. Nickel, bon, nous ce qu'on va faire, c'est qu'on va manger. On va se refaire un peu notre chambre, je propose. Il va falloir trouver un mari, qu'on commence à être enceinte, de tout faire évidemment au propre. Beaucoup de choses dignes de lapin sociable sont arrivées sur Akaraoke aujourd'hui. Qu'est-ce qui s'est passé, les gars? Vincent veut que vous l'ajoutez en ami. Non, mais les gars, pourquoi il y a que des vieux qui veulent m'ajouter? Je vais l'insulter mes grands-mères, les gars. Vincent, t'es où? Hop, voilà. Méchant. 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 Hop, nouvelle publication. Propos énergisante. Fil d'actualité. Taguer le Sims. Hop, méchant. Voilà, Vincent, t'as une vraie tête à claque. Dès que je te vois, j'ai envie de te battre avec toi. Message, ne serait-ce pas horrible si tu arrêtais pas de tomber sur des objets sabotés dans un avenir proche? Si tu n'arrêtais pas de tomber sur des... Tu ressembles à un lama sans poil, tu ressembles à un lama sans poil, tu ressembles à un lama sans poil. Écoutez, énorme, énorme, énorme. On alterne entre deux insultes, c'est pas mal. Vas-y, on va sauvegarder, c'est pas la même chose. Merci pour les follow. Merci Citra, Deve Charlie, Itzmasawa, Wizen, merci beaucoup Garance. Merci Bieng. Vas-y Nathan, des bisous, à bientôt. Je vous rappelle que, même pour les gens sur TikTok, hein, sur la chaîne YouTube, Lucas, L-U, tiré du Baka sur YouTube, vous avez toute cette série qui est montée par mon frère qui fait mes montages. Et voilà, donc n'hésitez pas à aller voir, il y a vraiment une plus-value qui est rajoutée, c'est une dinguerie, donc n'hésitez pas à aller la voir. Il y a un mec à la porte. Ouais, il y avait un mec à la porte, mais je sais pas pourquoi, j'ai pas regardé, voilà. J'ai décidé de partir. Karaoké meurt de froid. Ah, parce qu'elle a... meurt pas quand même. C'est... ta vie vient de commencer, ça serait quand même con de mourir maintenant, voilà. Hop, dormir. Dors. Voilà. Ça va aller en dormant? Ok, c'est bon. Elle a plus froid. Normalement, c'est bon, hein? Oui, c'est bon, elle a plus froid. Il était beau. C'était pas un vampire ou quelque chose dans le genre, en vrai? Attendez, faut que j'augmente un petit peu ma notoriété. Avant, irresponsable. Les Sims irresponsables sont mal à l'aise au travail, mais ressentent beaucoup de joie lorsqu'ils ignorent les factures ou font le minimum d'efforts. Ils peuvent également vivre des situations inédites. Raison à une responsabilité négative. Comment ça? Une responsabilité négative? Je comprends pas là l'histoire. Attends, c'est quoi le truc? Raison à une responsabilité négative? Un champ de patates. De quoi un champ de patates? Ça fait 2 heures. Ça fait 2 heures et 15 minutes que je dois arrêter, mais je suis addict. Ah, je comprends. Hein. Surtout qu'il s'en passe des choses, quoi. Son éducation. C'est des trucs ronds quand t'étais ado. Ah merde. Ah non mais elle est horrible en vrai. Elle va être horrible à jouer. Hein. Elle, c'est une nourrisson malheureux. Elle a une faible estime d'elle-même. Elle est irresponsable, donc elle va faire que des trucs comme ça. Et en plus de ça, elle a une couille je sais plus où. Ouais, dans le fait que ce soit une star. Elle a, c'est une bombe émotionnelle. Pas de facile, elle va passer dans tous les états. Elle a contacté les agences, je sais pas quoi. Attends mais elle est déjà... demander un bon article. En vrai, demander à avoir son nom sur la liste d'invités. Bon, elle va y aller. Voilà. Pourquoi elle est embarrassée? On va essayer d'augmenter un petit peu notre popularité. Bon, je vous propose. On va faire ça. On revient. Elle va chanter dans un bar de célébrité tout en invitant son meilleur ami célèbre. Comme ça, au moins, tout le monde va la voir discuter avec une célébrité. Ça va peut-être augmenter sa notoriété. Ouais, sa notoriété. Et on va voir. Putain, elle gagne 1500 de droits d'auteur avec ses vidéos et tout quand même. Hein. Tu peux aller faire une détox de star. Ah ouais, ça aide. Bon, mais émotionnel, c'est genre elle est en train de chanter. Na na na. Ah na na na. Voilà, ah, ouais, c'est comme ça. En gros, une bombe émotionnelle passe par tous ses états. Et c'est un peu compliqué à vivre. Mais c'est vrai que du coup, de faire une détox de célébrité, ça aide. D'accord. Sympa quoi, mode de vie pour avoir la liste avec des traits de caractère. Ça, c'est le jeu de base, pour le coup. Écoutez, elle rentre. Normalement, elle va se faire un autre ami. Et ben voilà, elle s'est fait un nouvel ami connu, les gars, un nouvel ami star. Ça fait plaisir. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va inviter déjà notre meilleur pote, la Resta. Nickel. Avant qu'il meure, ce serait bien d'en profiter un petit peu. Et là, ce qu'on va faire, c'est... aller dans un bar. Attendez, on va aller dans l'endroit où il y a des célébrités. C'est où? C'est ici. Del Sol. Les tri responsabilités et tout, c'est être parent. Ah ouais, ok. Ok. L'endroit où il faut être. Allez, c'est parti. Le bar, karaoké. On y va, on va chanter. Et on va essayer d'être une star. Pour l'instant, on est une star 2 étoiles sur 5. Et on a des gens, on connaît des gens très très connus. Mais là, il faut que ce soit nous qui soyons très connus. Qui soyons très connus, comme on dit même.
J'aime trop le paquet de parents. En vrai, c'est un indispensable qui fait un peu comme grandir ensemble. Quand tu l'as, tu t'habitues, mais si tu l'as plus, ça te manque énormément. Les stars viennent toutes de l'EHPAD. Y'a que moi qui suis une jeune star. C'est une folie. Merde, j'ai oublié de venir avec lui. Bah attends, je le fais venir. Invité sur le terrain actuel. Voilà. Tapé dans le ballon de foot. Eh, hey, regardez-moi, je suis avec une star. Regardez, regardez. Voilà, tout le monde s'en fout. Une connaissance m'a dit à quel point elle te déteste d'être un peu plus gentil. Ne pas être apprécié, c'est être sur une pente glissante. Les gars, ma mère, elle arrête pas de me casser les couilles. J'augmente pas ma notoriété là? Non? Espiègle, on dirait que karaoké vient de lier une amitié avec un sim espiègle. Bah vas-y, vas-y. Let's go. Sim sociable. Voyons voir. Putain, Nico. Attends. Amical. Affection. Enlacé, vas-y. Regardez, je lui fais un câlin, c'est mon ami. Je lui fais un câlin. Partager un secret, notoriété. Ah, oh, ça augmente ma notoriété de partager un secret. Ok, très bien. Y'a pas des trucs qui permettent d'augmenter ma notoriété si je fais ça? Avoir un bébé prouvette. Non, pas bonne idée. Faire connaissance. Ok, il est kleptomane. Eh ben écoutez, c'est marrant. C'est-à-dire que s'il vient chez moi, il vole tout, c'est cool. Demander à jouer, signer un autographe. Attends, il va me signer un autographe, les gars. Regardez, les gars, il est fan de moi. C'est-à-dire que je suis plus connu que lui. C'est statistique. Attendez, je vais sortir un micro. Putain, mais j'ai pas de micro, les gars. Ouf. Ah, il y avait eu quelques soucis ici, on s'en rappelle. Je crois que ça se voit. Bon, vas-y, attendez, on va placer un petit piano. Voilà. Ouais, il y avait eu effectivement papa qui était passé par là, c'est comme ça. Pianoter pour trouver de l'inspiration, voilà. Ça a pas bougé, voilà, tranquille. C'est un petit souvenir. Ah, les gens sont contents de me voir, les gars. Les gens sont contents de me voir. C'est très bien, vas-y ma notoriété, vas-y, monte en flèche. J'ai pas mon drone avec moi? Waouh. Après, je joue bien. C'est Squeezie. Qui? Karaoké? Oui. Allez, n'hésitez pas à prendre en photo. N'hésitez pas, vraiment, c'est moi la star ce soir. Damn! C'est moi la star ce soir. Attends, ici. Petite toile abstraite, faudrait que je fasse ça. Kalash, qu'est-ce qu'il veut? Mais lâche-moi tranquille. Là, il me saoule. C'est moi la star. Bon, bah, en tout cas, j'ai pas de micro, malheureusement. Après, j'ai pas besoin de micro pour chanter. J'ai besoin juste d'une voix. Et là, est-ce qu'il y a tout le monde qui est. Attendez, je rentre ça. Tout le monde est ici, les gars. Oh, attendez, on va chanter. Non, mais vas-y, ils voient que lui, les gars. Il y a rien à faire. L'araignée gypsie, on s'en bat les couilles. Jazz, théâtre. Non, on va faire de la pop. Chanter tristesse avant l'espoir. C'est parti. Chante. Il me regarde avec tellement de jugement. Il se barre. Et pourquoi il tient quoi là dans sa main? Ah, j'ai un pourboire. Ah, ça fait plaisir. Attends, mais ils se barrent tous là? Mais je fais fuir les gens ou quoi là? Ah non, il y a quand même des gens qui m'aiment bien. Hein. Quand même des gens qui m'aiment bien. Encore on veut, parce que sinon ça serait compliqué. Il s'est barré mon pote. Ça y est, c'est moi la star là. Ah, c'est moi la star, les gars. Tout le monde m'applaudit. Chanter une chanson, jazz. Voilà, chanson pour Elisa. Allez, vas-y, chante. C'est bien, elle augmente sa notoriété. C'est vrai que là, il y a des gens qui pourraient être futurement des futurs papas. Hein. Faut falloir que je regarde. J'ai toujours le bug qui devait être résolu où les Sims peuvent pas composer de morceaux complets. Ah ouais, comment ça, pas de morceaux complets, c'est-à-dire? Comment? C'est vrai, Sanado. Sanado. On note quand même. Son contact. Voilà. Ok. Soula. Ah, c'est marrant, il dit pas soul. Ok. Paparazzi, vas-y, on va soudoyer. Poser pour les paparazzi, voilà, on va essayer de poser un petit peu. Nickel. Ah, mais c'est un paparazzi à dos! Et comment ça?
Ah putain oui, c'est chiant ça, de ouf. De ouf, de ouf. Écoutez, je suis en train de poser, elle se la pète de ouf. Elle augmente son niveau de notoriété, on va aussi rapidement social ajouter une story. Par exemple, il y avait quelqu'un la dernière fois qui m'avait dit que le point, regardez, attendez, qu'est-ce qui se passe? Le truc ici là, notoriété, ça, agence de relations en gros pour augmenter facilement notoriété, c'était un peu abusé parce que ça augmentait très vite. Bah j'ai pas l'impression quoi. Faire la star mais puer. Ah là n'empêche pas l'autre hein. Voilà hein. Ah, elle, on dirait qu'elle, c'est marrant, on dirait qu'elle est morte alors que pas du tout notamment. Retirer les barrières, vas-y vas-y, on va retirer les barrières quand même parce que tout ça c'est de l'histoire ancienne. Libérer l'esprit pour qu'il rejoigne l'au-delà, voilà bien sûr bien sûr. On oublie. On oublie, mettre dans l'inventaire, là aussi pareil. Et on met dans l'inventaire. Voilà, on oublie un petit peu le passé. Hop là, supprimer. Oui. Voilà, très bien. Bon bah écoutez, on va rentrer à la maison. On va se reposer, on va s'occuper de nous. On va essayer d'être une star. Et attendez, juste, on regarde. On check un petit peu, est-ce qu'il n'y aurait pas le futur mari là. Là j'ai plutôt l'impression effectivement d'être dans un EHPAD. Ou dans une EHPAD, je sais pas. Clairement, il n'y a pas des gens de notre âge. Ici lui, il fait, c'est un fan adulte, Frédéric Groove. Mais sortir avec un fan, est-ce que c'est pas cringe? Non. Avoir son futur mec paparazzi pour contrôler la presse. J'avoue, c'est malin hein. C'est mal, c'est malin. Il se prend en photo en selfie. Et hop, il pub ça. Ah ouais, je gagnais de la thune parce que j'ai eu un scoop là. Et j'ai vu avec qui elle est. Lucas, j'ai pas eu la notif. Point d'exclamation notif, les gars, si jamais. Point d'exclamation notif, ça peut aider. Cela peut aider, effectivement. Tu peux nous montrer sa maison, je vais vous montrer sa maison. Les poils dans le dos, c'est non. C'est vrai, mais après, ça se rase. Voilà, c'est pas comme s'il avait une tête de cul. Ou là, bah, ça se rase pas. C'est le problème. Donc, c'est pas si cringe que ça. De quoi, fringant? De quoi? J'ai plus la ref. Alors attendez, voyons voir. Je vais aller manger, on a quoi? En tout cas, ça fait du bien d'avoir retrouvé notre petit chat. Vraiment, je vois la différence entre quand il était pas là. Je sais pas ce que vous en pensez. C'est une tête de cul. Non, ça va, ça va. Elle est malade, fais gaffe qu'elle meure pas. Non, il y a que dans les modes où les gens meurent de maladie. Hein. Après, ça serait stylé que des Sims puissent mourir de maladie aussi. Mais voilà, faut que ce soit bien géré quoi. Si c'est les Sims qui meurent tous les deux jours, bon, un peu problématique. C'est pas toi, c'est moi. De quoi c'est pas toi, c'est moi? Vas-y, attends, va se doucher. Prends une douche, pourquoi? Oh, le chauffe-eau, le gars, il est toujours pété. Fatal, tu peux le réparer, s'il te plaît? C'est la merde depuis un moment, là. Il se réchauffe carrément à la cheminée. Voilà, bah oui, c'est moi le propriétaire. Forcément, si le chauffe-eau, il est pété. Ah, mais vas-y, prends-toi pas un bain comme ça. Non! Attends. C'est bon? Ah, bah elle peut se prendre une douche, alléluia. Bon, c'était déjà fait, en fait. Vas-y, les gars, faut changer sa chambre, là. C'est abusé. Elle a une chambre. Elle a une chambre d'ado encore. Alors qu'elle est plus ado, elle est jeune adulte. C'est long d'avoir des bébés ou pas? Non, ça va. C'est plus rapide que dans, que dans la vraie vie. Jamais ils ne feront ça, je pense. C'est trop de gratter une image trop mimes IA. Jamais ils feraient quoi? Oula, c'est long. Hein. Tu devrais arrêter d'essayer de comprendre ce que je dis. Ouais, mais là, je comprends pas, là, fringant, ouais. Mais j'ai envie de comprendre quand même. C'est vrai qu'on dirait un bot là. Ok, voyons voir. Est-ce qu'il y aurait pas. Déjà, le truc à karaoké, ça peut être pas mal, mais il y en aura partout dans la maison. Regardez. Boum. Boum. Voilà. Déjà, c'est énorme. Faut prendre plein de selfies de nous. Ça, c'est plus à nous. Les veilleuses. Oh, on fait caca dans nos couches encore ou quoi là? Stop. Ça, c'est bon. Les spots, c'est bon. Les veilleuses, ça dégage. Ça, les gars, on passe sur une porte de luxe. Directement. Ah mais là, il y a pas une porte un petit peu luxueuse, un peu, ouais. Hop là, ça. En fait, il faudrait pas des vitres. Je crois qu'il y a un mode qui rajoute des morts naturelles et des maladies d'accident. Ah mais c'est trop, en fait. Il doit être live tragédie. Mais live tragédie, c'est mal géré. Quand ton sim, s'il est en train de mourir, tu peux, en fait, aller le faire soigner en boucle. Tu vois, moi, j'aimerais un mode qui m'impose pas mal de choses, quoi. Et qu'il soit pas trop dans l'extrême. Genre là, dans Live Tragedy, t'as plutôt une chance sur 5 qui survivent que qui vivent, quoi. Ils ont des maladies mortelles, même en très lent, tout le temps. Attendez, il y a quoi comme porte stylée que je pourrais mettre? Ça, c'est quoi? Porte fractale. Une porte un petit peu musclée, là. Ça, rien à voir. Après, ça fait chic, hein. Ça fait chic.
Et on peut dire que c'est une vraie tragédie. En vrai, c'est vraiment une vraie tragédie. Ouais, ouais, ouais. On devrait faire un remix des Hunger Games avec Life Tragedy. En vrai, c'est... C'est toujours coriace, hein. Toujours coriace, ce mode. Mais après, à part ça, il est bien, hein. Voilà, c'est bon. On va mettre cette porte. Et encore une porte avec une... C'est large. Bon, c'est pas grave. On va mettre un bon lit. Un lit qui fait bien reposer. On va regarder un petit peu ce que ça peut nous proposer. Ça... énergie 9, c'est pas mal du tout. Ça, énergie 10, c'est 8000 quand même, ça coûte cher un peu. Hein. On peut mettre ça. Vas-y, on va enlever des spots. Hop là. La porte. Après la porte, je pourrais la mettre... Non. Une arche. Porte du kit vintage. Est-ce que c'est lui? Ah non. Ah ouais, celui-là, je trouve ça rend bien, ça peut le faire. Mais attends, fais voir. Je vais quand même regarder le pack du kit vintage. Hop là. C'est où? Je crois que c'est l'un des premiers kits que ça qui est sorti. Et pas du tout. Ah, celui-là. Ouais, fais voir. Ouais, c'est vrai que j'ai pas tendance à beaucoup l'utiliser. Et j'avoue que ça pourrait bien aller, les jeux de lumière avec. Vraiment. Toujours plus. Aïe, 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 je pense qu'on va mettre ça, comme ça, il n'y a pas la fenêtre. Ah, attends, ça fait bizarre, hein. En vrai, je sais pas. Je pense que ça peut faire un contraste. Est-ce que le lit peut être en noir? En vrai, comme ça, ça peut être pas mal. Contraste avec noir doré. Ici. Voilà. Ou alors ça. Là, qu'est-ce qu'on va mettre? Oh, en vrai, il est pas mal. Il propose plein de trucs naturellement stylés, en vrai. Un miroir. Ah. Des grands miroirs. Bah, je vais utiliser que du truc vintage, en fait. De base, je disais qu'on allait partir sur quelque chose de très moderne, une villa moderne. Et là, je suis en train de partir sur un truc vintage, quoi. Ma cam, elle aime bien partir et revenir, vous inquiétez pas. Clara Linette, merci beaucoup pour les follow. Merci Narco pour le follow. J'allais dire que tu t'as mis en construction. Mais là c'est pas vrai, là. Non, en vrai, il faudrait partir sur quelque chose de plus moderne, non? Ok, c'est vous qui allez choisir dans le chat, les gars. C'est trop compliqué pour moi de choisir. On part sur quoi? Le thème de la maison. Thème villa moderne. Villa, comment... C'est pas ancien, mais allez, villa ancienne. Je sais pas comment dire ça. C'est ce style-là, quoi. Ce style un peu vintage, avec tous les meubles les plus chers. Un côté un petit peu château, tu vois. Bref, vous choisissez, vous avez le sondage. Le sondage. Écoutez, pour l'instant, j'ai l'impression que la majorité vote quand même une villa moderne. Vous êtes 67% à vouloir une villa moderne. Je pense pas qu'il y aura de remontada. On vend tout ça. Par le miroir, ça peut le faire. Et ça, du coup, bon, un lit... Il n'y a pas de lit plus particulièrement moderne que d'autres, si. Ça, c'est trop luxueux. Lit de reine. C'est... Je sais pas, celui-là, ouais, ça fait quand même un peu ancien ce lit, quoi. Mais il n'y a pas d'autre lit plus... Celui-là... Ouais, on va prendre ça plutôt. Lit de décoration d'intérieur. Fais voir. Décoration d'intérieur. Bah en fait, c'est énergie 5. C'est abusé, tu vois. Il me faut quelque chose de assez... D'assez... On va mettre ça en noir comme ça. Ça va être opposant, quoi. Thème belle époque. Ouais, on va voir. Je vais voir. Déjà, ah, tu vois, ouais. Ça, c'est un peu plus, c'est clairement plus moderne, effectivement. Le truc de la villa... intérieur, décoration d'intérieur. Faites voir ça, c'est quoi? Table basse. Guéridon. C'est énorme. On va rajouter... Bah, du coup, ça, on enlève... Et même le côté marbre, c'est trop abusé. Je pense qu'on va enlever ce côté marbre, on va mettre un côté villa. Pour moi, hein, quand je pense à villa moderne, je pense à une couleur, voilà, du blanc blanc, quoi. C'est tout. Avec un sol. On va voir, attendez. Hop là. Tu vois, j'aurais tendance à imaginer un truc comme ça. Voilà, ça dégage. Et ça, en vrai, boum, ça dégage. Faites voir, je sais pas, je réfléchis, je regarde. Le papier peint, ça va pas pour le moderne. Bah ouais, c'est pour ça, généralement, c'est épuré, en fait, hein, le moderne. Hein.
c'est épuré. La porte, elle fait pas moderne du coup. On va la vendre. Je l'ai acheté, je sais pas combien, je la revends. Que dalle. C'est où ? Une porte un peu moderne. Bah en fait, j'imagine des trucs comme ça quoi, mais c'est trop grand. On est clairement dans de la modernité là. En vrai, c'est sympa ces portes d'analyse, je les avais quasiment jamais vues. Utilise le kit objet luxe. Je suis d'accord, mais est-ce que le kit il propose des... Le kit objet luxe, c'est vrai que ça fait moderne. Et je l'aime bien ce kit. Tu as raison. Change la hauteur des murs. Je crois que c'est haut. Et j'ai envie de le... Ah non, c'est pas assez haut. Est-ce qu'il y a vraiment besoin de changer la hauteur des murs? J'abandonne. De quoi, Samy? Si jamais vous voulez dire quelque chose, dites-le plusieurs fois. Hein, y a pas de soucis. C'est plutôt blanc beige, parfois avec quelques touches de bois et des meubles. En fait, généralement, ouais, j'imagine vraiment les villas avec un contraste noir-blanc. C'est très... Les couleurs, c'est non. Dans, généralement, le moderne. C'est vraiment très... très monocouleur, quoi. Et vous imaginez du bois avec le sol pour le côté moderne. Attends, genre un truc comme ça. Alors, je sais qu'on a souvent du bois. Mais là, c'est pour une question de vie ou de mort. Attends, je vais voir. Ça, la porte. Pff, à la fois, ça va, tu vois, je trouve. C'est pas une porte qui fait pas moderne. C'est une porte lambda. En tout cas, ça c'est pas une porte de chambre. Regarde les inscriptions sur internet, puis karaoké en mode Dark Era. C'est vrai. Mix dans le désert et sol beau. Bois, un bois comme ça en noir, est-ce que ça rendrait bien? C'est trop... On va mettre ça peut-être un bois un peu plus foncé. Non, ça fait pas moderne ça du coup. Je fais comme je le sens, mais je sais pas. Là, je sens rien en fait. C'est pour ça que je demande votre avis. Là, c'est pas en mode « Ah, j'aime bien quelque chose, mais vous aimez pas, alors je le fais pas. » C'est vraiment en mode... Généralement, faut voir si je vais sur internet, villa moderne. On tombe sur, ouais, villa moderne, c'est vraiment toujours les mêmes formes. Une sorte de gros cube. C'est que vous voyez pas. Hein. Je vais essayer de trouver. Villa moderne, intérieur. Ouais, c'est vrai que c'est en bois. Hein. C'est souvent en bois. C'est un peu gris, en fait. Attends, hop. C'est souvent un peu gris, tu vois, comme ça. Image. Ouais, tu vois, c'est noir-blanc, quoi, en fait. Hein. Gros carrelage noir. Ici, on a du bois, du parquet, avec tout qui est blanc, noir, bois. Voilà. Là, c'est un peu style caillou. Là, c'est, ouais, c'est genre noir-blanc et... Bah, j'arrive même pas à comprendre le sol, en fait. Mais ouais, on retrouve du bois. Parfait, hein, nickel, la qualité de l'image. Changez rien. Ouais, c'est bois blanc. Hein. Avec des grandes baies vitrées. Et la porte, en vrai, pour une porte moderne, ça montre bien. Noir, blanc, blanc. Ouais, c'est ça. Noir, blanc, bois. Attendez, faut que j'aille voir. Mais ouais, du coup, en vrai, pour une chambre, ça me choquerait pas d'avoir du bon carrelage. Faites voir. Hop, du carrelage noir. Ou alors du bois. Pour la chambre, en vrai, je trouve ça pas déconnant d'avoir du bois. Et c'est vrai que le bois, bah, je trouve que celui-là... Il est où ? Celui-là de cette couleur-là, c'est exactement ce genre de truc moderne. Hein. Et après, forcément, il y a des détails qui donnent des plantes, voilà, de la vie. Faites voir une... Hop, je vais mettre luxe. Voilà, ça. Toujours en noir. En vrai, comme ça rend bien. Et ça, peut-être, ça fait un peu plus... plus luxe. Voilà, de toute façon le kit globalement il va être fait pour. Ah bah j'avoue, attends. Et par contre putain, tu vois ce lit. Ce lit c'est bien, ça fait luxe. Mais ça va falloir en fait que je sois bon en mécanique et que j'améliore mes lits quoi. Parce que là en vrai ce lit ça fait bourge, c'est nickel hein. Mais ouais je sais pas. Moi ouais, celui-là il est parfait. Moderne gothique, ouais faut pas que j'oublie le côté qu'elle est quand même
Elle aime bien le noir, quoi. Attends, par contre, ça, c'est bizarre. Je demande à ce qu'il soit en noir, lui, et ça donne du marron. Je le vois tellement pas de la même couleur que quand je clique. On dirait que là, c'est noir. Et à la fois, quand je vois cet écran-là, je vois pas, je vois plutôt ça marron. Ça, c'est plutôt noir. Ok. Et monde magique, pourquoi? Ok, ça, ce genre de siège, j'aime bien, je les mets dans un coin. Changerai les couleurs après des sièges. Confort affiché tout. Ok. Moi, je vais utiliser que du kit. Les fenêtres, il va falloir les changer aussi. Mais ouais, en vrai, c'est vrai que ça rend bien. Ce kit est très bien pour ça. À chaque fois que je l'utilise, je l'aime bien. En vrai, ce kit, je l'utilise souvent. Et du coup, les fenêtres, il va falloir les changer. Il ne faut pas ce genre de fenêtres-là. On est d'accord, le kit ne propose pas de fenêtres. Logiquement, c'est un kit, il ne va pas non plus abuser. Luxe moderne. Pour moi, luxe moderne, on a déjà ce qu'il faut. Il nous faut des grosses baies vitrées, quoi. Hop là. Là, tu vois, on arrive, on jarte ça. Et la grosse baie vitrée. On va mettre écologie pour les baies vitrées. Hop là. Boum. Et boum. Évidemment, en noir. Parce qu'on va pas abuser. Moi, je parle du kit luxe. Ok. Voilà, c'est un peu... Après, la porte, je peux la coller un peu. Et le lit, je le mets là. Ou alors, le lit, je casse les couilles. Et le lit, je le mets là, plutôt. Et là, j'arrive, je vends ça. Je sais pas. Let's go, Kouvelia, ça fait plaisir. Mais je crois que t'as dû avoir le fameux bug où... Vous mettez un message de votre réabonnement, mais ça ne s'affiche pas. C'est très relou quand vous avez ça. Je fais genre, j'ai rien vu. Et tu le mets. C'était mieux avant. En vrai, regardez. Je vais réagencer, on va voir. Déjà. Juste, c'est vrai que ça, c'est un peu galère. Le lit double. On n'a pas assez d'espace, en fait. Donc, ce qu'on peut faire, c'est agrandir la chambre. Ah ouais, putain, ça déconne pas notre agrandissement. Ouais, je vais mettre des rideaux et tout. Hop là. Voilà, comme ça déjà. Par contre, l'étage, bordel, va falloir les faire déménager et aménager l'étage parce que ça va être n'importe quoi. Là, c'est mieux. Avec ici, un bureau. Là, il va y avoir ceci dans le coin. Avec le miroir là. Ici, des petites photos avec elle en selfie partout parce qu'elle s'adore. La machine à karaoké, on va la jarter. Ça comme ça, quand elle se barre, let's go. La porte, on peut la mettre ici, ça rendra mieux. Le bureau, on peut le mettre un petit peu ici. Mais ça, tout ça, on met en noir. Non? Ou en marron, je sais pas. Marron, c'est pas dégueu en vrai. Hein. Je sais pas, trop de couleurs en fait. Trop de couleurs. Wattic l'audience, merci beaucoup pour le 3ème mois d'abonnement, merci beaucoup. Il y a comme une sorte de rideau avec des lumières pour mettre au-dessus du lit. Non mais là je sais que je vais faire globalement, il va y avoir les rideaux, je vois globalement ce qu'on va mettre. Je pense que ça va être sympa. Attends, ça je vais mettre ça ici, boum. Les photos on va les mettre au-dessus. Ça je le mets là. Ça on met ça en noir. J'arrive. Est-ce que dans le kit ça propose un siège? C'est ça le siège? Ah ouais. Mais écoute, énorme. Il lui faut un bon ordinateur quand même. Hein. Ah, c'est pas un bureau. Merde. Et oui, c'est une coiffeuse, quoi, non? Bon, on va mettre sèche-cheveux. On va mettre des bougies. Hop là. On va mettre... ces bougies là, je sais pas. Non, ça me rendait mieux le truc. Ouais, c'est ça, c'est une coiffeuse. Et du coup, les coiffeuses, c'est fait juste pour se coiffer. Mais d'accord, c'est un meuble qui sert à se coiffer. Enfin, je dis ça peut-être d'un air... juste en vrai, j'ai jamais vu de coiffeuse de ma vie. Bon, ça peut paraître basique étant donné que c'est son nom, c'est écrit dedans, et maquillé. Ok. Ouais, si tu te poses et... Si tu passes plus d'une heure par jour, c'est rentable, quoi.
ça évite de te casser le dos dans la salle de bain. Ah voyons, attends, est-ce que j'ai... Maquillage, ok, ok, ouais. Stylé. Ça meuble pour se maquiller coiffeur. C'est bon, c'est noté. Je le sais maintenant, je me coucherai moins bite. Hop là, attendez, voyons voir, clac. Et maintenant, autre sondage complètement divertissant. Avez-vous une coiffeuse chez vous? Attention, sur les sondages complètement crazy. Mais en vrai, je suis curieux. Luxe moderne, attendez. Oh, boum. Hop là. Caribou, ce cas vient de dépenser. Les gars, c'est stylé. Gothique, un style un peu gothique. Non, j'en ai pas. Oui, 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 non, oui, oui. Coucou les As, 10e mois, merci beaucoup. Merci Neptinium pour le Prime, bienvenue, merci beaucoup. Merci, merci. Et coucou les As, il n'y a pas ton message qui s'est affiché, mais je me rappelle de tout à l'heure. Merci infiniment. Merci beaucoup, j'espère que tu as Bing. Oui, j'en ai une, ma fille aussi la sienne. Ok, bon, j'ai l'impression que. Il y a quand même 80% des gens quand même. La place, mais mon rêve, ouais, j'imagine en vrai. J'imagine, il faut la place. Des rideaux modernes, mais vous allez voir ça, parce qu'effectivement, vous parlez de rideaux. Et je vous ai compris! Hop là. Putain, ces rideaux. Sont-ils pas splendides? Hop. Et là, du coup, on met ça juste là. Ça juste là. Par contre, deux fois la même lampe, est-ce qu'on n'est pas un petit peu crazy par hasard? Moi, je dirais que oui. En vrai, j'ai envie de bombarder de photos. Faut qu'elle bombarde de photos d'elle, les gars. Qu'elle soit insupportable. Insupportable. Qu'elle se mette en photo. Qu'elle se prenne en photo, mais tout le temps. Les gens en peuvent plus. Ils sont en mode, mais tu peux pas t'arrêter. Tu n'es pas la seule dans ce monde. Hop là. Ok. Comme toi, quoi. Ouais, avec mes stories, c'est vrai qu'au final, je me prends tout le temps en photo. Hein. Mais ouais. Lucas, dans le moderne, il y a aussi du doré. Ouais, je suis d'accord, mais regarde. Du doré, du doré, du doré, du doré. C'est bon, globalement, c'est doré. En vrai, la chambre, elle a globe de ouf, hein. Quand même, quand même. Est-ce que là, on a le petit coin lecture? En vrai, ça, c'est beau, hein. Qu'est-ce que vous en pensez? Oh, avec... Oh, en vrai, elle est bien. Regardez, avec... Dehors, on voit en plus la maison de sa sœur. Attends, ça c'est quoi? Oui, ça c'est son studio. Regardez, si elle est dans son bureau, elle voit la maison de sa sœur. elle est là-bas, avec le bébé. Ouais, faut que je mette un tapis. Mais en vrai, c'est stylé parce que regarde là, elle va dormir avec ses rideaux et tout derrière. Elle a une vue sur l'arbre avec des guirlandes. Oh là là, c'est magnifique! On peut mettre. Ah ouais, en vrai, ouais, c'est ça. Je cherchais le truc à mettre. Table de maquillage. Attends, mais y a pas. C'est pas dans surface, c'est plutôt dans décoration. Maquillage. Hop là. Voilà. Dans les plantes, parfait. C'est vraiment l'endroit et tout et tout. La plante, elle prend un peu beaucoup de place là, je trouve. Attends, je vais prendre cette plante plutôt là à la place. Voilà. Coiffeuse est marron en noir. Tu as raison. Et ça, en vrai, ça va, ça rend... Je préférais avant. Ok, très bien. Là, il faut que je rajoute des photos de moi. Ici, des photos de moi partout. Ça, c'est pareil, des photos de moi. Voilà, même ça, là, j'ai des cadres dans tous les sens. Ici, on pourrait rajouter plein de photos de moi. Et là, bah, vous imaginez même pas. Boum! Tu aimes les plantes IRL? Ouais. Ah, demande à ma mère si j'aime les plantes, tu verras ce qu'elle te répond. Enfin, avant, j'étais vraiment un amoureux des plantes. Quand j'étais petit, je passais ma vie à jardiner, à mettre les petits cailloux, à mettre la terre, hop, à planter des plantes et les voir évoluer, c'était stylé. Mais j'ai un peu perdu ça. Lorsqu'il a découvert League of Legends en 5e et Minecraft, il a perdu tout amour envers les plantes. Non, en vrai, j'adore toujours ça, mais c'est voilà, j'aimerais consacrer un peu plus de temps. Je suis un peu un gland en fait. Je suis un peu un gland et les plantes, ça nécessite pas d'être un gland. Voilà. Parce que c'est beaucoup d'entretien. Et c'est... Voilà, c'est... C'est compliqué de les faire tenir, quoi. Non, après, c'est là où... on habite avec Noémie, il n'y a pas tellement de luminosité. Et j'avoue que les plantes, elles sont galères à faire vivre là-bas. Car de jeunesse qui est à temps. Effectivement, j'ai pas la main verte. Ouais, mais je pense qu'on peut l'avoir. Ça dépend de plein de choses, je pense. C'est un gland. Alors, comment dire la signification au Québec? Bah... Être bah, un gland, c'est un gland quoi, non? Un gland. Un gland d'arbre quoi, non? Je me suis trompé dans mes Legos. Merde, comment dire? Bah t'as un gland du bout d'un pénis quoi, c'est peut-être ça à quoi que tu penses?
C'est à quoi que tu penses que c'est peut-être ça ? Dans la partie lumière, il y a un truc comme rideau hyper mini qui pourrait aller... Ah ouais ? En ça. Dans la partie lumière, un truc rideau ? Bon, on voit ça plus tard. Limite, là, je mettrai un truc. Quoi ? Non. Écoutez, putain, regardez un peu la différence. Ici, on a un côté très, très, très... Ça, je sais que c'est très frustrant. Mais malheureusement, je ne peux pas l'enlever. Enfin, je peux pas l'ajouter. Regardez, je vous montre... Alex, il faudra que tu le montres à YouTube ça, parce qu'on m'avait déjà mis un commentaire en mode pourquoi tu... Attention, tu as oublié un truc de peinture. Je ne peux pas. Parce qu'en fait, je crois qu'ici, ça appartient pas à la maison. Famille des cas, espace commun. Et du coup, quand je veux mettre un plafond, aucun moyen de le mettre. Voilà. Faudra que j'attende. Tu as dit des termes, on dit pas sur Twitch. Je comprends pas. C'est pas les glands. Je sais, c'est un Kwakubé. Waouh, fringant qui sort encore le Kwakubé, quoi. C'est dingo. Il sort encore le Kwaku. Bon, écoutez, putain, ça fait du bien d'avoir cette chambre. On va pouvoir aller dormir. Allez, Seti part. Notre padré, il dort déjà. Et elle va dormir. Et les gars, c'est pas possible. On peut pas terminer cet épisode sans qu'elle soit une star. Écoutez, je vous propose que l'enfant, ce sera pour la semaine prochaine. La semaine prochaine, on trouvera le mari et l'enfant. Ce sera même l'objectif principal. Là, je veux terminer tous ces trucs de star, qu'elle soit une star de 3 étoiles. Après, ça veut pas dire que il faut absolument... Putain, il perd encore un pote à lui, j'en suis sûr. Vincent ! Eh ben voilà, Vincent, je crois que c'était son beau-frère, je crois. Son beau-frère de sa première meuf sur 6, je crois. Donc, ouais. Il en a connu des beaux-frères. Hein. Québec, ça veut rien dire en particulier. Bon, ben voilà, en fait, il m'a juste troll. Mais ouais, je pense que j'ai pas envie de me presser à vite faire l'enfant et tout, ce serait dommage. Autant on va avoir le coup de cœur peut-être en essayant de devenir une star. Et aussi bien aujourd'hui, là, on va terminer en mode bah écoutez, c'est lui notre futur mari, et go. Dans tous les cas, l'épisode ça va s'arrêter dans 20-30 minutes. Dans tous les cas, je commence à pas mal fat, donc je vais pas trop forcer pour que ça dure longtemps, même si ça a commencé à 21h. Dans tous les cas. Cette série, pour moi, est un bonheur. J'espère que ça l'est pour vous aussi. J'ai pas forcément envie que ça se termine. Dans tous les cas, à partir du moment où ça va devenir ennuyeux, on va tracer. Mais là, j'ai l'impression d'avoir tellement de choses à faire que ça sert à rien de rusher le gosse. Dans tous les cas, c'est les deux derniers qu'on doit faire. Donc, va falloir préparer les choses bien. Avoir une villa bien et pas rusher. Ah, ça y est, les jeunes adultes. Enfant, c'est bon à coucher. Elle peut plus accoucher. Vas-y. Autant faire les choses bien. Attends, mais encore un appel ? Morose ? Non ! Qu'est-ce qui se passe ? C'est qui ? Oh, les gars, c'est mon pote Star, il est mort le con ! Aïe, 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 j'ai pas pu en profiter. J'ai pas pu profiter de la mort de mon pote Star. Aïe, 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 aïe. Pas mal, Fats. Tu body shame les gens en surpoids. Vraiment, le mec qui cherche la merde. Vas-y, vas-y. Bon, on va faire une petite musique triste. Voilà, petite musique triste, les gars. C'est parti. Mon pote est mort. Trop triste. Malheureusement, c'est moi qui vais devoir le remplacer. Putain, ça fait chier. Je vais devoir faire 14 tweets sur lui. Mon pote est mort, est mort. Mon pote est mort, mort. Il est capote, mon pote, pote. Mort, mort, mort. Décédé. Mon pote, il est ciao, c'est bon pour vous. Ok, let's go. On dirait du YouTube. Attends, j'ai rajouté un nouveau truc. Graver le morceau. Hop là. Attends, non, j'ai pas gravé le morceau. Bon, c'est pas grave. Attends, j'ai débloqué un nouveau morceau. Déjà, je veux découvrir Luling. C'est celui qu'on aimait tout à l'heure. Voilà, celui-là. Je crois que... Oh, on peut mettre les voix. Attends, ça va être stylé. Ah. Voilà. C'est stylé. Putain, ce son, il est incroyable. Et là, regardez, on enlève tout. Juste la voix. En vrai, tout ce qui fait tout, c'est la basse, hein. Sans la basse, y'a rien.
Écoutons sur la basse. En vrai, avec la batterie, ça le fait déjà. Bon, on attend la basse là. Ah, j'ai mis la frabasse. Wiscos, j'adore ce style, j'adore. Ouais, les basses, ça fait tout, les gars. Et là, tu les remets. Putain, j'adore. Numéro automatique. Hein, j'aime pas les numéros automatiques. Celle-ci est inspirée de Notorious Big. Ah ouais? Ah, attends, mais faut que j'écoute. Si vous avez des morceaux qui est dans ce style, les gars, je veux, j'adore ce style. Ça fait bouger la tête, quoi. De toute façon, moi, j'aime ce qui groove, les basses, là, les trucs derrière, j'adore. Ok, bon, on va l'appeler comment? On va l'appeler... c'est quoi déjà? C'est... Ah oui! Mon pote est mort. Caput. Il est ciao. Mon petit bébou, tu vas me manquer fort. Hop, emoji, colombe, palombe qui vole dans le ciel notamment. Voilà. Je crois que palombe, les gens ils comprenaient pas quand je disais palombe. Il y avait un nom d'oiseau que je sortais et les gens ils étaient en mode quoi ? Une palombe ? C'est quoi ça ? Et ouais, c'est une sorte de pigeon quoi. C'est tellement triste comme son en plus, ça reflète beaucoup la mort de son pote. Ah ouais ? Le truc de... Celui-là ? Ouais, d'accord, je croyais que tu parlais de l'autre truc. Et oui, ce son, les gars, vraiment, on sent qu'il y a une tristesse quand même. Si on l'écoute, on sent effectivement qu'il y a beaucoup de nostalgie dans ce son. On peut pas l'écouter là ? On peut pas l'écouter. Ouais, une palombe, les gars, vous tapez sur Google, ça existe vraiment. C'est un pigeon. Et ça, c'est dans le sud qu'on dit ça, quoi. C'est dans le sud, voilà, ça peut paraître complètement fou. Le son est trop bien, on est d'accord. Produire un nouveau morceau. On a débloqué des nouveaux morceaux, je crois que celui-là je le connais, let's go. Ah là, je le connais pas lui. Remixer. Ah ouais. Tout va arriver en même temps. J'adore. Il a Lucky Vibe avec Verenor. Lucky Vibe ? Dans quoi ? Adar Jadar. Bah non, ça existe, c'est oui. C'est quoi trop triste ? C'est stylé ! Non mais est-ce que vous parlez de Loki Loki Vibe, genre Loki la streameuse ou ou dans un autre truc? La création de musique dans les Sims, c'est trop bien. Ça, tu vois, juste à chaque fois qu'on sort, à chaque fois qu'il y a de la musique, c'est stylé. Toutes les musiques sont stylées. Même les musiques dans les Sims 3 sont trop stylées, je les ai dans ma playlist. Genre là, regardez, je vais sur Spotify, les titres que j'ai dans Spotify... C'est vraiment les Sims 3, quoi. Voilà, j'ai ça. Spotify ! Je les écoute, ils sont trop bien ! Et genre, ils se gavent dans la création de musique. Ils s'inspirent et tout, mais généralement, ils se gavent. Putain, ils nous sortent un pack musique, mais... Ça a intérêt à être bien, quoi. Ça a intérêt à être bien, et surtout, ils ont tout pour que ça rentre bien. C'est agréable de t'entendre karaoké. Je voulais te demander si tu penses que je devrais approfondir mon amitié avec Lisa Black. Elle semble être de bonne compagnie. Tu devrais te lancer. Allez, let's go. Nous on danse pour l'instant. Partage sur la playlist, let's go. Bah allez, Sims 3. Ok. Deuxième morceau sur la mort de mon pote. Il est vraiment mort. C'est pas un prank. Ni une blague. Ni un canular. Ni une caméra cachée, ni un prank caché, ni un canular caché, ni un... Ah, je peux pas malheureusement. Ok, c'est pas mal, je pense que... Je peux sortir le morceau ou pas? Toujours pas. On a d'autres morceaux à faire? Oui, on a... Harry Bay, je crois qu'on l'avait pas. Je connais pas celui-là. Ok, mettons une basse, ampli et batterie. D'accord.
Ok, jeu de cordes. Ah. Piano clavier. Merci pour les follow, merci. Merci Anaïs, merci Nina, merci 44. Merci Jusims. Sélection rythme. Merci Wakfun. Solo de guitare. Voix de femme, voix d'homme, c'est parti. Écoutons ce qu'ils ont. Pas mal, pas mal. Pas mal, pas mal. Chrysanthème, qu'est-ce qu'il veut? Oh, l'argent! Let's go! Ok. Bah écoutez, gravez le morceau. C'est bien, on fait plein de nouveaux morceaux. Mon pote, et ciao. Je vous l'ai dit. Je vous l'ai déjà dit. C'était... Une superstar ce mec. Je l'adorais pour son argent. Oubliez le dernier mot. Pour son cœur. Ah, je peux pas malheureusement. Encore. Qu'est-ce qu'il y a, tu penses que je devrais pas abuser de la mort de mon pote? Ah, je sais pas. Je sais plus où donner de la tête de toute façon. Écoutez, enregistrez une vidéo, vlog triste. Ah. J'ai pas parlé du fait que mon pote était mort. Faudrait peut-être que j'en parle. Ouais, peut-être j'en parle, petit vlog triste. Il s'appelait comment déjà? Il s'appelle comment que je lui mette son nom en gros sur mon titre? Enele. Enele Tilo. Voilà, non Marie, j'ai pas le temps. Voilà. Ça fait beaucoup là, non? Pourquoi? T'es un peu un mec... En vrai, je suis un mec bien, je parle beaucoup de lui. C'est, voilà, je l'oublie pas, quoi. Je l'oublie pas, il reste dans mon cœur. Vas-y, petit vlog triste. Il s'appelle comment déjà? Mais c'est, je l'aime tellement que j'en oublie les noms généralement des gens tristes. Enfin, des gens que j'aime bien. Enelo Teza ou Tela ou Telo. Attends, ah, Enele. C'est même pas fait exprès. Enele Telo. Je crois. Mon meilleur ami. Et entre parenthèses, malheureusement. Voilà, malheureusement mort. Trois petits points. Vidéo à cœur ouvert. Entre parenthèses, dans la parenthèse, c'était... Ah, ok, c'est... Ok, description, c'était mon ami. http://paypal/karaoke.com. Donner de l'argent. Pour son enterrement, il n'en avait pas et souhaite le fêter avec sa famille. Ah, c'est bon, voilà, comme ça au moins c'est pas mal. Je rends. Ah, ben maintenant je peux pas te dire que je le rends forcément. Voilà. Au moins le vlog il va sortir. Ça peut être pas mal. Ajouter des transitions. Voilà, le pauvre il veut fêter son enterrement. Mais il est mort. Ah, justement, on fête pas son enterrement quand t'es vivant. Ça c'est comme ça. Non, je me bute dans la description et tout. J'essaie de faire voilà, un vrai RP de youtubeur et tout. Tout compte. La description, la vidéo, la miniature. On ajoute des petites transitions. On ajoute des petits effets. Genre là mon frère, imaginez, c'est mon frère qui fait les montages. Et ben voilà, il y a mon meilleur ami, il meurt. Et ben mon frère il met des petites musiques tristes. Il met des violons, il met des explosions. Il met des petits souvenirs, des petits flashbacks de moi qui parle. Genre, vas-y Alex, bah tu sais quoi, t'as qu'à le faire. Regarde, hop, tu m'incrustes dans cette petite télévision et tu fais genre c'est moi, regarde. Hop, tu mets ça comme ça. Ah non, mais pour moi, c'était tout pour moi. Là, Alex, tu mets un flashback, une petite musique, des petits violons. Ah non, mais je me vois avec lui en train de lui parler. Ah, tu mets des émotions, de l'écho, des trucs comme ça. Ah, c'était... Il me manque énormément. Faites des donations. C'est important pour sa famille et pour lui. Ça compte beaucoup pour moi, pour lui. Merci, Alex. Merci. Pauvre Alex, putain. Je l'exploite de fou. J'ai hâte de voir le résultat sur YouTube. Aïe, aïe, aïe. Voilà, comme ça, au moins, imaginez ce gros plan-là qui va être
dans l'ordinateur directement. Ça peut être très très drôle. Feld up en background. C'était pour moi un ami. Comptait énormément. Mais il est mort. Vous allez peut-être vous demander comment il est mort. Comment il est capoute, décédé. Ciao. C'est une bien triste histoire. C'est une bien triste histoire. Tout a commencé en 1993. Lorsqu'il a rencontré Karaoke. Ok, nickel en vrai, non ? Nickel, nickel, ça rend bien. Ah, c'est badant, hein, c'est badant cette histoire. C'est qui même ? La musique badante. Quel mood. Y'a Cam ou pas ? Parce que tu dis bonjour à Cam et je l'ai pas vu. J'arrive et je bug. Merde ! Cam, comment tu vas, Bing ? Tu live jusqu'à quelle heure ? Je live jusqu'à minuit 7. Non, en vrai, je vais live jusqu'à minuit 20 max. Après, il faut que j'aille dormir, que j'ai sommeil et tout. Ok, on parle déjà. C'est une très bonne question. Allez, let's go, on fonce. On va faire pipi, on va dormir, on va manger. Et ensuite, on va essayer de devenir une star, bien sûr. Attends, est-ce que j'ai publié ma vidéo de mon pote qui est mort ? Voir l'inventaire de la vidéo. Eh ben voilà. Ah, modifier la vidéo, j'ai pas modifié la vidéo, putain. J'ai pas mis d'effet, j'ai pas mis de trucs comme ça, quoi. Faux, les streamers ne dorment pas. C'est vrai. Moi, généralement, quand je dis, oh, les gars, j'ai sommeil, ben, je pars, je dors 6 heures après, quoi. Voilà, on a fait 3 chansons. De quoi ? Et une vidéo. Alors ici, hop, modifier la vidéo. Mais modifie la merde ! Alors ? Sylvicat atteint un nouveau bug. Pour moi, je voulais avoir un aperçu d'une baraque de ma galerie et il crash. J'avais même pas lancé le jeu. Et ma galerie et il crash. J'avais même pas lancé le jeu. Ah, juste dans la galerie ? Waouh ! Pas mal. Postez les mises à jour, répondre aux commentaires et... Attention les gars, on va publier notre vidéo sur mon pote qui est mort. C'est parti! C'est parti! Et elle est en ligne les gars, elle est en ligne! Ça y est! Écoutez, c'est une super bonne journée, une super bonne nouvelle pour mon ami. Voilà, ça y est, il est mort. Et du coup, on va enfin sortir la... On l'a sorti la vidéo. Écoutez, j'espère qu'elle va faire son petit boucan, on regardera l'argent que ça va nous rapporter. Et si jamais ça marche, je ferai une partie 2, une partie 3, une partie 4 sur YouTube. Et chaque vidéo YouTube fera 20 parties sur TikTok, 20 parties d'une minute 1, afin de, voilà, d'avoir tout l'argent qui partira évidemment pour sa famille. Bon, nous on va dormir, notre padre il dort tôt, comme on dit. Et let's go. Nourrir Cactus, vous inquiétez pas, il a sa gamelle plus ses anciennes cendres. Donc voilà, s'il a envie de manger un petit peu des petites cendres, il peut. D'ailleurs Cactus, tu es en train de m'emmerder alors que tu as mangé devant toi, je sais pas ce qui te prend. Vas-y, on va commencer à enregistrer Fatal Bazooka. Mais ça peut être un sacré film ça, hein. Le film de mon père qui dort. Voilà, il s'appelle Fatal. Et il est actuellement en train de dormir dans son lit. Fatal n'est pas un être humain comme les autres. Il est doté d'une facilité de la gâchette. C'est dingue en vrai, hein. C'est bien. En vrai, on peut faire un reportage sur lui. Hein. Je vous jure, on peut faire un reportage sur lui. J'ai eu un bug sympa. Ma Sims a accouché. Le bébé a disparu. Il s'est annulé du foyer. Mais les gars, j'ai l'impression que là, chaque 2 secondes, là, dans le chat, un message sur 3 du chat, c'est pour me déclarer un bug qu'on connaît pas sur les Sims. Mais c'est bien. Les Sims font ce qu'ils peuvent avec les bugs, les pauvres. Ils ont eu que 3 mois pour corriger cette bug. Ah, on peut pas leur en vouloir. En tout cas, n'hésitez pas à acheter le tout prochain pack qui sort. Voilà, il sort le 29. Il va rajouter plein de fonctionnalités qui risquent de rajouter plein de bugs. Mais donne le titre de la mix si tu le peux, Lucas. Comment ça ? Tu marques Music Feld Up et c'est bon. Hein. Music Feld Up, tu vas tomber dessus direct. C'est le bureau des plaintes. Ouais, vraiment. Mais vous avez raison. Faudra... J'en ferai un TikTok et vous plaindrez. Voilà. Écoutez, commencez. C'est quand que je suis une star là ? Les gars, je fais tout ce que je peux pour être une star. Qu'est-ce qu'il y a ? Faut que je fasse la dernière story pour être une star. Hop, petite story. C'est bon ? Eh ben non, ça suffit pas. Voilà. Je crois que l'étoile, ça va vraiment m'aider. C'est parti. Paysage. Et je peins un petit paysage. Ça peut paraître mignon et pourtant ça n'a rien de mignon. Cette peinture, en fait, est la pire peinture que je n'ai jamais vue de toute ma vie. Ok, c'est parti. En vrai, ces arts peuvent paraître anodins. Elle aime la peinture, c'est énorme. Vendre à un collectionneur. Toile pop art. Allez, vas-y, on enchaîne.
Payer pour les bugs, c'est mon baston favori. Ah bah on adore. On est content des nouveautés, mais on est content des ajouts des bugs. En vrai, je rigole, je suis désolé de l'interrompre dans la création de ton contenu streamer de 13 ans et demi. Eh bah, merci beaucoup en tout cas. Et le nom, visiblement, est toujours bien retenu. Attends, voyons voir un petit peu. C'est quand que je suis une resta? Voyons voir. Star Mentor, les gars, très bientôt. Vendre. Ok, putain, ça arrive, les gars. Faut faire des toutes petites toiles, comme ça, elle peint plus vite et on vend plus rapidement. Le prochain pack, ça va être un kit de jeu de 10€, 1800... Attends. Mon pote est mort, capoute, il est ciao, mon petit bébou, tu vas manquer fort, emoji. Palombe qui vole dans le ciel, notamment 400 simflouzes. C'est-à-dire, c'est le double de ma deuxième meilleure vidéo. Ah non, mais là, les gars, autant vous dire que ça fait son petit boucan. Ah non, mais il faut que j'ai des amis qui meurent plus souvent, hein, je vous le dis. C'est bon pour les affaires, tout ça. Vendre à un collectionneur... Ok, bah attendez. Paysage, vas-y, repeins ton petit paysage. Juste constat un peu. Ah oui, non, c'est totalement un constat là. Hein. Tes vidéos font autant IRL. Non, 400 dollars la vidéo, putain. J'aimerais bien. Parce que là, c'est pas le cas, voilà. Ah, ça serait bien. Je pense que j'en ai pas une seule hein, qui a atteint les 400€ la vidéo. 400€, après, on va pas se le cacher qu'une vidéo qui fait 400€, c'est une vidéo qui fait 400 000 vues, quoi, en gros. Hein. On fait pas abuser. En vrai, 200 000 vues, ça peut faire 400€. Ouais, en vrai, de ouf. Parce que tu sais, on a souvent entendu, oui les gars, c'est 1€ les 1000 vues sur YouTube. C'est quand même plus 3, 4, 5€. Ça dépend après les vidéos, ça dépend la longueur, ça dépend de plein de choses. Mais c'est 3, 4, 5€ quoi. Donc 200 000€, ça me paraît pas déconnant. Mais 200 000 vues, c'est pas beaucoup de vidéos à 200 000 vues. Zéro. Morose, arrête! C'est pas parce que tu es comme la musique de Feld Up que tu dois forcément être morose. Écoutez, je suis en train d'écraser des insectes, il y en a partout. Voilà, dans ma belle villa. C'est dingue. Karaoke a refusé un trait. Mais j'ai pas envie d'être morose, c'est pas parce que j'ai perdu. J'ai perdu un ami. Il n'y a pas de quoi être morose, au contraire. Oh, c'est dingue. Bon, vas-y. C'est quand? Est-ce que je peux vendre une petite toile là? Attends, une petite toile triste. Voilà, toile triste. Go transformer sa tristesse en business, les gars. Hop là. Et ben voilà, je peux plus, je suis plus triste. Ah, c'est qui toque? Bonjour Sarah, vous allez bien? Enchanté, c'est vraiment le moment parfait pour entrer. Après, je pense que si elle rentre, c'est plutôt parce qu'il pleut là. Attends, invite-la à rentrer, Sarah. Sarah, bienvenue chez une star. Moi-même, présentation amicale. Pourquoi t'es très triste, Sarah? Tu as perdu le... C'était ton ami? Mais non, il est mort le con. C'est ton ami? Bah moi aussi. Comptez énormément pour moi. Télu? Télo? Et Neko? C'est ça? Ah, je sais plus comment ils s'appelaient, mais ils comptaient beaucoup. C'est vraiment un mec qui... Une phrase de mec qui va augmenter son héroïne en vrai. Ah, ça, c'est ça. Il y a des posts LinkedIn comme ça. Hein. J'ai raté l'enterrement de mon grand-père. Vous allez vous dire que ça peut paraître absolument déroutant. Et pourtant... Ce jour-là, j'avais le choix entre aller voir l'enterrement de mon grand-père ou alors assister à une réunion qui allait me permettre d'augmenter mon RAE de 450%. Écoutez, et ça c'est véridique, il y a vraiment un post LinkedIn. Après, à savoir si c'est une vanne ou pas, mais étant donné que c'est LinkedIn, on sait pas. Hein. Mais vraiment véridique, hein, ce que je vous dis. Hein. J'ai vu un truc comme ça en mode j'ai raté l'enterrement de mon grand-père. Parce que mon grand-père, il sait très bien que... Voilà, il préfère que je rate son enterrement et que je gagne des millions de dollars derrière. Plutôt que j'aille voir son enterrement, que j'aille voir que des gens qui passent leur vie à chialer et que j'aille augmenter mon ROI derrière, quoi. J'ai vu ce poste, ça m'a buté, c'est une dinguerie. J'en sors, tu vas bien, Tissam. Ils sont trop forts, ils sont trop imaginatifs. Bon, je deviens toujours pas un star, alors ça m'énerve. Quoi qu'il faut que je fasse, hein, je parle la France, quoi qu'il faut que je fasse pour être une star. Je vais aller, c'était vraiment sympa. J'ai 11 737 abonnés sur ma plateforme de direct. Je vais même dormir en direct. Je ne sais que faire de plus. C'est quoi? C'est la petite story Instagram qui va faire son petit boucan et qui va me donner l'étoile que j'ai envie? Hop, la petite photo! Eh ben non. Voilà. Manger ton caca et faire des bougies d'eau de bain. Ok. Je note. Dude, comment tu es, Bing? Je pense que ça peut être, effectivement, ça peut faire son petit bouquin. Fais une vidéo chanson dans laquelle tu te plains de ne pas être une star, je pense que c'est inadmissible, notamment, je pense. En vrai, je pense que t'as raison. Ah, mais encore, les gars, c'est la troisième fois qu'on propose d'être morose. Ça va.
À savoir que j'ai que le mot rose dans la tête. Hop là, ici, produire un nouveau morceau. Ah bah attendez, on va sortir le morceau où mon pote est mort. Je l'avais pas sorti en fait. Pour ça. Ah, ça a pas fait son bouquin ça. Enregistrer un vlog triste. Allez, c'est bon les gars, je vais sortir un vlog triste. Encore des insectes. Bah je pensais qu'ils étaient bons. Sois morose, c'est ça Cadel Lavanne. Ok vas-y, je fais un petit vlog triste, s'il te plaît. Non. Et voilà les confiantes. Putain, je peux pas terminer mon vlog triste. Vas-y, réponds aux commentaires, c'est bon, je sais plus quoi faire moi. Après peut-être faudrait qu'elle aille chanter. Bon, on va aller chanter les gars. On va aller chanter. Ou alors, attends, juste avant d'aller chanter, ce qu'on va faire, c'est... déjà, réserver une détox de célébrité, ça on est d'accord, ça permet d'enlever tout nos tracas. Le projet de classe abonnée dans le jardin, et, attends, je le vois même plus. À force de voir les mêmes trucs, je fais plus gaffe, quoi. Mon pote est mort, j'en parle pour avoir du pognon. Ah, mais faut pas que je le dise dans un titre, parce que... Ok, l'honnêteté, les gens, ils aiment bien, mais là, c'est pas un sujet où l'honnêteté, ça serait efficace quoi, tu vois. Bon. Elle est en train de se faire une petite détox de célébrité. Il travaille aujourd'hui, Fatal ? Le pauvre, il travaille toute sa vie, les gars. Toute sa vie. Et la tâche de promotion, il doit avoir 25 abonnés. 25 abonnés sur quoi ? Je sais même pas sur quoi. Écoutez, on attend. Voilà. Elle se fait sa petite détox. En tout cas, c'est bizarre, ouais, irresponsable. Les Sims irresponsables sont mal à l'aise au travail, mais ils ressentent beaucoup de joie lorsqu'ils ignorent les factures ou font le minimum d'efforts. C'est bizarre, hein. Je pense que dans la vraie vie, t'as beau être irresponsable, je pense que tu as pas beaucoup de joie à esquiver tes factures. Je pense, hein. Ça doit plutôt être stressant, quoi. Mais là, ouais, bénévole, et déjà, tu ragages. Mais le... oui, en vrai... En vrai, de ouf. Hop là. Est-ce que c'est une bonne idée? Vraiment, c'est le moment de nager, là? C'est Coca les gars, Coca et petite piscine. Hop là, passe du bon temps. Allez vas-y, let's go. 2500. Oh bah, je me fais tellement d'argent là les gars. Merci beaucoup Sabi Live. Merci pour le raid. Comment allez-vous? Karaoke est revenu de sa détox de célébrité. Tous les avantages dont elle profitait grâce à son hôtel ont été supprimés. Quoi? Mais pourquoi? Mais en fait ça m'a baisé ça. Ça m'a baisé de fou, je voulais pas. Comment ça va bien? Écoutez, nous on essaie d'être une star, on a un peu du mal. On essaie de surfer sur le buzz de notre ami mort. Et bah écoute, ça marche, on se fait de l'argent, mais pas forcément ce pourquoi on veut de l'argent. Enfin, on veut surtout être connu, être célèbre. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais prendre une petite potion. Hop là, je vais la boire. Je vais acheter un micro, parce que je crois que je l'ai laissé au lycée, le dernier micro en date. Juste ça, les insectes. J'ai des insectes partout normalement. Ah bah regarde. Voilà, hop, dispositif, c'est bon. On va l'utiliser, on explose tout. Et voilà, donc là on va s'acheter un micro. Faut s'acheter un piano et une guitare. Et à nous l'argent les gars. Et à nous la star 3 étoiles. Hop là, guitare. Hop là. Voilà. Plus je vois ta maison, plus je me dis qu'elle est belle. Eh ben écoute, en plus elle va évoluer ma maison. Parce que là, regarde, ma chambre, ça devient une chambre un peu de villa. Et je pense que ça va être stylé, hein. Quand tout va être transformé en villa, ça va être pas mal, ça va être pas mal. Les gars, truc de ouf, j'ai pensé à remplir les croquettes de mon char. Voilà, ça peut paraître anodin pour certains. Pour moi, c'est juste une évolution. Les gars, je suis bientôt 3 étoiles. C'est toi qui l'as fait. Oui. Non, j'ai demandé à Noémie de venir là et voilà. C'est pas vrai. Ok, let's go. Let's go, c'est long. Donc là il faut aller, putain. En fait ce bar, j'ai envie d'y aller, mais j'ai l'impression que ça va bugger de fou. Vas-y on essaye quand même. Non vas-y, je vais aller dans un autre bar. On va aller à Newcrest. T'as un micro déjà dans le salon. Bon bah c'est pas grave, on en aura plusieurs. On va dans un café. En vrai on va chanter dans un café, ça va faire son petit boucan. Offrir des objets, ça fait monter la notoriété. Ça fait peur, ça bug comme ça. L'orage, comment tu as Bing? Et ouais, faudrait que je baisse... comment j'offre un objet déjà? C'est dans le téléphone? Ou alors dans le... Putain, mais merde, le temps de merde! C'est que moi qui ai le son qui bug des fois, je pense... Et comme je dis souvent, j'espère. Parce que j'ai pas forcément vu ça de moi. Parce que sinon, ça fait chier tout le monde. Attends, comment on donne un objet? Ah oui, c'est ça, s'entraîner, non? Zabala? Chanter des chansons? Je sais pas comment on fait.
Tu cliques sur l'objet. Juste, je clique sur l'objet. Ça serait bien de pouvoir donner les objets des autres. Ça serait trop malin, non? Donc ça, c'est un petit café. Donc on va arriver. On va faire venir notre petite scène. Voilà. Et go jouer de la guitare. Ah, il faut que je sois niveau 4 en guitare. Donc on va ranger la scène. Et on va sortir notre micro. Et on va s'entraîner à chanter. Ok. Ok, les gens sont contents. Ces autographes, ça augmente la notoriété ou pas? Je sais pas, faudrait que j'essaye. Tous ces gens là, ils vont avoir un autographe de moi, je peux t'assurer hein. Je peux t'assurer, et ils ont intérêt à accepter hein. Sinon y'a papa qui vient. Allez, un peu d'argent, un petit peu de notoriété, un petit truc là, non? Ok, c'est bien, la notoriété augmente, très très bien. En plus c'est très beau ce qu'elle fait hein. Quel vibrato, non mais c'est... Elle s'entraîne après là. Chanter une chanson. Déjà, hey, les gars je suis niveau 9 hein. Ok, vas-y. Putain les gars, regardez tout l'argent que je reçois. 36. Généreux monsieur, généreux. Allez, allez! Allez, venez! Augmente 3 étoiles, augmente! Non, hey, Fringant, j'ai une famille de musiciens quand même. Hein. Fringant, j'ai mon père est batteur, ma mère est prof de chant, mon frère est batteur. Et c'est pas juste batteur comme ça, c'est batteur professionnel. Attention, j'ai grandi dans la musique, j'ai fait option musique au lycée. Quand même! Parce que t'as sorti le seul terme musicien, tu sais. Futur papa? Attendez, mais c'est vrai qu'ici, est-ce qu'on pourrait pas trouver le futur papa là? Ça, c'est Coca, c'est marrant Coca qui. Ah, mais les gars, ah, lui peut-être futur papa? Hugo Nishideik? Bah écoutez, c'est le mec le plus correct qu'il y a à côté, hein? Vas-y, attendez. Pourquoi elle est mal à l'aise? Arrête d'être humidité désagréable là. Ça, c'est un état d'esprit, l'humidité désagréable. Le mode lama dehors, je suis désolé, Fringant. Ça compte pour toi, quoi. Hop là, vas-y, je me présente à lui. Présentation, signer un autographe, les gars. On va voir, c'est mon futur mari. S'il accepte, c'est un bon pas. Non, pars pas, par contre. Hop là, salut, tu veux un autographe? Rapproche à ce que je vois. Il me connaît même pas. Oh, il est content! Eh ben voilà, déjà, c'est une bonne chose. Parce que, à deux doigts de te fracasser la gueule si jamais tu me connaissais pas. Enfin bref, comment tu vas? Moi, je fais un peu de batterie, voilà. C'est le seul truc que je sais globalement faire, un instrument. Je fais poum poum tchak, et voilà. C'est pas mal en vrai. Ok. Flatté. Bah en vrai, ça va, en mari, on a trouvé bien pire hein, quand même. Ah, monsieur! Ah ouais, monsieur, vous êtes concentré, vous êtes en train d'augmenter votre ROI. Là, vous êtes en train d'investir dans la crypto-monnaie. Je reconnais cette tête. Hein. Attends, je vais me présenter. Bien élevé. Putain, oui, je suis bien élevé, bien sûr. Ben voilà, j'ai un trait en plus, c'est que je suis bien élevé. Bien élevé par Fatal Bazooka, les gars. Il y a une contradiction là-dedans. Je saurais pas la définir. Vas-y, s'entraîner à chanter. On va pas non plus parler à quelqu'un qui est en train d'augmenter son ROI de 500%. On va pas le déranger. Vas-y, ici. Ok. L'argent! Après, voilà, faut savoir que ce sera pas des maris peut-être officiels. Même si, quand même, si c'est le père de mes enfants, faudrait quand même que ce soit des maris officiels. Ils vont partir, quoi. Tu utilises les réseaux sur l'ordi. Mais en vrai, Kalash, qu'est-ce qu'il veut? Kalash, tu m'insultes tous les jours et tu m'appelles comme si de rien n'était? Paniqué, t'es grand mort, Kalash, tu vois, je te le dis. Paniqué, t'es grand mort. Bon. Écoutez. Je sais pas quoi faire de plus. Vous avez des strats pour augmenter peut-être la notoriété sur ce jeu vidéo? Parce que là, tout le monde s'en bat les couilles de moi. Ça fait plaisir. C'est vrai qu'on peut, je crois qu'on peut créer notre marque de vêtements. Enfin, notre marque tout court. Faites voir, c'est dans quoi? Contactez l'agence. Demandez un bon article. Écoutez, je vais essayer de demander un bon article. Ça va augmenter quoi? Ma réputation? Non, ça augmente ma réputation, d'accord. Ça, voyons, on va s'entraîner à programmer, vérifier la situation avec bon son. Non, toujours pas la troisième étoile, mais c'est ce que je vise, hein. C'est fou de galérer autant. Faire un don. Ah, voilà. Faire un don à repas sur le pouce. Voilà, on fait plein de dons, les gars. On va essayer d'augmenter notre notoriété comme ça. Et tout le monde, j'ai fait une donation. Voilà. Est-ce que c'est...
Bon, voilà. Vaut mieux exposer le fait qu'on fait une donation, c'est comme donner de l'argent à SDF. Pourquoi donner de l'argent à SDF ? C'est pour pas filmer derrière et pas se montrer. Hein ? Vaut mieux le faire, quoi. Sinon, autant pas donner. Hein. Autant pas donner. Vas-y, faire une story sur Instagram. Ça marche toujours pas. Y a pas un truc avec les marques, non, réseaux sociaux ? Créer un profil sur les réseaux sociaux. Ah ben voilà ! Voilà, ça va certainement augmenter le truc. Ah ok, un nouveau profil. D'accord. Et maintenant, du coup, réserver une détox, non c'est pas ça. Réseau social, faire de la publicité. Ok, vas-y. Ça augmente la notoriété, ça ? Vérifier si la Dopa Paradis a grandi. Attendez, regardons un petit peu. C'était Romain, c'est ça, non ? Toujours ado. Toujours ado. Il a 13 ans là, on est là à compter les jours, en mode c'est quand qu'il est majeur là. Ok, plus de choix, réseau social, partager une photo, à mettre à jour son statut sur les réseaux sociaux. Voilà. Ça suffit pas. Réseau social, partager une photo, notoriété. C'est dur les gars d'être une star, hein, putain. Je pensais pas que la troisième étoile était si dure à avoir. Et dire que j'ai essayé d'avoir une troisième étoile en un seul jour. Attendez. Là, je vais partir alors qu'il y a de l'orage dehors. Tout le monde est dedans. C'est mon moment. Je sens là, ça va être maintenant, regardez. Hop, dès que j'ai de l'argent, je deviens une star 3 étoiles. C'est maintenant. Yes! Enfin! La célébrité de karaoké peut enfin commence à vraiment prendre forme et peut désormais clairement se considérer comme une célébrité de série B en tant que célébrité 3 étoiles. Elle peut désormais faire des accolades ou prendre des selfies avec ses fans. Malheureusement, les paparazzi ont également commencé à s'intéresser à sa vie quotidienne. Faites attention à eux lorsqu'elle sort en public. Heureusement, il y a un moyen de conserver un semblant d'intimité lorsque lors de ses sorties en ville. Je peux mettre avec un miroir, je peux utiliser un déguisement. Voilà. Hop, bah écoutez, c'est énorme, enfin. On aura galéré. Hein. Et du coup, je peux investir dans. Bah, attends, mais je l'ai débloqué, ça me saoule pas. Célébrité de série B. Pourquoi je le suis pas ? C'est honteux, les gars, c'est honteux. J'ai dû me le mettre parce que là, je l'étais. Mais putain, c'est un nouveau bug après, les gars. C'est un nouveau bug sur les Sims. Ça arrive. Bienfaiteur, les bonnes réputations de karaoké lui a permis d'être considéré par le public comme une célébrité gentille et charitable. Et ont développé sa notoriété grâce à ses actions positives et améliorera désormais sa réputation encore plus rapidement. De plus, elle pourra désormais donner des objets. Eh ben voilà, c'est bien. Du coup, faut que j'achète ça. Mais ça, c'est quoi ? Chouchou des fans. En tant que célébrité, karaoké réunira sur une armée de fans lui obéissant au doigt et à l'œil. Elle pourra tout demander à n'importe lequel des fans pour améliorer la notoriété ou la réputation d'un membre du foyer de son choix. Elle pourra également prendre la pause pour éblouir ses fans à proximité. En vrai, c'est très rigolo. Et on va faire peut-être ça. Ça, c'est bien aussi. Et ça, c'est quoi ? Partenariat avec des entreprises. Mettez en ligne des vidéos pour augmenter votre notoriété et gagner de l'argent. Putain, les gars, ça augmente plus rapidement ma notoriété quand je fais ça. Augmente plus rapidement la notoriété via les vidéos que je sors sur YouTube. Je m'en rends compte que maintenant. J'aurais eu ça, je serais une star depuis certainement des années en fait. Bon, quand même pas, mais voilà. Tu imagines là ? Si j'avais fait tous mes vlogs sur mon ami mort alors que j'avais ça, mais j'aurais été une star. C'est fou. Non ! Mais rentre chez toi. Mais pourquoi il part ? Mais bordel, mais casse-toi par là-bas ! L'autre côté ! Elle a envie de pisser, elle traverse. Allez, dépêche-toi. Pour moi, c'est YouTube, hein, tu sais. Et elle meurt fin. Voilà, fin du challenge. Et ciao tout le monde, merci d'avoir suivi cette aventure. On se retrouve très bientôt. Au revoir. Ok, let's go. La galerie contient des fantastiques créations des autres fans. À part moi. J'ai pas triché, moi, c'est qui triche ? On me dit que je triche ? J'ai dit que Lucas avait triché. Comment ça ? Je vous laisse vous manquer, je vous fais des bisous. Vas-y Cam, tu nous manques aussi, des gros bisous. Profite bien. Hop là, je sais même pas si Cam est toujours en France. Logiquement oui. Vas-y, la vessie.
La musique de Fledop, pourquoi je m'y attendais? Parce que tu commences à t'habituer. Ok, c'est bon, vas-y, on va pisser, on va manger, clac, 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 on va se prendre une petite douche et on va faire une petite dernière vidéo. Et écoutez, on s'arrêtera là, je pense. La longue vie de Fatal touche à sa fin. Oh les gars, ça me fait du mal. La longue vie de Fatal touche à sa fin, c'est le moment de mettre l'ordre dans ses affaires. Ça veut dire, là, que l'épisode prochain, donc la semaine prochaine, live à 20h, nous allons certainement avoir une naissance pour une mort. Et certainement plus qu'une naissance, parce que je vais mettre le trait alignement cosmique, car là, vu que c'est les deux derniers accouchements que je vais devoir faire du challenge entier, il va falloir vraiment tout miser pour qu'on ait au moins un enfant qui hérite enfin des traits bien. Quels sont les traits qui cassent les couilles encore à la quatrième génération? Les yeux, je crois. Les yeux sont toujours les yeux de Grotesca. Les rides sur le front, toujours les rides de Grotesca. Les sourcils un petit peu comme ça, toujours de Grotesca. Et sa peau extrêmement blanchâtre, qui est typique de Grotesca. Bref. À quand le prochain pack? C'est jeudi prochain. Et c'est un kit, ce sera pas un pack. Et voilà. Et pour l'instant, on attend plus rides, yeux, peau. Ouais, c'est ça. On attend plus des corrections de bugs plutôt que des ajouts. Mais bon. Après, ça. Ah, pensée profonde. Attends, mais vas-y, on va pas faire ça. Après, j'ai quand même hâte du pack de jeu, on va pas se le cacher. Vas-y, attends, attirer l'attention sur les prochaines vidéos, enregistrer une vidéo, évaluation de produits, jouer. Et évidemment, le jouet conteste, c'est l'urne de mon ami Eneko Lico, c'est ça? Il s'appelle comment? Il s'appelle Enele. Je force un peu. Heureusement que karaoké ne chante pas comme une casserole n'empêche, sinon on pourrait dire qu'elle a le karaoké moyen et pas ok. Bon, ok, j'arrête. Si jamais tu as le temps, c'est pas mal, c'est pas mal. Live, vu que j'ai envoyé sur le Discord les deux premières versions de l'artwork sur lesquelles j'ai travaillé, ça me ferait plaisir que tu me donnes ton avis. Un vrai de ouf. Carrément, carrément, rappelle-le-moi parce que je vais oublier 100%, mais ouais, carrément, carrément. Merci beaucoup pour les 200 bits, merci, c'est adorable. Et j'ai hâte de voir ça, en vrai. Fifi, merci beaucoup pour le follow, merci beaucoup pour tous les follows, Amy, Emily, Lena, Inès, et pour tous les follows TikTok. T'as vendu combien de bébés? J'ai pas vendu d'enfants pour l'instant, j'avoue. Comment vous faites pour devenir une star? C'est avec le pack Heure de Gloire. Alors écoutez, attendez, évaluation de jouets, j'ai testé l'urne de mon ami et c'est de plutôt bonne qualité, assez robuste. Claquer au sol l'artwork. Est-ce que c'est bon pour vous? Horrible. Mais malheureusement, j'ai renversé la poussière dedans. Non, c'est faux. J'ai pas regardé, ça doit être beau, etc. Dedans, bref, voilà. C'est pas mal, non? J'ai testé l'urne robuste, mais malheureusement, j'ai renversé la poussière dedans. Je comprends pas pourquoi il y avait... Est-ce qu'elle aime pas la production des médias? Mais elle va te faire foutre, en fait. Voilà, va te faire foutre dedans. C'est dingue, ça. Elle aime pas la production des médias alors qu'elle fait que ça toute sa vie. Elle veut être une star. C'est dingue. C'est dingue, c'est dingue. Je sais pas pourquoi dans l'urne, il y avait autant de poussière. Je comprends pas. Il devrait nettoyer. Il devrait nettoyer. Donc, j'ai pris soin de tout vider. Voilà, de tout jeter dehors, dans une poubelle. J'ai pris soin de nettoyer un petit peu toute l'urne. Je l'ai rendue à la famille. Et j'ai pas compris pourquoi ils ont crié, mais... Les gens sont sales. Ils sont sales de nos jours. Fait un peu mal à voir. Bon, écoutez, on modifie la vidéo, on va la sortir, on va arrêter là. Et puis ce sera nickel. J'ai testé l'urne de mon ami, ça tourne mal. J'avoue que ça aurait été parfait. Faut la rendre un peu YouTubeable, mais voilà, j'ai un peu du mal. Je mène une vie d'assassin. Merci vraiment pour les 200 bits au passage. J'ai pas regardé, ça doit être beau, etc. Mais on va voir ça. On va voir ça. Et dans tous les cas, même si c'est pas beau, ce qui est pas le cas, j'en suis persuadé, c'est toujours, l'attention est toujours extrêmement mimi. Alors, voyons voir. Mettre en ligne la vidéo. Et c'est parti, les BG. Wesh, les BG, comment ça va? Aujourd'hui, nouvelle vidéo. Mon ami qui est mort, j'ai vidé l'urne et c'est fini. Écoutez, il va bien. C'était la dernière vidéo sur lui. J'espère en tout cas que vous avez aimé cette petite série de vidéos. Si c'est le cas, n'hésitez pas à commenter, partager un max sur les réseaux sociaux. Et surtout, allez dans le lien dans la description, PayPal/karaoké. Et on paye mes potos. Et c'est parti. Comment ça va, karaoké? J'ai vu que tu avais récemment fait le buzz. Les gars, ma mère
C'est une escroc, c'est dingue, elle s'arrête pas. À chaque fois que ma mère me parle, c'est pour me dire hey, j'ai vu que tu avais fait, que tu avais une amitié avec telle personne. Hey, j'ai vu que tu avais de la notoriété, c'est bien de te connaître. Hey, comment ça va? C'est-à-dire, ferme ta gueule, non? Ferme-la! Elle abuse de fou à chaque fois, ma mère. Chuni, une escroc, mais non, mais enfin, c'est pas ma mère, mais plutôt la mère dans le jeu vidéo notamment. Ma mère est une véritable opportuniste. Ça fait mal à voir. Écoutez, on va directement aller se coucher. Non, mais ça, par contre, un truc dans les Sims, j'arrive à le comprendre, mais à la fois, ça fait chier. Quand tu cliques sur ton lit, où naturellement, tes Sims, à partir du moment où c'est 10h, entre 10h et 10h du soir, ils ne vont pas dormir, ils vont faire une sieste. Ils passent. On est d'accord que les siestes, ça sert à rien dans les Sims. Ça, tu passes juste le même temps, mais tu dors moins. En fait, juste les siestes, si jamais t'as envie de reposer un petit peu ton Sims, mais pas trop, ça sert un peu à rien, on va pas se cacher sinon. Ah, pas ça. Merci Mamchax, merci beaucoup pour le follow, ça fait plaisir. Faut lui faire écrire un livre, comment exploiter au maximum le décès d'un de vos proches, afin de récupérer toute sa fame. Bah écoutez, ça, en vrai, ça a pas tellement marché, c'est surtout sur l'argent que ça a marché. Parce que regarde, on regarde un petit peu tout l'argent qu'on a eu. Il est vraiment mort, c'est pas un prank, c'est pas une blague, ni un canular, ni une caméra cachée, ni un prank caché, ni un canular caché. 637 Simflouz. Et j'ai eu du coup, la deuxième vidéo, mon pote est mort, capoute, il est ciao mon petit bébou, tu vas me manquer fort, et moi j'ai pas d'ombre qui vole dans le ciel. 300 Simflouz, c'est-à-dire que deux vidéos sur mon pote qui est mort, ça a donné 1000 Simflouz en une seule journée. Et là, on pense que c'est terminé, et pourtant, je vais sortir le dernier morceau. Mon pote est ciao, je vous l'avais dit, c'était une superstar, ce mec je l'adorais pour son argent, oublié le dernier mot, pour son cœur. C'est fou, achète des fleurs avec. Coûte trop cher. Faut une semaine pour dire des titres. Bah c'est long après, ouais. Écoutez, on sort ça. Voilà, mon pote est mort. Mon pote est ciao, je vous l'ai déjà dit, est sorti officiellement. Ça fait très très plaisir. On va. Oh regardez les gars, j'ai mis deux ordinateurs. Dommage, je voulais mettre le même ordinateur ici. Il y aurait eu des voisins d'ordinateurs. Ça aurait été énorme, non? Merci Poply pour le follow. Merci Francesca pour le follow sur TokTok. Écoutez, on va s'arrêter là directement. Je vous propose, hop là, gérer les mondes, sauvegarder, gérer les mondes. On va dire au revoir à YouTube. Et semaine prochaine, il va se passer beaucoup de choses. Semaine prochaine, les gars, c'est la dernière ligne droite. On va mettre en place la dernière ligne droite. Ça va être quelque chose. Voilà, je vous le dis, ça va être quelque chose. Écoutez, 3h30 de live, on a commencé à 21h, c'est pas mal. J'ai toujours pas le level up, je vais chialer. C'est pas grave, Canel, c'est pas grave. C'est que partie remise, c'est comme ce que je suis en train de faire sur le jeu vidéo notamment. Tu vois? Voilà. Alors, on va dire au revoir à YouTube, je vous propose. Je suis en train de m'endormir. Merde! À chaque fois, je me gourre. Mais oui, là, ça a commencé exceptionnellement à 21h. En temps normal, c'est pas à 21h, c'était vraiment. Voilà, c'était particulier. Ok, Epidemic Sound, je vais mettre une petite musique. Au revoir, YouTube. Non, vas-y, on va pas mettre ça, c'est pas possible. Hop, on va mettre quoi? Petite musique disco, vas-y, je vais mettre disco. Qu'est-ce qu'on peut tomber? Disco. J'ai marqué Discord, j'ai tellement l'habitude de marquer Discord. Disco. Attends, celle-là, on la connaît. Ok, merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. La semaine prochaine, on trouve un mari, on la rend encore plus star que star. Je vais y aller dans l'ordre. La semaine prochaine, notre karaoké va devenir une encore plus grande star. Elle va trouver un mari et tomber enceinte avec alignement cosmique. Donc si elle a des jumeaux, tant mieux, si elle a des triplés, ah, ça va me saouler, mais j'ai envie d'avoir toutes les chances de mon côté pour avoir mes derniers enfants qui soient de véritables BG. Il faut qu'ils déshéritent de cette peau, des rides et des yeux, et on aura réussi le challenge officiellement. Est-ce qu'on va réussir? On le saura la semaine prochaine. Je vous rappelle que tous les lives sont le jeudi. Tous les lives du Génération Leader sont le jeudi à 16h en live. Et le lundi à 16h, la vidéo montée. Si ça arrive un peu plus tard, c'est qu'il y a un peu de retard. M'en voulez pas. Je vous fais des bisous. Code créateur Lucas, on n'oublie pas. Ciao. Waouh, quelle musique. Quelle musique, j'adore cette musique. Je dis ça, je dis rien. Viendez sur Twitch, on est bien, mais je confirme. Écoutez, j'espère que cet épisode vous a plu. Putain, l'anniversaire en vrai était marquant. Je sais pas si vous vous rappelez de l'anniversaire, mais bordel qu'il était marquant. Je pense que vraiment, ça pouvait pas mieux commencer la vie de jeune adulte pour karaoké, quoi. Oh là là, ça s'est explosé la gueule. Par contre, en vrai, pour mes degrés, Fatal il va manquer. Qui va sauver sa petite fille de la concurrence quand il sera mort? Ça va être une dinguerie.
Incroyable, c'est Narcissa, c'est kiffé. On va sur Kik, je pense. Donne-lui une potion. Ah, mais il a pas. Il a, pour lui donner une potion, il faudrait avoir au minimum 2000 points. Et j'ai pas 2000 points. Donc, à moins qu'on farme une aspiration au dernier moment, on pourrait essayer de lui donner une potion, mais putain. Fatal et iconique, il va mourir, les gars. Semaine prochaine, ça veut dire que là, potentiellement, dans 3 jours, il meurt. Voilà. Dans 3 jours, Sims, il meurt. Et on n'a pas envie de voir la scène de lui qui meurt. Il a tué tellement de gens. Il mérite pas de mourir. Ouais. Sinon, code de triche, non. J'aime pas tricher sur ça. S'il y a une personne qui doit partir, elle part, tu vois. Et quand je juge que c'est son heure, tu vois. Et Fatal, bah, c'est triste, mais c'est son heure. Il a fait le tour, quoi. Aspi loup-garou pour être immortel. Ouais, mais putain, va chercher. Va devenir loup-garou en 2 jours et devenir le boss pour avoir tout ça. Il va rejoindre Bob. Pff, oh là là. Vas-y, on va lancer un loto. Prends sa sœur. Putain, surprise. Eh ouais. En vrai, j'ai trop envie dans cette série. Parce que vous savez, là, il y a plein de membres de la famille. Il y a Surprise, il y a les autres membres qui sont morts et tout. Mais il y a Kalash. Il y a plein de membres qu'on ne voit plus. Et ça serait bien de faire un peu des... comment ça s'appelle, des épisodes que je fais en off et qui seraient sur leur vie à eux. Tu sais, c'est un peu des... je sais plus comment ça s'appelle. Un peu un spin-off, tu vois. Un spin-off de leur vie parallèle de ce qui se passe. Et si jamais je le fais, genre, je coupe le temps qui s'écoule, dans le sens où genre ils ne vieillissent pas pour pas qu'il y ait d'impact sur la partie. L'objectif, c'est pas que j'ai un appel en mode ouais, il y a Fatal, il est mort, ça s'est passé en off, ça serait dommage, mais ça serait drôle, ça serait hyper long. Bah non, ça rajouterait un ou deux épisodes en off, tu vois, mais c'est tout, quoi. C'est juste effectivement pour développer des petits personnages à côté, et ceux qui s'en foutent, bah il y en a pas, et ceux qui et dans tous les cas, ça va rien changer sur la série principale, à part que ceux qui auront regardé, ils sauront que putain, en fait, il se passe pas mal de choses de l'autre côté, quoi. Ça serait cool, en vrai. Ils ont trop manqué, je veux pas que ça s'arrête. Après, j'ai des petites étimes, mais on va voir. Demandez pas si jamais il y a des viewers qui viennent pas ou qui sont pas là. Demandez pas en mode, elle est où, elle a telle personne, elle est où. C'est généralement, en plus, Letty, à cette heure-là, elle dort large. Comment tu fais pour pas qu'ils meurent, les autres? Bah, dans ce cas, tu vois, si je venais à le faire, il faut que je désactive les histoires de quartier, il faut que je désactive la vieillesse. Pour les Sims que je joue et pour les Sims de tous. Et comme ça, ils bougent pas, personne ne bouge dans la partie. Et voilà, quoi, il n'y a pas de développement en mode Fatal, je reviens dans le foyer le jeudi prochain et je suis en mode waouh, il y a Fatal, il a fait des gosses, génial. Tu vois, ça peut être drôle. Enfin, ça serait chiant. De base, Fatal, c'était fait tuer. Ouais, mais c'était pas. C'était un peu le truc incontrôlable du mode. C'était vraiment passé beaucoup de dingueries dans le dernier truc. Pour booster sa notoriété, elle profitera de la mort de Fatal pour faire des musiques. Mais c'est ça. Mais après, Fatal, il était tellement... Il a la pire notoriété. Il a la pire répétition, je veux dire. Réputation. Ah putain, quand t'es fatigué, les mots, ils sont durs à trouver. Hein. Ça, c'est peut-être senti. Ça, c'est les... Et puis en plus, demain, faut que je me lève tôt. Ah ouais, demain, faut que je me lève tôt, les gars. Écoutez, je vais vous laisser... Demain je me lève tôt. Je vous fais des gros bisous, je vous remercie beaucoup pour ce live. J'ai passé un excellent moment, j'espère que vous aussi. Demain pas de live, mais samedi, live relativement long sur Minecraft. Il va y avoir un événement, les gars. Il faut être là, hein. Il faut être là. Les gars, samedi, je vous le dis, 14h, il faut être là. Que vous soyez sur le serveur ou pas, il faut être là. Il va y avoir un événement qui va être incroyable. Si vous êtes sur le serveur, il faut absolument que vous veniez. Ça va être trop bien. Je vous le dis, on fait un petit événement là. Il y a même... J'en dis pas. Mais il faut être là parce qu'il va y avoir un événement vraiment stylé. Je pense que même les gens qui n'aiment pas Minecraft, vous allez venir samedi, vous allez kiffer. Voilà, je vous le dis, donc ça va être bien. Je vais faire l'auto. Bonne nuit, Winnie, j'espère que tu vas bing. Attendez, je vais faire le loto. Clac, clac, clac. Il faut que je désactive à chaque fois sur ma montre le fait que c'est en silencieux. Avant, il pouvait parler Siri quand il n'y avait pas de silencieux. Attends, je vais mettre du suspense. Hop là. Hop là, hop là, hop là. Alors, avant, quand je disais donne un chiffre entre 1 et 10, il me disait ça fait 11. Ensuite, quand j'ai dit donne-moi un chiffre entre 1 et 10, il me dit ça fait 11. Bon, en vrai, il inverse tout le temps. Là, je crois que c'est nombre. Maintenant, c'est nombre que je dois dire. Ce qui est le cas, avant, c'était nombre. Donne un nombre entre 1 et 10. Ça fait 10. Bravo! Bravo, bravo à toutes les personnes qui ont voté le chiffre 10. Enfin, le nombre 10. En fait, le mini, c'est pire que ça. C'est qu'il y a de base, j'ai toujours dit donne un nombre entre 1 et 10. Et là, il te disait le nombre entre 1 et 10. Mais quand tu disais donne un chiffre entre 1 et 10, il te disait 11. C'était tout le temps.
Donc, j'ai toujours dit nombre. Et un jour, je dis donne un nombre entre 1 et 10, 11. Donne un nombre entre 1 et 10, 11. Donne un nombre entre 1 et 10, 11. Bon, j'ai compris. Et là, je dis donne un chiffre entre 1 et 10, 7. Ok. Et là, la dernière fois, du coup, en ce moment, je disais tout le temps chiffre. Et maintenant, quand je dis. Il faut que j'enlève le mode repos. Donne un chiffre entre 1 et 10. Très bien. J'ai désactivé le mode de concentration repos. Voilà. Donne un nombre. Donne un chiffre entre 1 et 10. Quel connard. Ça fait 11. Voilà. Genre maintenant, il y a une mise à jour où en fait, ils ont dû comprendre qu'il y a eu un bug avec chiffre et nombre. Et maintenant, quand tu dis chiffre, il dit 11. Donc voilà, ça n'existe plus. Donne un chiffre entre 1 et 10. La réponse est 11. Voilà, maintenant faut bien dire nombre. Voilà, avant c'était chiffre, c'est la méta change. C'est comme les mises à jour des personnages sur League of Legends, hein, pour ceux qui y jouent bien sûr. Chaque mercredi ça change, bah là voilà, il y a une mise à jour. C'est plus chiffre, c'est nombre. Avant c'était nombre, c'est chiffre. Et c'est repassé à nombre. Voilà, il est un peu cassé, oui, il est un peu cassé. Donc voilà, et entre 1 et 50, il est toujours 11. Logiquement il va dire 51. Donne un chiffre entre 1 et 51. Ça fait 52. Ouais bah voilà, c'est toujours un de plus quoi, voilà 50, ça aurait été 51. Bref, il est casse-couille. Écoutez, merci beaucoup. Ah, j'ai coupé la musique, je me sens triste. Merci beaucoup, je vous propose peut-être une petite danse, vu que là on écoute de la disco. Attends. Ça ? Non, attends, ça c'est quoi ? Oh, celle-là, oh, début du live. Petite danse, je vous fais des gros bisous et je vous dis à samedi 14h. Soyez là, ça va être une dingue. Ciao! L'égalité, la dinguerie, l'égalité des bavards entre Dieu des cannelles, c'est dinguerie.
Tu peux t'arrêter de danser, hein. Il n'y a plus de musique, il n'y a plus de musique là. Tu peux t'arrêter là. Voilà. Parfait. Nickel. Alright. Des bisous tout le monde. Ciao. Ciao.